T'as ta vie, t'as construit, réussi. Donc forcément t'attires les envieux, hypocrite, tu souris. Mais feront tout pour t'abandonner. Souvent les écoutes dans le dos viennent des personnes pour qui tu te donnes. Mais t'inquiète ma belle, oublie pas ma belle. Que si jamais un jour tu entends les échos, c'est parce qu'ils sont jaloux. Elles sont jalouses, ne t'en fais pas. This is original Black parents. Where's the F? Where's the G? It's a minor. Tout ça qu'elles ont à faire, c'est pour vendre. Pas grand rien à faire pour nous-mêmes. Tout ça qu'elles ont à faire, c'est pour vendre. Pas grand rien à faire pour nous-mêmes. Depuis petit, n'a pas réfléchi. C'est pour ça. Le nom de l'école ouvre le premier. C'est pour ça. Les nappes sont fines, habillées frais. C'est pour ça. Pour femme n'a pas travail. Pour femme n'a pas travail. Depuis petit, n'a pas réfléchi. C'est pour ça. Le nom de l'école ouvre le premier. C'est pour ça. Les nappes sont fines, habillées frais. C'est pour ça. Pour femme n'a pas travail. Pour femme n'a pas travail.
c'est la loi. Balilove, MC Kiki, DJ Ino, Rav Bébé, Balilove, sous piste là, Balilove, sous vibe ça, Balilove, ou même Balilove, Balilove, KGM, Wapai Soumila. MC Kiki, my guy,
Oh my God. Nous méchants.
Dani. Ça va bien?
Génial, génial. Ben, bienvenue au Kéké Show, on applaudit. Donc, je suis animatrice de la soirée. Ben non, c'est une joke. Non, pour de vrai. Je suis juste une artiste invitée. Dans le fond, on me connaît sous le nom de Ira. Donc, j'ai présenté deux chansons, OK? Fait que la première, c'est une composition que je dédicace à Vikens Boneg et Mélissa Jeune, deux couples mariés qui viennent de se marier récemment. Félicitations. Donc, j'avais écrit cette chanson-là pour leur mariage et je l'avais interprétée dans leur mariage. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Merci. Tous m'avaient abandonné ce rayon de mon passé. Quand tous m'avaient rejeté, négligeant ma réalité, je souffrais en silence, prête à subir toutes sortes de blessures. Je voulais une délivrance, prête à mourir pour fuir les meurtrissures. Mais il y avait encore une issue à tout ça, le seul espoir en qui j'ai cru. Hosanna, ne m'a jamais déçu. Alléluia, après mes vécus, aujourd'hui je vois que je suis à présent cette femme revêtue de gloire. La bague au doigt est mariée, qui aurait pu le croire? C'est Jésus-Christ, celui qui avait restauré mon cœur meurtri. Et en plus il m'a donné un cadeau dont je le remercie, l'homme de ma vie. Écoute cette chanson, as-tu cru que tu étais seul? La foi, même si le temps paraît long, Dieu enlèvera ton linceul. Tu passes par le désert, passes par le Jourdain, mais Canaan t'attend. Tu passes par la fournaise ardente et si brûlante, mais tu en sortiras vivant. Mais il y avait encore une issue à tout ça, le seul espoir en qui j'ai cru. Alléluia, ne m'a jamais déçu. Hosanna, après mes vécus, aujourd'hui je vois que je suis à présent cette femme revêtue de gloire. La bague au doigt est mariée, qui aurait pu le croire? C'est Jésus-Christ, celui qui avait restauré mon cœur meurtri. Et en plus il m'a donné un cadeau dont je le remercie, l'homme de ma vie. L'âme de ma vie, l'âme de ma vie. À la croix,
Désolée, j'étais un peu émotionnelle. OK. La deuxième chanson, ben, je vais la faire avec mon ami Gaël, qui est là-bas ici. Tu peux venir avec ta chaise. Oui, oh, je suis sale. Donc ici, mon bro musical, Gaël. Donc j'ai écrit une chanson aussi récemment, qui est disponible sur Spotify, iTunes et tous les réseaux, dans tous les panels musicaux. J'ai retiré ma guitare, par contre, j'ai sans guitare. Donc... Juste quelqu'un prendre ma guitare, s'il vous plaît, gentiment. Merci beaucoup. On applaudit le caméraman. Quel homme serviable. Et bien, oh oui, on défait le jack, c'est pas grave. Et on le dit merci aussi. Merci. OK. Donc, la prochaine chanson, c'est une chanson que j'ai composée récemment, qui s'appelle Dear Mr. Future Husband. Donc, je parle prophétiquement de mon futur mari. C'est en fait en lien avec ma conception de l'amour, en fait, comment je le vois dans le mariage. Et aussi en lien avec ma petite bague de pureté, donc vous la voyez maintenant à ma main, donc c'est en lien avec ça. Donc tu peux jouer la musique, la trame, s'il vous plaît. I know it's hard, but keep waiting. You won't do this for nothing. My purity ring was a great jewelry. But your promise ring. Be greater than my dreams, yeah, yeah. Did you know how much I pray for you, yeah. Did you know how much I've been waiting for you, yeah. Did you know I've been thinking about you. God knows every sacrifice that I do. I remember when I was reading love stories in my Bible study and hoping to be the Eve of an Adam, maybe be the Ruth of a Bathsheba, be the Esther of a king, baby, honey, dear Mr. Future Husband. Trust me, even if you're looking for me. Don't forget your first love, sweetie. Christ loves you more than I do, yeah. Keep walking by faith and live by the Spirit. Focus on God's plan, honey. Let the word get you growing up spiritually, yeah. You'll be obedient to His calling eventually, yeah. His voice will sound to your ears like a lullaby, baby. And this is the way that you will figure out your ministry. Future husband, trust me. Even if you're looking for me, and don't forget your first love, sweetie.
together. But we worth it, true love words. It will be better. Love you waiting, sweet honey, no little baby in my belly. There you go, we become a great and beautiful family. Dear Mr. Future Husband, trust me. Even if you're looking for me, don't forget your first love, sweetie. Christ loves you more than I do, yeah. Dear Mr. Future Husband, trust me. Even if you're looking for me, don't forget your first love, sweetie. Merci à Gaëlle. Non. Merci à Gaëlle. En passant, grand artiste. Je suis pas payée pour faire la promotion, mais je la fais pareil. Il vient de sortir sa chanson Sans toi, donc il est disponible sur YouTube et tout. C'est ça. Il faut s'entraider d'autres artistes et partager. C'est good. Alors, j'ai quelques questions à te poser. Okay. Alors, pour commencer, ça fait combien de temps que tu es dans la musique? Oh, wow. OK. On n'a pas entendu? Celle-là fonctionne? Ok, puis en plus, je vais répondre avec celle-là. Hello? 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 Okay. Ah, ok. Donc, la, sa question, au pire, ceux qui n'ont pas entendu, pour, ça fait combien de temps que je suis dans la musique, c'est ça? Ouais. Ok, j'ai commencé, à, pour ceux qui ont commencé mon livre Utopie, ma roman-série, j'ai commencé à chanter à l'âge de 6 ans. Donc, c'est à 6 ans que j'ai vraiment commencé à chanter. Je chantais sur du Céline Dion, sur du Anna Gabriel, Air Supply. Ouais, je sais, c'est vieux, je sais. Anna Gabriel, Air Supply, des groupes vraiment vieux, ok? ABBA. Tu sais, j'étais vraiment, ouais. C'est ça. Mais j'ai vraiment commencé à 6 ans, puis j'aimais ça. J'avais un petit piano chez nous, puis une petite harmonica, puis je jouais avec, puis c'est comme ça que j'ai développé la musique, puis j'ai commencé à chanter. OK. Et est-ce que tu as des performances ou des événements qui arrivent bientôt que les gens pourraient venir te voir? Ouais, là, je travaille sur, en ce moment, le projet Arteo. Donc, on essaie de préparer un événement. J'avoue que ça prend du temps avant de se mettre sur pied, mais ça arrive. Par contre, les personnes qui m'invitent, ben, je viens à leurs événements, je chante et tout. Ça ne dérange pas. Mais pour le moment, l'événement que je peux dire qui peut arriver par rapport à mon spectacle, c'est vraiment le projet Arteo que je mets sur pied et que je vais me mettre en performance là-dessus. Et c'est quand ça? On prévoit faire un événement. Au début, c'est prévu pour le 22 septembre, mais on va le repousser pour en fait, l'été prochain en 2019. Donc, c'est ça. D'accord. Et les gens qui veulent te suivre ou trouver ta musique, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Ben, j'ai une page Facebook. Fait que vous faites i.r.a. Vous allez trouver, c'est Ira, puis à toutes mes musiques, mes compositions, les choses que je fais. Puis c'est ça, vous pouvez aller liker la page Facebook. Parfait. Et j'ai des questions pour toi aussi. Supposément, t'as... I'm gonna put you on the spot. Alors, supposément, t'as une musique qui sort, t'as des projets qui sortent bientôt? Ouais, ben en fait, j'ai ma première vidéo qui est sortie en mars. Ça s'appelle Sans toi. Fait que c'est une musique qu'on parle, là, dans le fond. Fait que c'était ma première vidéo, puis là j'ai la suite qui va sortir, j'ai essayé de faire une trilogie avec ça, fait que j'ai la suite qui va sortir très bientôt, ce serait censé être en juillet, fait que ça s'en vient, ça va s'appeler Play Moi, puis sur ma page, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Gaël Crazy ou sinon Gaël.dujour sur Facebook, vous allez voir les previews puis tout, vous allez pouvoir me suivre. Et toi, est-ce que tu as d'autres performances aussi qui arrivent? Est-ce qu'on peut te voir quelque part durant l'été? Non, pour l'instant c'est juste studio, juste production. Et puis, plus tard, ben, j'ai quelques soirées là, dans des fêtes et tout, ou sinon dans des bars. Mais sinon, à part ça, je n'ai pas d'événement vraiment. Pour l'instant, on fait les musiques, par la suite, on... Quel bar? You play well. C'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment, parce que c'est du monde qui m'a invité, fait que les projets ne sont pas encore... Mais tu performes quand même quelque part? Où est-ce que tu performes? C'est ça qu'on veut savoir. Moi-même, je ne sais pas. C'est un gars qui m'a approché sur Facebook, dans le fond, et qui m'a dit au début juillet, je suis censé avoir quelque chose, mais je n'ai pas encore. Mais dès que j'aurai les informations et tout, sur ma page Facebook, ça va être là. OK, guys, on regarde sa page Facebook.
Alors, une bonne main d'applaudissement pour les artistes. Puis aussi, moi et Ira, on avait fait une musique aussi qui s'appelle Tout à toi. Ça fait longtemps, ça fait maintenant. Bientôt. Tout à toi, fait que vous irez checker ça, c'est aussi super nice. Thank you. Hein? Yeah. C'est maintenant qu'il veut parler.
C'est comme si c'était à l'école, tu sais. Elle fait juste retourner. Welcome to the KK Show, guys. Make some noise. Vous avez aimé la performance de Ira? Yeah. Vraiment bonne. Gaëlle va performer la semaine prochaine, guys. Yes. Wow, OK. On dirait que le monde s'en calisse. Il y a juste les filles. Les gars sont comme « No ». Thanks au Blueprint Lounge pour nous accueillir un autre lundi. On veut aussi remercier aussi le traiteur qui est Griot Express. Pour ceux qui étaient là la semaine passée, vous avez aimé, on dirait elle est comme fait que vous allez manger. Pour tous ceux qui sont dans le live, malheureusement, vous allez manger vos doigts. Aussi, je veux aussi donner une salutation à Shirley et son copain qui ont eu le courage de... en fait, avoir, en quelque sorte, pu résister à une arrestation assez musclée, en fait, semaine pour la F1. Donc, j'ai pris contact avec, avec le couple le matin avant que le vidéo sorte parce qu'on voulait que ça soit viral. Donc, on a poussé ça. Ça a touché les 600 000 views. C'est ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est que durant la F1, t'sais, le monde sont sous, ils font du bruit, ils graissent leur moteur, ils klaxonnent. Puis l'individu en tant que tel dans la vidéo a commencé à klaxonner à côté de policiers. Le policier lui a dit d'arrêter, de demander ses papiers. Puis lui est un petit peu perplexe parce que c'est la F1, tout le monde klaxonne, tout le monde sont extrêmement joyeux, puis s'amusent. Puis lui a vraiment insisté, puis après il a dit « Écoute, regarde, quand, pour, qu'est-ce que j'ai fait de mal? T'sais, j'ai juste fait. J'ai juste klaxonné, puis à partir de là, il a sorti le paper spray. Ils sont sortis. Les quatre policiers l'ont pris, l'ont mis les menottes. Ensuite, matricule 1880, Yann Paquette, hein, on t'a trouvé. Il a commencé à asperger aussi la foule. Mais qu'est-ce qu'on va pas dans la vidéo? C'est sa copine qui est dans l'auto, qui a été aussi aspergée par le paper spray, qui s'est fait aussi. Mettre des menottes. Pourquoi? Parce qu'elle était agitée, parce qu'elle a réagi par rapport au paper spray. Tu sais, ça brûle, t'as mal à la gorge, t'as mal aux yeux partout. Puis les policières ont dit « Arrête d'être agitée, arrête d'être violente! » Puis tout ça. Ils ont foutu les menottes. Ils l'ont mis dans l'auto de police, puis ils ont été amenés au poste de police. Ils ne sont pas restés toute la soirée aussi. Donc, il y a beaucoup de versions. Il y a la version des policiers qui ont été... parler dans les médias leur version, puis il y a aussi la version du couple aussi qui va être entendue. Il y a des trucs judiciaires qui... Exactement. Puis ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a des avocats de la communauté qui se sont levés, ils ont dit, tu sais quoi, I'm not with this bullshit, fait qu'on est prêt à les représenter aussi. Fait que ça permet d'avoir une belle petite transition pour notre super cahier qu'on fait signer à chaque lundi sur la consultation publique sur le racisme systémique. Fait que si vous n'étiez pas encouragé à vouloir signer... parce que là, c'est une pétition qu'on fait, il faut qu'on ait à peu près 15 000 signatures. Hein? Nice, on y a, amène-toi tout de suite! C'est bon. Ouais. Donc, I Wonder va passer durant le show pour faire signer. Pour tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, vous pouvez quand même passer... les autres lundis, entre 6h et 11h, au Blueprint pour pouvoir signer le document. Tous ceux aussi qui sortent de live. Donc, c'est ça que je voulais souligner, je voulais les saluer. So, guys, beaucoup d'émotions, beaucoup d'actions sur Facebook. On a annoncé le sujet de ce soir. Évidemment, le monde a été excité. On est arrivé à combien? 700 comments? Les vivre et laisser vivre, l'amour pour tout. Tu peux être pro-black. Pro-black, c'est pas être woke. Woke, c'est pas être pro-black. Il y a le multiculturalisme. Il faut que ce soit. Moi, j'ai juste sorti avec des blacks. Non, ça, c'est du fétichisme. Wow! Premièrement, le sujet, c'est est-ce que si tu peux te mélanger ou pas. C'est pas ça, là. OK? Là, il faut essayer de faire certaines nuances. Il faut avoir un débat qui va être civilisé. Ils ont dit, ouais, mais Roy Enoch est sur le panneau. Le roi Enoch est venu avec son style de pape Benoît XVI, très stylisé, gangster et gentleman, orthodoxe.
Donc, il va y avoir différentes opinions sur le panneau, dans la salle aussi. On va essayer de faire certaines nuances. On va essayer de comprendre pourquoi, pour certaines personnes, être pro-black et être dans une relation interraciale, c'est une contradiction. D'autres personnes disent que tu peux. D'autres personnes disent que tu peux être woke et être dans une relation interraciale, mais pas être pro-black. Donc, pro-black, c'est quoi? Hein? C'est pro, c'est mettre de l'avant sa communauté, c'est de pouvoir toujours la, être concerné ou essayer de pouvoir la valoriser à l'avance. Wow, c'est toi qui as fait ça à la maison? C'est cool? Bon, pour les personnes qui... C'est quoi pro, hein? C'est ça, c'est... C'est trop petit, les personnes de live, ils voient pas, là. J'aime les forts, par exemple, hein? J'aime très les forts. Tu peux l'agrandir pendant que je suis en train de parler. Donc, est-ce que être pro-black, c'est un message qui... un message qui est de ségrégationniste, hein? Mais est-ce qu'il y a d'autres cultures et d'autres communautés qui appliquent justement genre, cette valorisation de leur communauté avant de pouvoir valoriser les autres? Je pense pas que être pour l'amour des siens, c'est être contre les autres non plus. Je pense pas à cause que tu es dans une relation interraciale, ça veut dire que you're less than a black person non plus. Je pense pas non plus que ça va être ça le débat, mais il faut être capable d'amener des points qui sont concrets parce qu'il y a une génération, il y a toute cette pandémie, il y a tout ce message dans les médias qui font en sorte qu'il y a un certain prestige à pouvoir date en dehors de sa communauté. Et ce message atteint beaucoup la communauté noire aussi. Donc, si pour certaines personnes, ce débat et ce sujet est un sujet stupide et con, ben nous, ça fait très longtemps en tant que communauté qu'on a compris que le mélange et le métissage, c'était quelque chose qui était quand même assez normal. Hein? Nous, on a compris ce message, mais est-ce que les autres communautés ont compris ce message? Je sais pas. Hein? La personne qui a dit « Ah! Oh, ben, love is love, moi, je sors avec un noir, puis tout ça. » Mais toi qui es dans cette relation, est-ce que toi, tu peux aller raconter ça à ta famille, à tes personnes dans ton pays, à toi? That love is love. Si love is love, tout le monde se mélangerait, non? La question, est-ce que tout le monde se mélange? Alors, c'est important d'en parler, alors. So, guys, on va commencer avec une panéliste qui était là la semaine passée. Puis le monde dit, pourquoi elle n'a pas parlé beaucoup, tout ça? Parce qu'il fallait qu'elle puisse développer son histoire aujourd'hui, qui est une histoire qui est extrêmement intéressante. Donc, guys, are you ready for that panel or what? Comme on sait dans le Kéké Show, on n'est pas là pour te faire plaisir, on n'est pas là pour flatter tes émotions, mais on est toujours agree to disagree. So guys, préparez vos questions parce que ça va être du Kéké Show. Make some noise pour Miss. J'ai préparé une chanson pour toi en plus. Diana, chérie. Ça ouf, femme là, chérie. C'est ça maintenant, ok, quelque chose. Maintenant, là, on va mettre de la vie, là. Hey, accroche-toi, là, justement. Moi, j'ai juste chanté pour toi. Il n'y aura pas des conduites. Mais qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'on va avoir un panéliste, maintenant, on va mettre du beat, hein, parce que, tu sais, je sens que quand les panélistes, ils viennent, c'est tout frette puis tout ça. Fait qu'on va mettre des beats pour vous accueillir. Oh, c'est fun. C'est fun, ça, hein? Ouais. Donc, un upgrade. Non, c'est juste le staff qui décide de tout se taper là. Quand je vous donne les compliments, vous n'êtes pas content. So, Diana, ça va bien? Ouais, ça va et toi? Yes. T'es encore quelque chose deux semaines de suite? Ouais, je me sens spéciale. Ouais, parce que le monde a demandé justement ton histoire et ton point de vue par rapport au sujet de la semaine passée. Donc, je voudrais... Vraiment, tu peux juste te présenter aux gens, les personnes qui ne t'ont pas vu la semaine passée. Une petite présentation rapide. OK, donc c'est ça, mon nom c'est Diana. La semaine passée, j'étais au show pour les Struggles des Single Moms. Mm-hmm. Puis bon, je n'ai pas pu beaucoup parler. Ma situation, c'était que justement, j'étais en séparation, c'est moi qui paye la pension alimentaire, etc. Bon, je vais brièvement récapituler, là. Dans le fond, pour ceux qui pensaient que je payais pour, comme 800 $ au gars, ça, c'était parce qu'il avait demandé la garde totale que je lui devais 800 $ par mois comme pension.
Mais après 9 mois et des milliers de dollars d'avocat, j'ai réussi à obtenir la garde partagée, ce qui a réduit le prix de la pension alimentaire. Yes. Donc, on a vraiment, c'est vraiment 50-50. Il me donne encore des misères. On est retourné en cours une autre fois pour d'autres niaiseries, mais je suis encore là. Je survis. Tu survis avec tes deux mains et deux pieds? C'est ça. So, aujourd'hui, le sujet, c'est « Can you be pro-black et être dans un couple interracial? » Qu'est-ce qui peut-être a échappé aux personnes, c'est que dans ton couple, c'était une relation interraciale. Oui, c'était une relation interraciale. Il est québécois? Il est québécois, je suis haïtienne. 100%? Ouais, 100%. OK. Ouais. Non, je parle de lui. Ah, OK, ben ouais. OK. Donc, t'es en relation avec lui, vous vous séparez. Dis-nous un peu, c'est comment la dynamique? Qu'est-ce qui était la dynamique avec lui? Avant la séparation? Ouais. C'est ça. Donc, je dirais comme ça que ça avait l'air d'aller. Ben, il y avait quand même beaucoup de problèmes là. On avait beaucoup de troubles de communication. Au niveau de l'éducation des enfants aussi, il y avait quand même certaines difficultés. Mm-hmm. En tout cas, beaucoup d'ajustements à faire. Mm-hmm. Mais de façon générale, je peux dire que il y avait du racisme au niveau de sa famille. Mais quelque chose a commencé. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, dans le couple, à l'intérieur du couple, tu peux pas vraiment voir si la personne qui est avec toi est raciste. Ça dépend. Il te faut dire, ouais, man, ouais, non. Non, mais dans le sens que la personne va pas te. Non, ouais, je vais pas laisser ça avec lui, là. Ah ouais, tourne-toi. Mais je veux dire, dans le sens que la personne, OK, c'est comme dans le couple, ça va être subtil. De toute façon, même la famille, c'était subtil. C'est subtil. Fait que toi, tu t'es pas dit, OK, this is racism. T'as dit, OK, c'est juste weird. Ben, c'est le problème, c'est que, regarde, moi, la façon que tu dis, c'est, ben, la personne t'aime, comment qu'il peut être raciste? C'est ça l'affaire. Fait que tu fait que dans un ça. Couple d'amour interracial, la personne peut être raciste aussi. C'est possible, bien c'est oui. Malade mental. Ouais. C'est fou, ça. Mais la personne le sait pas. Ou elle s'en rend pas compte. La personne sait pas qu'elle est raciste. Non. Pourquoi? Parce que moi, je peux dire que pour beaucoup de Blancs, ils n'ont pas la même définition du racisme que nous autres. Mmh. Mais quelque chose, commencez! Ben, commencez! Ah, je le dis encore, ils n'ont pas encore la même définition du racisme que nous autres. Ben là, elle va pas ça. Faire une gueule, hein? Donc, tu sais, pour eux, là, c'est à peu près la même affaire. Tu rentres dans la relation, puis eux autres, la façon qu'ils voient ça, c'est... Ben, tu sais, si tu aimes, normalement, ben, eux autres, ils prennent juste une partie de la définition, qui est l'hostilité. OK? Mm. Donc, si tu n'as pas d'hostilité, donc ça veut dire, ben, moi, si j'ai des amis noirs, je mange du griot, tout j'aime ça. J'aime les papes. Ben, c'est ça. Donc. Je ne suis pas raciste. Mais. C'est ça, mais. Puis tu dis quelque chose d'extra-raciste après. Exactement. Mais c'est ça l'arrange. Donc, c'est vraiment ça qui fait que. Tu ne peux pas le voir. Exactement. Si ce n'est pas du racisme qui est ouvert, pour eux, ben, tu sais, je ne suis pas raciste. C'est ça, exactement. Okay, wow. Ben, pour eux, le racisme, c'est du kéké, clan. C'est du kéké chaud. Oui, du kéké chaud. Non, mais. Ouais, c'est quoi? Ça, t'as dit là. Le kéké. Non, mais je suis déjà les balls. Ce show-là est déjà les balls qu'on. Oh, yo, il faut vous dire la liste noire. Vas-y, c'est continue. C'est ça, le racisme, c'est du Hitler, le racisme, c'est les policiers, le racisme, c'est Donald Trump, mais tu sais, ça peut pas être... Dans un milieu d'école, ça peut pas être au milieu hospitalier. Ça peut, dans le fond, là, un autre, là, ce qu'ils oublient dans la définition, c'est la partie supériorité. Donc, ça n'existe pas pour eux. Tu sais, le white privilege, là, j'ai essayé d'en parler à mon ex, puis c'était comme... De quoi tu parles? Ouais. Il a cherché la drogue pour dire, tu sais quoi, t'as fumé? Tu sais, ben, quasiment, là. Tu sais, c'est comme, de quoi tu parles? Je vois pas le problème. Moi, je suis pas privilégiée dans la vie, tu sais. C'est vraiment ça. Donc, c'est très difficile. Wow. Bon, pour raconter, dans le fond, mon histoire... Mm-hmm. Fait que t'avais pas senti du racisme ouvert quand t'étais en relation ah, avec... Non. Écoute, là, quand on a commencé à sortir ensemble, il me parlait un peu de, justement, comment il était contre la brutalité policière qui se passait, des affaires de même. Je disais, ah, il est ouvert, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est une bonne chose.
Il était juste contre la brutalité. Il était contre la brutalité. Il me disait aussi que là où il habite, dans la Rive-Nord, il y a du monde qui font des commentaires racistes, mm-hmm. des affaires comme ça, puis lui est contre. Okay. En tout cas, il avait l'air d'être ouvert. OK. So, là, quand on s'était parlé, tu m'as dit, quand vous vous êtes séparés, c'est là qu'il a dit certaines choses que là, c'était beaucoup plus précis. Ouais, ben c'est pas un paquet d'affaires. En fait, je voulais quand même parler avant du fait que le racisme est plus initié par rapport à ses parents. OK. Pendant qu'on était ensemble. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que, ces gens-là, là, ils sont très axés sur le professionnalisme, tout ça. Quand je suis arrivée chez eux, ils étaient contents. Mm-hmm. Oh, wow, c'est une infirmière, elle a un bac, mm-hmm. C'est une bonne fille. Mm-hmm. Patati patata. Elle parle bien français. C'est ça. Et là, je tombe enceinte. Mm-hmm. Puis là, tout d'un coup, ça a changé. Là. Avec les parents? Ouais, ça a commencé à changer tranquillement. Mm-hmm. Fait que la première affaire que je reçois, c'est... Je suis allée voir le père de mes enfants dans ce temps-là. Je suis allée le voir. Là, il me dit, tu sais ça, j'ai un papier pour toi. C'est mes parents qui te demandent de lire ça. Puis le papier, c'était comme une affaire du gouvernement du Québec qui a été téléchargée. Okay. Ça parlait sur les mariages et les divorces. Puis ça disait... Puis là, j'ai vu surligné en jaune, là, gras, c'était marqué « Les héritages ne se divisent pas en cas de divorce. » Oh là là, mes amis! Mais là, ben... Et là, j'ai dit « Attends, c'est quoi ça? Pourquoi tu me donnes ça? » Puis... Là, lui dit, mes parents veulent juste que tu lis ça, c'est juste à titre informatif. J'ai dit, à titre informatif? Ben oui, toi, tu à titre informatif. C'est ça. C'est random, hein? Ben, c'est ça. Donc, ça a commencé comme ça. Là, après ça, un peu plus loin, on est en train de chercher justement une maison pour s'installer, tout le kit. Là, sa mère m'approche, elle me dit, écoute, si tu veux, je te suggère que si tu décides de trouver une maison, essaie d'habiter pas trop proche de chez ta mère. What? Why? Ouais. What? Puis là, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Puis elle me dit, c'est juste pour pas que ton enfant soit trop éduqué à l'haïtienne. Franchement? Ouais. Là, évidemment, je suis comme, c'est quoi le problème? T'sais, je veux dire, moi, je suis née au Québec. J'ai étudié en français, tout ça. Je veux dire, théoriquement, mes enfants, là, ils risquent d'être beaucoup plus francophones de toute façon. Je comprends pas. Wow. Oh non, mais c'est juste parce que, c'est plus au niveau de l'adaptation pour ton enfant. Ça va être meilleur pour l'enfant, pour mieux s'adapter, pour créer une meilleure stabilité dans son éducation. Ouais, ouais. C'est vraiment ce genre de... Et puis, elle ne réalisait pas la gravité de ce qu'elle disait. Non, du tout. Dans sa tête, c'est... Wow. C'est normal de me dire ça, là. On est au Québec ici, tu sais. Fait que vraiment, malgré le fait qu'il y avait des choses subtiles, quand il y a eu vraiment les enfants, ça a été un autre enjeu. Ouais. C'est vraiment quelque chose d'autre. Quand ils ont dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une couple d'années, il y avait dans les nouvelles, là, dans TVA Nouvelles, ils faisaient un sondage sur le racisme au Québec. Mm-hmm. Puis, un moment donné, eux autres, ils disaient, les Québécois ne se considèrent pas racistes. Oh, ils ont un seuil de tolérance. OK? Mais seuil de tolérance, c'est là, les enfants. C'est exactement ce que j'ai vécu, là. Tu sais, mm-hmm. C'est comme, c'est correct, là, si dans le fond, c'est que tu es correct si je couchais avec son fils. Mais que je rentre dans la famille, ça, c'était autre chose. C'était une autre histoire, là. Ça commençait à être... ça commençait à être difficile. C'est comme s'ils toléraient juste toi en tant qu'individu. Mais là, ce qu'ils ont dit, en fait, avec cette phrase-là, c'est qu'ils ont rejeté ta culture. Ouais. Ils ont rejeté vraiment, genre, ta communauté, ta culture, puis ton héritage. Ben oui, c'est ça. C'est exactement ça. T'sais, pour eux, c'était vraiment... Il ne fallait pas que j'implique trop d'affaires. Donc... Je suis pas pro-black, là, je vous le dis tout de suite. Puis si j'aurais été, ça aurait genre vraiment pas fonctionné, là. Vraiment pas. Quand tu dis que t'es pas pro-black, qu'est-ce que tu dis? C'est-à-dire que je suis pas active pour la communauté de cette manière-là. OK, toi, ta définition, parce que c'est ça que je voulais qu'on puisse aussi faire durant le show, c'est définir aussi c'est quoi pro-black, parce que j'ai entendu 60 000 commentaires, 60 000 définitions. Fait qu'elle va essayer d'avoir peut-être un truc qui va être... OK, avec ta définition, tu sais.
Non, c'est une bonne définition, mais c'est juste que je sais pas si là vous voyez. Fait que toi, pro-black, pour toi, c'est ne pas être active. Ben, moi, je me dis que tu être pro-black, tu es active dans ta communauté. C'est aussi ce que je dirais comme un lifestyle aussi. Mm-hmm. Genre, tu respires, tu vis pro-black. Mm-hmm. Je veux dire, pour moi, n'importe qui participe à un mouvement, que ce soit pour, tu sais, genre natural hair, mm-hmm. Les gens qui vont encourager les black business, toutes ces affaires-là, pour moi, c'est ça le pro-black. Et ça veut aussi dire que tu l'es à la maison. Puis toi, t'es pas pro-black. Toi, tu fais pas ça. Ben, je suis pas rendue là encore, mais bientôt. In process. Mais c'est ça. In process. Mais des fois, quand, parce qu'il y a des personnes qui, tu sais, si t'aurais dit ça, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, mais yo, t'es fake. Ou t'es comme... C'est ça. Fait que, déjà, mais si t'es black, pourquoi t'es pas pro-black? T'sais, je vais pas mais dire un arabe, t'es un pro-arabe. T'sais, tu comprends? C'est parce que tu peux pas être automatiquement toujours pro-black, là. Je veux dire, faut pas oublier qu'on est éduqué ici au Québec. Mm-hmm. Notre culture, là, est mixée. OK? Mm-hmm. Veux pas, là. Avant que t'arrives au niveau où tu dis t'es pro-black, c'est qu'à un moment donné... Il y a une réflexion qui est venue là mm-hmm. pour dire, OK, moi, là, tu sais, là, avant que les gens, là, décident, là, tu passes toute ta vie, tu mets de la permanente, un moment donné, tu décides, là, d'aller natural, mm-hmm. shave, tout ça, ça prend un process. Exactement. Process. C'est pas né juste pro-black comme non, ça. Non, t'es pas nécessairement né là-dedans parce que, tu sais, je veux dire, si j'étais née en Haïti, peut-être que ce serait différent, mais je veux dire, on est née ici, là. Tu sais, on mm-hmm. a quand même des influences un peu partout avant mm-hmm. d'arriver à justement ça. Est-ce que tu peux être pro-black puis dans une relation interraciale? À cause de mon vécu, je dirais non. Non? Je dirais comme ça que tu peux être woke, tu peux être actif, tu peux être comme le gars Donald Glover, là. Tu peux être comme lui? Tu peux être actif, là, mm-hmm. pour ta communauté. C'est mais est-ce que tu aurais dit que comment il s'appelle Donald Glover. Danny Glover, c'est un acteur, lui, c'est l'autre. Childish Gambino. Oh, est-ce que lui, il est pro-black ou il est juste a woke guy? Ben moi, je le perçois plus comme a woke person. OK. C'est ça. Quelqu'un qui est très actif, il est activiste, il faut mm-hmm. le dire. Mais c'est ça, je le vois plus comme quelqu'un qui est très woke, quelqu'un qui va... participer, qui va se battre pour sa communauté, mais donner le titre pro-black, pour moi, je me dis, je sais pas jusqu'à quel point c'est comme ça sa vie à la maison aussi. Là. Mm-hmm. C'est ça que je me pose comme question. Parce que sur la sphère publique, tu peux dire, OK, je suis ci, je suis ça, puis... C'est ça, mais en privé, qu'est-ce que tu vis, c'est... It's questionable. Wow. Puis toi, avec l'expérience que toi, t'as eue, puis t'as dit que toi, t'es comme en processus pour dire, you know what, I want to become pro-black. Est-ce que... Toi, tu te vois encore dire, OK, well, je vais me fermer genre, avec les relations interraciales. Comment toi, tu perçois ça? Ben, c'est sûr qu'avec le temps, j'ai pris un petit peu de recul. Avec les raciste? Non, c'est simplement que, tu sais, je suis un peu craintive, on va dire, là, que les mêmes situations arrivent. Mais il ne faut pas que tu généralises non plus. Là. Non, mais c'est ça l'affaire. Ce n'est pas de généraliser. C'est que tout de suite... Tu dis raciste, là, désolé. Là. C'est que tout de suite, tu spots tout de suite, là, un peu le trait de caractère. Est-ce que cette personne-là comprend vraiment qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette personne est consciente du racisme? Est-ce que la personne est consciente de ce que c'est pro-black, toutes ces affaires-là. Mais est-ce que quand tu es dans une relation interraciale, justement, est-ce que ton partenaire est obligé de faire toute cette personne pour dire « she's a good partner » La personne est... elle prend soin de toi, elle t'aime bien, tu sais, you feel love et tout ça, mais le fait qu'elle n'est pas présente dans chaque élément que ta communauté vit, tu vas juste la disqualifier, tu vas juste la quitter pour te dire quoi, « now I'm pro-black, I'm woke après 15 ans ». Je vais à Wakanda. Non, tu sais, la personne, là, dans le fond, tu veux qu'elle ait une ouverture. OK. Moi, dans mon couple, avec le gars, j'avais pas d'ouverture. Il était pas intéressé à aller dans mes soupers de famille. Il était pas tellement intéressé à, tu sais, genre, les affaires faites haïtiennes. Même un moment donné, je me suis dit, ça t'intéresse pas, là, que je te montre des mots en créole, tout ça. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui m'a montré vraiment que ça l'intéressait, ce côté-là. Là. Wow. Tu sais? Puis, il était carrément désintéressé. Ouais. Puis, mais tu sais, il n'y avait jamais rien de flagrant pendant qu'on était ensemble. C'est pendant qu'on est séparés un moment donné, il m'avait envoyé un message. Il m'a dit, écoute, là, notre fille, là, je l'ai entendu parler en yo man, là. Puis je sais que c'est toi qui parles comme ça.
sais. Fait que là, là, arrange-toi là pour pas parler comme ça devant elle. Parce que c'est pour, moi, je considère que pour une femme, c'est un manque de classe. C'est. Puis là, j'ai dit, ben écoute, c'est parce que, je sais pas, mais dire Chris Collins puis tabarnak, là, tu penses que ça a plus de classe? C'est, je veux dire, c'est vraiment ça, là. Mais, ouais, c'est... Wow! Ouais, c'est... j'y suis, ça. C'est malade mental, ça. Imagine si t'avais commencé à la donner des tresses puis des locks. Imagine comment elle réagit. C'est ça. Ça, ça aurait... Ça, ça serait... Hey, que c'est ça sur sa tête? Des serpents! Ouais. Des vermicelles! Ouais. Wow! Ouais, c'est quelque chose. So, est-ce que c'était vraiment juste avec, comme tu dis, le clash avec les parents? Toi, quand tu étais dans les fêtes de famille, est-ce que c'est, y avait d'autres personnes que tu voyais que c'était juste tolérant ou tu voyais vraiment que, OK, je suis pas à ma place, je me sens pas bien? Est-ce que c'était ta première relation interraciale? Non. T'étais avec d'autres... Là, le monde, c'est comme, what are you going to say, little bastard? Avec d'autres de ses semblables. OK. Ouais, on peut dire, ouais. Vous n'allez pas m'avoir dans le live. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gros médias qui suivent le show, qui ils essaient de me mettre dans des situations assez embarrassantes. OK. Oui, non. Tu sais, j'ai été dans d'autres relations. OK, fait que d'abord, tu as un je ne sais quoi pour cette chocolat blanche. Ouais, ben, je vais dire, j'ai exploré, là. D'autres juste, nations. Ben là, explorer, t'as exploré juste des semblables? Ben, des semblables de toutes sortes. Oh! Alors, il y a différents flavors et tout. Ouais. Non, je pose des questions, parce qu'on on va... Oh boy. So, toi aujourd'hui, tu te dirais, OK, well, t'es pas prêt à aller nécessairement vers cette communauté-là, tout de suite. Mais tu veux, il ne faut pas que tu généralises. Ça, c'est quelque chose que... Je ne veux pas généraliser. Je ne veux pas dire que, tu sais, je suis complètement fermée, mais disons que I took a step back. Il y a des choses que je n'ai pas envie de revivre tout de suite comme ça. Puis le caractère de la personne, tu sais, essayer de s'intégrer au niveau des parents, des fois, qui ne comprennent pas, là. Mm-hmm. Je peux te dire une autre anecdote? Vas-y, ben oui. OK. Sa mère, c'est un cas, OK? OK. Donc, sa mère, un moment donné, elle me dit, tu sais, genre, j'ai un petit peu peur de toi. Puis, je suis comme, hein, mais pourquoi? Okay. Ben, c'est parce qu'un moment donné, genre, on a eu un appel, puis là, genre, j'ai entendu une voix diabolique au téléphone. Et puis, là, j'ai lâché le téléphone, j'ai donné à mon mari parce que j'avais peur. Puis il dit, mais non, voyons, c'est juste Diana, là, tu sais. Puis, j'ai l'impression, tu sais, genre, puis je sais qu'en Haïti, ils font du vaudou, puis j'ai l'impression que, tu sais, j'ai l'impression que tu fais du, tu sais, peut-être c'est du vaudou dans ta famille, des affaires comme ça. Là, je suis comme, non, on... Puis là, je lui dis, écoute, ma famille est catholique, on ne fait pas de vaudou du tout. Je ne sais pas ce que tu as entendu. Moi, j'aurais dit même je fais du vaudou. J'aurais marré ma tête, j'aurais la gueule Florida. Crashé sous figule. Et le pire, c'est qu'elle a quand même insisté sur ça, là. Ouais? Ouais, un peu plus tard, un moment donné, elle m'apporte un livre. Puis elle me dit, hey, j'ai été au musée des Beaux-Arts, ils avaient une exposition sur le vaudou. Puis regarde, ça va être vraiment intéressant. Je suis sûre que ça peut t'intéresser d'y aller. Puis elle montre le cahier. Veux-tu le lire? Je peux te le laisser. Je suis comme, j'en veux pas. Comme, ouais. Je suis pas là-dedans, là. Sérieux, là. C'est comme, j'ai dit, non, vraiment, ma famille est pas là-dedans. Comme, lâche-moi, là. Tu sais, puis non, vraiment, là, elle était boquée là-dessus, là. Mais elle a essayé de comprendre ta culture puis ta personne. C'est pas raciste. On appelle ça du vouloir. Ouais, du vouloir. Elle a voulu de savoir qu'est-ce que vous faites, là. Ouais, avoir moins t'sais... peur de toi. Ouais, mais tu sais, écoute, là, de toute façon, le vaudou lui fait peur. C'est officiellement ça. Alors que j'ai une voix diabolique au téléphone, oh donc... Hey boy. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions dans le panneau, dans le crowd, avant qu'on aille à l'autre panel? Vas-y, viens. Damn.
pas si c'est trop personnel comme question. Tu as le choix. On est au Kéké Show, là, ouais, là, pose des questions. Mais je voulais savoir, comme je sais que justement, tu dis que tu as exploré vers plusieurs autres. Elle le sait, cherchez-moi. Je voulais savoir, est-ce que c'est la première fois, est-ce que c'est la première fois que tu as expérimenté ce genre de choses-là, ou bien c'est la première fois que tu t'es attardée sur ce qui se passait vraiment dans la relation? Ben écoute, c'est sûr que oui, je me suis beaucoup plus attardée là-dessus, c'est parce que c'est le père de mes enfants. Là. Mm-hmm. Donc, on a quand même eu une relation de 6 ans. De 6 ans? Ouais. Puis, c'est ça. Donc, j'ai plus observé. Avant ça, j'ai eu un ex que je dirais que j'avais jamais rencontré ses parents, quoi que ce soit. Donc, je veux dire, j'ai pas pu explorer ça. J'ai peut-être expérimenté une affaire avec mon ex qui faisait que... Je peux te le raconter? Vas-y. Bon. Quelque chose. Une autre affaire. Donc, ouais, mais ça, c'est... On était plus jeunes. Donc, ça, c'est un peu niaiseux. Donc, à un moment donné, lui, il avait un de ses amis, là, qui m'aimait pas vraiment. Puis, un moment donné, je sais pas, là, en tout cas, j'ai été le voir. Puis là, il arrêtait pas de m'appeler Doualé. What? Ouais. Doualé. Non, je te niaise pas. Puis, de ce temps-là, le pire, c'est que moi, j'avais complètement oublié ce passe-partout, fait que je catchais pas. Je disais, mais pourquoi tu m'appelles Doualé? Il me dit, ben mon ami, souvent, tu sais, mon ami, depuis quelque temps, il m'a dit comme ça que tu ressembles à Doualé, tu sais. Puis là, je suis comme, ah, OK, tu sais. Puis genre, c'est après, je parle avec une de mes amies qui est noire, puis elle me dit, ben voyons, Diana, Doualé, là, la fille dans Passepartout, là, tu sais, genre. Ouais, Doualé, là. Puis là, en tout cas, là, je suis comme, oh, OK. Puis elle me dit, mais tu sais, là, le fait que ton copain te dise ça, c'est pas très, très. C'est raciste, là. Puis là, je suis comme, mais non, je pense pas que c'est raciste, je pense juste que peut-être qu'il. Tu sais, c'est peut-être juste des blagues, là, tu sais. En tout cas, moi, je voulais croire que c'était des blagues. Fait que là, après, il me revient, puis là, il me dit, mon ami a changé de nom pour toi, il a trouvé Chewbacca. Là, je suis comme. OK, là, je suis comme, OK, il veut jouer à ça, fine. Fait que là, moi, je prends un vieux personnage, si vous connaissez l'émission South Park, puis je dis, ben, ton ami, c'est Timmy, là, le gars quadraplégique, tout ça. OK? Puis là, elle dit, OK, je vais lui dire ça. So là, le gars, il me revient là-dessus, puis il me dit, tu sais ce que mon ami a dit? Puis il restait là à rire, là, je suis comme, OK, ça a l'air d'être sérieux. Mais il m'a dit, toi, t'es Monsieur Anki. Monsieur Anki, c'était la crotte que Stan avait chié, là. C'est, ouais. Alors, caca. Oh, shit. Ouais. c'est vraiment ça que ça m'a pris pour comme dire, OK, c'est plus des jokes. Puis là, je lui ai dit, écoute, dis à ton ami de plus jamais me dire ça, comme c'est pas correct. Oh, mais non, il blague, tu sais, c'est juste des blagues. Jokes. C'est juste des jokes, blagues, là, ouais. C'est pas sérieux. Là, j'ai dit, non, tu vas lui dire comme de plus me dire ça, je vais plus jouer à ça, c'est comme c'est raciste. Elle dit, écoute, mon ami n'est pas raciste, là. Si tu veux, là, j'ai dit, mais tu vas lui dire. Là, il me dit, non, regarde, on va laisser faire. Si tu veux plus qu'on t'appelle Monsieur Anki, on ne t'appellera pas Monsieur Anki. OK, je te dirai plus rien. T'as pas le sens de l'humour, genre. C'est ça. J'ai pas le sens de l'humour, là. J'aime ça être comparé à de la merde, évidemment. Wow. Donc, c'était ça, ouais. Notre commentaire, notre question dans la foule, avant qu'on passe au prochain panéliste. Yes. Ah, tu savais pas, tu n'es jamais venu au Kéké Show? Je ne sais même pas c'est quoi le Kéké Show. Oh, cut the mic! Cut the fucking mic! If you don't know, now you know! Il y a quelqu'un qui a partagé le lien. OK. Puis moi, j'ai genre de commencer une relation intéressante. Oui, ça fait combien de temps? Ça fait genre 6-7 mois. Quittez-moi mettre tes lunettes, moi. Tu as quel âge? Non, mais fait que c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est super intéressant, OK? Puis, je pense qu'il y a le niveau aussi où est-ce qu'on parle du Québec. Mm-hmm. Tu sais, on est tous là, on dit on est pro-black, on est haïtien, 100%, ouais. Nan. Qui a déjà mis un pied en Haïti? OK. Non, c'est quelque chose. Now, we here, man. We here. Mais je pense que.
Je shake un peu, là, je suis un peu stressée. Non, non, vas-y, c'est ça quelque chose. Mais je pense que comme en même temps, moi, j'étais en Inde aussi, puis je pense que j'ai fait un gros choc culturel où est-ce que j'ai fait « wow, mm-hmm. who am I? » Wow, c'est vrai ça. Parce que je pense que je suis plus québécoise que haïtienne. Mm-hmm. Honnêtement, pour toutes les personnes qui sont là, haïtienne, wait a minute. Mm-hmm. OK. Parce que quand tu vas arriver au blanc, ils vont te dire « t'es Canadien, t'es Québécois, oui, ouais. » Oui, t'es Canadien, oui, t'es Québécois, mais même nos valeurs dans qui qu'on est, dans la personne qu'on s'exprime, dans la façon qu'on s'exprime, ouais. dans tout ça, je pense qu'on est plus Québécois qu'autre chose, ou on peut dire qu'on est plus Montréalais, mm-hmm. parce qu'il y a Québec, puis il y a Montréal. Montréal, c'est grand, Montréal, c'est multiculturel. Oui, exactement. Puis je pense que là-dedans, quand on parle de relation, moi dans slash ma relation, OK. Là, t'es en relation, là? Genre. Okay. Comment je... Ouais. Non, mais, ça faut okay. me poser une question! Après ce show-là, je ne sais plus trop. Mais c'est quoi, c'est une situationship ou it's a relation? Ben, c'est une fréquentation. Une fréquentation? Ouais. Ça fait, c'est récent? Exactement. Ben, mais... Pour moi, c'est 7 mois, c'est récent. Fait. 7 mois? Ouais. Dans 7 mois, des personnes sont mariées, là. Non, non, mais, non. Mais est-ce que c'est la première... C'est un Québécois? Oui. C'est la première fois que tu dates un Québécois? C'est un Québécois avec des grands-parents espagnols. Oh, je suis un Québécois. Fait que, est-ce que c'est la première fois que tu dates un... Ouais, ouais, okay. ouais. J'ai toujours été avec des Noirs avant. Africains, Haïtiens. Puis là, t'as dit, tu sais quoi? They don't treat me good. You guys know. They don't treat... You don't treat me good. This is what... Parce que je vois qu'il y a des nègres qui sont comme, yo, un petit femme qui campait la rue, man. C'est fréquentation, dis-moi c'est posé, dis-moi c'est posé. Non, mais c'est juste arrivé. T'es, je parle pour moi, là. non, mais c'est juste arrivé, puis c'est sûr, quand j'ai commencé, comme qu'elle disait, des fois, t'as des commentaires, puis c'est quoi le racisme, tu te poses des questions parce que tu veux que la personne comprenne comment tu te sens. Mm-hmm. Puis je pense que depuis le début, quand tu veux t'entamer quand tu veux entamer une relation comme ça, il faut que tu comprennes que la personne ne va jamais comprendre. Effectivement. La personne ne va jamais comprendre que... Parce qu'elle n'est pas toi, elle ne peut pas comprendre c'est quoi de marcher. Je veux dire, moi, j'ai des expériences racistes du fait qu'une fois, mettons, on est grande famille, on est 5 enfants, OK? OK. Fait que j'emmène les enfants dans leur camp, OK? Puis c'est dans, peut-être que vous connaissez Saint-Ex. Mm-hmm. Yeah, oui. Saint-Ex, c'est des Blacks, c'est des Arabes, c'est des Latinos, mm-hmm. c'est ça. Puis j'emmène les enfants, puis il y a une madame qui est là, puis elle dit, ah, elle parle au téléphone derrière nous, on est 5 enfants, là, OK? Puis elle, comment, je viens d'inscrire ma fille à l'école, il y en a 5 devant moi, je ne sais pas comment que je vais faire. Là, je suis comme, pour de vrai, okay, j'étais en tabarnak, okay, parce qu'on est des enfants. C'est pas des gros, non, puis qu'ils sont là, yo, G. Non, c'est des enfants de 5 à comme 11 ans. Il n'y a aucune, comme, il n'y a rien. Puis moi, je me suis toujours dit, ah, jamais je veux des blancs, jamais ceci, jamais cela. And it happened. Puis ça arrivait comme ça. Exactement. Puis, tu sais, même lui, au début, il portait des commentaires, puis je pense que c'est une rééducation. Il faut comprendre que ces gens-là non plus, souvent, c'est du monde de loin qui ont... Peut-être un ami noir, 2 amis noirs qui, eux, dans leur tête, pensent qu'ils sont blancs. Tu comprends? C'est pas une excuse, mais il faut rééduquer le monde. Tu comprends? Ouais. C'est pas une excuse, mais quelqu'un qui comprend pas, mm-hmm. quelqu'un qui ne comprend pas... Il faut que tu le dises. Ben, excuse-moi, si t'as pas à éduquer le monde, ça va continuer. Non, attends, laisse-la parler. Tu comprends, parce que tu comprends pas, ta question après. Laisse-la. Elle vient d'arriver au Kéké Show, là. Ouais. On va la prendre dans 3 shows. Veux pas, je pense que... Ah, OK, il y a une caméra. Regardez-moi. Fait que je pense que veux pas, où tu dis qu'il faut pas rééduquer les Blancs, mais quelque part, on demande quelque chose. On demande un changement. Un changement, fait qu'il faut commencer avec l'éducation. Exactement, le changement commence avec une éducation. Je veux dire, quelqu'un qui ne comprend pas c'est quoi le racisme, il faut lui expliquer c'est quoi le racisme. Il faut lui expliquer, regarde, ce que tu dis... Ça fait pas de sens. Exactement, ça fait pas de sens. Moi, je te porte pas de commentaires, porte pas de commentaires vers moi, parce que des fois, on peut... Même nous, entre nous, on porte des commentaires, des fois, exemple pour moi, okay, un exemple. Moi, le « oh, nigga, yo, nigga, G », je n'utilise pas ce mot. Tu n'utilises pas ce mot-là. Parce que c'est ma rééducation, mon éducation personnelle. Exactement. Je me rabaisse en disant ça. Mm-hmm. Est-ce que je me considère comme pro-black? Non, pas nécessairement. Je ne vais pas être là avec les savants africains, puis so on, so far. Mais oui, je suis woke. Oui, t'es woke. Qu'est-ce que ça veut dire être woke pour moi? C'est avoir ce... T'es conscient du racisme systémique, du white privilege, tout ça? Mais je suis conscient de qui je suis. OK. Tu comprends? Je suis conscient de qui je suis, puis qu'est-ce que ça signifie dans la société d'aujourd'hui. Puis je pense que c'est ça qui... Wow. Mais des personnes, ils vont dire, mais tu sais, à la place de perdre ton temps à essayer d'éduquer tout ça, pourquoi tu vas pas essayer de prendre un autre black qui est woke? You were not ready for that one. C'est arrivé, tu sais, je veux dire, comme j'ai dit, les choses arrivent, tu tombes dans tout le monde, c'est du monde qui sont intelligents aussi. Okay. Je trouve que, en tant que, ben, pas pour tout le monde, là, mais dans mon cercle d'amis, mettons,
on n'est pas aussi, pas diversifié, mais on n'est pas très ouvert d'esprit. OK. C'est souvent, ça tourne dans les mêmes affaires. Puis, je veux dire, souvent, c'est intéressant de voir d'autres personnes, okay. d'avoir d'autres expériences, ainsi de suite. OK. All right. C'est ça. Thanks pour la question. Claire? Yeah. Sois gentil. Ah, je te calme. Non, je suis dans un nouveau mode là. C'est bon. Être positif. C'est bon ça. C'est comme ça, ça a vraiment le problème avec la police et tout ça. Mais sincèrement, honnêtement, j'écoute tout ça, j'écoute la dame parler. Pour avoir vécu aussi. C'est pas compliqué, j'ai vécu avec les globes en fin de compte. Mm-hmm. J'ai fait haïtien, africain, en tout cas. Nomme-les, voilà. Puis je pense que le problème avec les noirs en général, c'est depuis que les blancs étaient allés nous chercher en Afrique. C'est qu'on essaie de parler avec eux. On sait qu'on les calcule mal, en fin de compte. On essaie que les Blancs, ils comprennent, on fait des prétitions pour qu'ils reconnaissent qu'est-ce qu'ils ont fait comme mal, leur système, tout ça. Puis je pense que le problème, c'est pas être en couple avec un Blanc, pour moi, être en couple avec une Blanche. C'est qu'on les calcule mal, en fin de compte. Comme, qu'est-ce qu'elle fait, là? Elle parle, genre, de son aise, qu'il y avait des signes. Mais pourquoi t'as juste refusé de voir ces signes-là? Pourquoi que nous, quand on voit ça, « Ah, c'est une blague, on refuse de le voir, puis juste mettre les pieds sous terre, que non, j'accepte pas ça et je m'enlève de là, en fin de compte. Mm-hmm. » Pourquoi continuer à toujours... À tolérer. À tolérer les Blancs, à essayer de dire, « Je veux que vous reconnaissez que votre système est raciste, et je suis ça, et je veux que les policiers... » Non. Pourquoi juste pas se concentrer sur... Moi, être pro-black, parce que moi, je le considère comme pro-black, c'est pas que je mets plus mon pénis dans un vagin blanc. Eh, hey, wow, OK. OK, c'est juste... Il n'y a même pas 11 heures, okay. Ça dit des gros mots. En raison... OK. Caquette chaude, là, je sais. On va dire... que tu vas faire des relations sexuelles okay. avec une caucasienne. On va dire... wow! Attends, t'as un fort pas que j'ai... Non, continue. J'ai une mauvaise mémoire en plus, là. Être pro-black, ça veut pas dire que tu vas pas... Non, être pro-black, quand je dis, c'est un, être conscient, être deux, puis genre, quand je dis, essaie de te rapprocher de ta culture, de tes racines. Mm-hmm. Rejeter pour être... OK. C'est comme je dis, moi, j'aime une femme, c'est une Québécoise italienne. Puis, quand je dis, j'y parle franchement de qu'est-ce que je fais. Mm-hmm. Je me pose. Elle vient pas au Kéké Show. Elle vous écoute. Elle, présentement, elle me regarde, là. Donc, une des raisons pourquoi il faut que je suive mes mots. C'est bon. Parce que... Non, parce avec que... Avec quelqu'un, t'as dit, t'es brûlé, là. Parce que, non, c'est mon langage. J'essaie de changer mon langage. OK, graduellement. Dis mon message d'une façon positive. Mm-hmm. Et c'est ça, d'ailleurs, c'est qu'on est trop... encore enfermé. On n'est pas québécois. Je m'en fous que tu es né ici. Tu es black. Tu es né ici, j'en ai rien à foutre. Tu es haïtien. Parce que les blancs dans le système, la police, quand ils t'arrêtent, ils disent pas, j'arrête, t'es un québécois. Regarde, moi, je boxais. Je suis un québécois qui boxe, je performe. Ça va mal, ils m'entendent à la cour. L'homme d'origine haïtienne. Mm-hmm. Donc, pour moi, puis si je fais un problème, on va dire, je fais un problème, trop de dossiers criminels, blablabla, où est-ce qu'ils vont me shipper? En Haïti. Pour pas me shipper à Rosemont. Non. Mm-hmm. Donc, t'es haïtien. Moi, je pense qu'il faut juste arrêter d'essayer de faire comprendre aux Blancs. Comme je disais tout à l'heure, j'ai pas éduqué les Blancs. T'es un Blanc. Comme mais t'éduques pas t'éduques ta copine. Non, voilà, regarde. Non, je dis pas ma copine parce que sinon, je suis avec elle parce qu'elle est assez intelligente. Sans être noire, elle est capable de voir, elle observe. Tu sais, quand il y a eu la vague des Haïtiens aux États-Unis à cause du. Oui, mais ça, c'est être la vague humaniste. Ça, c'est pas nécessairement non, être humaniste. Non, être capable de dire, moi, je suis un homme, OK? J'ai jamais été violée par un homme. Ouais, hein? Mais je suis capable, sans ressentir qu'est-ce qu'elle a ressenti, une femme qui a été violée, mais si elle me parle, je suis capable de comprendre sa souffrance et sa douleur. Ça, c'est pour moi être une bonne personne tout court. Oui, j'ai oui. pas besoin d'être une femme pour comprendre la douleur d'une femme. Oui, je comprends. Mais je peux pas dire, je la feel, mais je peux être comme. En parler. Tu vas avoir l'empathie. Puis exactement. Tout ça. Okay. Puis c'est ça, c'est ça. Ça t'empêche pas quand je dis, comme moi, j'aime une femme blanche. Avant, c'était une haïtienne. Puis on avait juste aucun rapport ensemble. Pas parce qu'on était juste haïtiens, ça, c'est notre point commun. Donc, ça n'a pas rapport. Ce sujet-là, je trouve que c'est un peu genre. Disons, si tu avais comme elle, moi, j'étais avec une relation avant une blanche. Okay? La mère de ma fille, c'est une blanche. Puis elle m'a dit une fois, fucking nigger. Mm-hmm. Puis là, je me suis, on voulait jusqu'à présent, je m'en veux d'être resté dans cette relation parce que souvent, quand tu es en relation, c'est que tu fermes tes yeux sur les affaires. Genre, c'est comme, tu sais, par exemple, je suis avec elle. Tout va bien, même s'il y a des signes et tout. Puis là, quand c'est fini, oh, son go bousin, nanana. C'est toujours comme quand c'est fini que, oh, on se réveille. Mm-hmm. Pourquoi juste pas se dire, regarde, je suis avec un blanc, whatever. Mais s'il y a des petits signes, comme la famille de ma femme, moi, j'adore sa famille. Il y
n'y a pas d'affaire de racisme, y a pas de... on parle de tout. Good. Si tu vois un petit signe, blablabla, puis tu restes là, ben c'est toi, en fin de compte, qui a blâmé. On va passer à l'autre panéliste. Merci, Sheila. Make some noise! On va accueillir l'autre panéliste. Are you ready? Est-ce qu'on va faire deux, trois pas pour nous? Correct! Make some noise! C'est pas un petit zoom? Ça peut pas? Non? Ça allait être une joke, mais on m'aurait été conduite. On t'attend. Comment ça va, Karen? Oui, ça va bien, merci. Et toi? Ça va super bien. Tu veux te présenter aux gens et l'importance de parler de ce sujet aujourd'hui. Oui, bonsoir à tous. Moi, c'est Karen. En fait, je suis arrivée au Canada il y a 6 ans. Je viens de France. J'avais intervenu ici le 7 mai avec le professeur Lasconi et d'autres collègues sur la prostitution intellectuelle. Et en fait, on parlait justement par rapport à la prostitution intellectuelle, j'avais parlé du métissage. Et j'avais dit, je ne sais pas le sujet aujourd'hui, mais bon, j'avais fait l'introduction. Et en fait, c'est un sujet qui m'intéresse parce que moi, je vois que c'est un sujet qui est extrêmement clivant. Jusqu'à aujourd'hui, quand on met cette discussion dans la communauté, c'est très chaud. Il y a des réactions vives. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a peut-être quelque chose à faire. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que je suis là. Can you be pro-black et dans une relation interraciale selon toi? Je pense qu'il y a eu des exemples de personnes pro-black qui ont épousé des personnes non noires. Je vais citer quelques-unes. Hein. Il y a eu Frédéric Douglass, qui a épousé, le sénateur américain qui a lutté pour les. Qui a été un abolitionniste acharné aux États-Unis. Mm-hmm. Il a épousé en deuxième noce une femme blanche parce que sa première femme était décédée. Mm-hmm. Il y a eu Walter Dubois et Henry Sylvester Williams qui ont fondé le panafricanisme aux États-Unis. Okay, je savais pas pour ils Henry étaient mariés. Ça. Il était marié à une femme blanche. Mm-hmm. Ensuite, il y a eu Frantz Fanon, c'est un philosophe français, psychiatre, qui a écrit Peau noire et masque blanc, et il était marié à une femme blanche aussi. Mm-hmm. Il y a Maya Angelou qui est connue, c'est une poétesse, écrivaine et tout, qui a été mariée à un homme blanc. Qui était Peter Dufeu, si je me souviens bien. Et en Afrique, il y a eu le président Kwame Nkrumah, qui a été un leader pour la décolonisation. Il a aussi épousé une femme égyptienne. Et il y a eu le roi et président Serense Kama, qui était le président du Botswana, qui a épousé aussi une femme blanche. Donc, c'était des gens qui étaient pro-black, c'est-à-dire militaires. Ils luttaient pour la cause africaine, pas africaine, mais panafricaine. Mm-hmm. Donc, ça existait, ça existe. Donc, je ne dis pas que ça n'a pas existé. Il y a des exemples. Mm-hmm. Maintenant, est-ce qu'on peut être pro-black et être en couple interracial? Moi, je ne vais pas... C'est chaud parce que, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vais partir de ce principe-là. Chacun fait ce qu'il veut. Si vous trouvez votre partenaire, peu importe où, ça se situe. Si vous êtes content, tant mieux. Moi, mon problème, c'est que, par exemple, quand les images que vous avez mises sur le site Internet, mm-hmm. on a vu Serena Williams, on a vu Piqué Seban, tous les journaux en ont parlé. On a vu Meghan Markle, qui a toute la communauté était comme, oh, Meghan Markle épouse le prince Harry de Windsor, ça y est, les Noirs ont gagné. J'ai dit, mais les Noirs ont gagné quoi? Mais les Noirs ont gagné quoi? Les Noirs ont gagné quoi? Et moi, je vais juste faire un parallèle. Juste écouter ce que son beau-frère, le prince William, qui va être le futur roi d'Angleterre, a dit sur la dépopulation de l'Afrique. Donc déjà, ça fait déjà prendre conscience de certaines choses. Parce que moi, ce qui me dérange, c'est qu'on s'attarde trop à tout ce qui est superficiel. Moi, le métissage individuel, si vous trouvez votre personne qui vous correspond, quand ce n'est pas politisé, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Il y a des couples interraciaux, pro-black, woke, qui fonctionnent très bien. Ça, je n'ai pas de souci. Mm-hmm. Moi, ce qui me dérange, c'est que depuis une dizaine, d'années, même plus, oui, mais c'est plus fort il y a une dizaine d'années,
on est influencé par... j'ai l'impression qu'il y a une politique qui vise à ce qu'on se métisse. Et d'où ça vient pour moi, c'est que on est le capital, notre image en tant que personne noire dans la diaspora. Moi, je ne peux pas parler des Antilles parce que je ne connais pas. Je ne veux pas me prononcer sur les Antilles, je suis désolée. Les afro-descendants, je ne connais pas. Mais moi, je suis d'origine africaine. Et quand on arrive ici, le capital d'image est tellement négatif. C'est nous qui sommes des criminels. C'est nous qui sommes des... on ne sait faire que du sport. On ne sait faire que de la danse. On ne sait faire que... Exactement. Et donc, à ce niveau-là, c'est que l'image que ça véhicule sur d'autres communautés, comment est-ce que les autres communautés nous perçoivent? Moi, je suis allée sur des sites. Moi, je vais beaucoup sur des sites. Moi, je vais sur des sites nationalistes, qu'ils soient blancs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient asiatiques, quand c'est français, anglais, bien sûr. Et dans l'image qu'ils ont, ils disent tous, les Noirs cherchent à se métisser. Là, c'est un problème. Ça, c'est un problème, ça. Ça, c'est un problème. Donc, moi, je vais mettre l'accent sur le déficit de représentativité que nous avons par rapport quand on est en diaspora. Je prends l'expérience du... J'ai noté parce que les références ne sont pas bonnes. L'expérience de la poupée noire et blanche qui a été faite par Kenneth Clarks, le psychologue, dans les années 50, à l'époque où il y avait la ségrégation et le racisme d'État. C'était étatisé. Et ils ont manqué que les enfants noirs, systématiquement, valorisaient la poupée blanche comme étant le symbole de la beauté, de la richesse, de la réussite, alors que le noir, c'était tout le contraire. Méchanceté, tout ça. Méchanceté, criminel, etc. Années 50, on a refait la même expérience en 2000 aux États-Unis toujours. C'était la même chose. 80% des enfants avaient la même image. 2016, on a refait... aux États-Unis. Moi, je parle plus des États-Unis parce que les États-Unis font beaucoup d'études. Exactement. Et on peut les trouver. Mm-hmm. Les autres, en France, c'est interdit. Il n'y a pas de statistiques ethniques officiellement. Mais, c'est interdit. Oui, officiellement, il n'y en a pas. Et c'est le même résultat. Donc, il y a un problème. Mm. Et moi, ce qui me dérange, c'est que quand on a ce capital négatif, moi, dans le sentiment que j'ai dans le métissage politisé, c'est que la plupart des Noirs, en fait, cherchent à être acceptés par les autres communautés. Et c'est eux qui recherchent, en fait, c'est eux qui sont vecteurs du métissage comme moyen de lutter contre le racisme. Et ça, je suis absolument pas d'accord avec ça, parce qu'on a l'exemple du Brésil, où c'est une population qui est extrêmement métissée. Mais il y a énormément de racisme au Brésil, donc c'est faux. Donc, c'est ça que je voulais mettre en lumière aussi. Et aussi dire comment est-ce que nous, nos modèles, ceux qui nous représentent, comme je vous ai dit, on a cité des artistes, des sportifs. Ce sont des gens qui ont un capital, leur image n'est pas forcément bonne pour la communauté. Ce ne sont pas des gens qui ont des bons exemples. Il y a des scientifiques... Il y a des chercheurs aux États-Unis, partout, en France, en Afrique, qui font des découvertes chaque jour. On ne parle jamais d'eux. Mais on va mettre l'accent sur les frasques de X ou Y, et ça va encore nous déterminer, nous. C'est pour ça que je dis que le capital image est très important. Ensuite, si vous êtes une personne en demande, et vous êtes une personne en demande de reconnaissance, moi, ce que j'ai remarqué pour les gens qui essaient de se mettre, qui sont victimes du métissage politisé, c'est qu'en voulant se faire accepter, on veut se détacher de l'image négative qu'on véhicule de l'homme noir. Donc, c'est justement, les gens vont accepter de subir des tortures psychologiques. Il y a des gens qui sont dans des couples interraciaux, comme je ne veux pas dire toi spécialement, mais le fait d'avoir... Non. Désolée, on n'a pas plein d'exemples, Pékin. Assume. Non, mais je veux dire, par exemple, quand on subit le racisme au niveau de la famille, quand on subit... On accepte, et c'est ce qu'on disait, on accepte parce qu'on se dit « Non, mais c'est pas grave, peut-être j'ai mal compris. Non, mais c'est pas grave, nanana. » Un peu comme Schiller disait, des fois, lui, il dit, c'est comme « Pourquoi on tolère certaines affaires, mais il y a des affaires qui... » Est-ce que tu vas dire que des fois, c'est flagrant, des fois, c'est trop subtil? Oui, effectivement, parce que justement, c'est que moi, je dis, quand vous recherchez l'acceptation des autres, vous êtes en demande. Et quand vous êtes en demande, en fait, c'est qu'on peut vous faire tout et n'importe quoi, parce que vous allez faire ce que vous voulez.
danser tout. Ce... En fait, moi, c'est que je dis de faire attention. Et moi, je pense toujours à la nouvelle génération. Parce que quand j'entends, et parce que je vois beaucoup sur les forums et tout, les nouvelles générations, les 15, 20 ans, qui disent « Oh, mais vous savez, tous ces problèmes-là, ça ne m'intéresse pas, le métissage, c'est l'avenir. » Moi, ça me pose un problème parce que les résultats de la poupée, c'était des enfants d'hier. C'était des enfants d'hier, donc ça se reproduit. Maintenant, est-ce que le métissage va régler le problème? Moi, je vous dis tout simplement, en Europe, il y a une tension extrême. Et ça, les médias occidentaux européens n'en parlent pas à cause des migrants qui viennent en masse en France, en Angleterre. Et les gens pensent que ça va créer la solution au problème. Moi, je pense que non. Parce qu'il y a un repli identitaire qui est extrêmement fort. Il y a un repli identitaire, désolé, qui est extrêmement fort. Et moi, j'ai peur, enfin peur. Si jamais il y a cette tension raciale qu'on essaie de développer qui éclate, qu'est-ce que ces enfants issus des couples interraciaux ou ces couples interraciaux, qu'ils soient woke, non woke, pro, etc., où est-ce que la personne noire qui est dedans, comment elle va se positionner? Et il faut penser à ça. Même à l'avenir des enfants, qu'est-ce que les enfants vont devenir? Si on est dans une société où tout se dégrade, où on commence à avoir des valeurs extérieures, je ne vais pas rentrer dans les détails, par exemple aux États-Unis, vite fait, dans les écoles maintenant, on donne des feuilles d'identification aux enfants et on leur dit de cocher comment est-ce que vous vous représentez. Et les parents n'ont rien à dire. Donc, un enfant noir peut dire « Oh, je suis blanc. Oh, je suis une fille. Oh, je suis un garçon. Oh, je suis etc. etc. » Oui, en fait, c'est ça. Et moi, à titre personnel, moi, je me considère, je ne suis pas chez moi. Je suis d'origine africaine. Ici, ce n'est pas mon pays. Donc, ça peut arriver. Les choses peuvent basculer. Il faut que nous, les Noirs, peu importe de la diaspora, on se rend compte que les lois peuvent changer. Dans des situations données, c'est déjà arrivé et ça peut arriver. Mais je trouve qu'on pense que la solution, c'est toujours la facilité. Je veux me métisser parce que c'est moins compliqué. Peu importe d'où ça vient, femme comme homme, c'est moins compliqué. Je deal avec moins de problèmes, j'ai moins d'obstacles, merci, à la réussite. Et donc, quand on a ce raisonnement-là, ne vous voilez pas la face, les autres le savent parfaitement. Et parce qu'ils vous utilisent. C'est pour ça que je disais il y a le 7 mai, ne demandez pas à ce qu'on vous accepte. Ne forcez pas les gens à vous aimer. Si les gens, il y a tout le temps des Starbucks et tout ça, on est tout le temps en train de manifester, mais les choses ne font que se répéter, il y a un problème. Ne demandez pas à être accepté. Soyez vous-même. Soyez fiers de ce que vous êtes. Parce que si vous êtes libre ici, on ne peut pas vous faire du n'importe quoi. C'est tout ce que je voulais te dire, en fait. Wow! Bravo! Donc, tu as dit tellement de points. Toi, tu t'es à parler, puis tu as un peu mis en évidence certaines personnes qui utilisaient le métissage ou les couples interraciaux comme un échappatoire, en fait. C'est pouvoir se faciliter pour dire qu'écoute, regarde, je vais être avec une personne d'une autre culture, elle est déjà bien installée, je ne vais pas... affronter les mêmes stéréotypes de mon couple. Ça va beaucoup être plus facile de se faire accepter, d'avoir accès à certaines places, à certains jobs, d'avoir des enfants. Donc, toi, tu trouves vraiment que le fait qu'on a malheureusement cette conversation puis cette discussion-là en 2018, ça cause qu'il y a eu, en fait, un abus, d'une certaine façon. Oui, et puis aussi, c'est aussi très clivant parce que les images encore... Pourquoi est-ce que chaque fois qu'un noir ou une noire réussit, on la part automatiquement avec une personne qui n'est pas noire? Ou pourquoi est-ce que c'est ça? Je savais même pas pour Eddie Murphy, moi. Oui, Eddie Murphy, oui, exactement, ça n'est pas une femme, c'est une blanche. Non, je suis d'accord avec toi. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, moi je parle par exemple de la NFL, le National League de football, 80% sont mariés avec des femmes noires, mais on ne les voit pas. On ne les voit pas. Mais l'équipe de football de France, hein, qu'est-ce qu'on peut dire de... Pareil, ben voilà, exactement. L'équipe de France, c'est exactement ça. On ne voit pas ces couples-là. Il y a des couples, parce qu'on a l'impression que les couples africains sont noirs, quand je dis africains, excusez-moi, les couples noirs sont dysfonctionnels, qu'il y a trop de problèmes. Mais nous avons des modèles, même autour de nous, arrêtons, et ça je disais la dernière fois, arrêtez de regarder la télé. Arrêtez de regarder les séries télé parce que regardez les prochains films Netflix, mais c'est parlant la propagande.
allez voir les prochaines séries Netflix. Mais à un moment donné, on doit s'interroger juste rapidement. Aux États-Unis, par exemple, parce que je parle toujours des États-Unis parce qu'ils ont des chiffres, ils ont des chiffres et tout. Ils ont tout. Sinon, en France, c'est la même chose. Et par exemple, en France, il y a eu Aïssa Meïnga, c'est une actrice sénégalaise très, très connue, très belle et tout. Et elle disait, oh non, moi, je ne veux pas être considérée comme noire, machin et tout. Il faut qu'on nous accepte dans le cinéma français. Nanana. Mais si on t'accepte pour faire toujours le même type de rôle, la boniche, l'esclave ou je ne sais pas quoi, est-ce que tu réussis à ce moment-là? Si tu demandes à être accepté, on te cantonne à certains rôles. À toujours faire la ratchet, à toujours faire la prostituée, à toujours faire la fille qu'on va fétichiser. Est-ce que tu réussis? Est-ce que tu gagnes vraiment? Et nous aussi, pour ça, tu m'en parlais de ça, des gens se prostituent, on disait intellectuellement, mais même dans d'autres niveaux. C'est-à-dire, on te dit, pour réussir, you got to do something that you don't want to do. Contrat canapé. Non seulement ça, mais d'autres choses encore, peut-être pire. Mais on accepte ça parce qu'on veut réussir. Et je dis, faites attention, toujours garder le capital positif. Il y a des modèles autour de nous. Il y a des amis qui sont mariés, qui ont des enfants. Parce qu'on a toujours ça. On pense que tout est dysfonctionnel chez nous. Non, il y a des bons exemples partout. Moi, je suis arrivée ici au Canada. La première chose qui m'a frappée, et je le répéterai toujours, j'ai vu des Noirs propriétaires de leur commerce. J'ai appelé ma mère, j'ai dit, mon Dieu, je suis tellement fière. Je ne gagne rien là-dedans. Je ne suis pas propriétaire de rien, mais ça m'a relief en tant que personne. Quand je vois des familles noires, peu importe l'endroit où ça se trouve, je suis fière parce que je dis, au moins, avec ce qu'on est en train de nous pondre pour les prochaines générations, il faut réduire la population en Afrique. Je suis contente. C'est ça, en fait, que je dis. Je ne me focalise pas sur le négatif. Et c'est sûr qu'il y a du négatif, mais voyons les choses positives. Chacun fait ce qu'il veut. Si vous trouvez votre compte avec X ou Y, c'est bien, mais n'oubliez pas que vous êtes noir et qu'il y a tellement de problèmes ici. Réglez-les d'abord avant de faire quoi que ce soit. Wow. C'est tout ce que je veux dire. Une autre question que je vais te poser, Karen. Après, on va prendre un appel. On parle de... Tu as dit, chaque personne fait ce qu'il veut et tout. Vous avez trouvé votre amour dans n'importe quelle communauté, c'est correct. Mais est-ce que toi, tu te dis, la personne se dit pro-black, la personne, par exemple, c'est un activiste, il donne des discours et tout. Est-ce que toi, tu n'as pas peut-être... Puis ça, c'est une chose qu'il y avait aussi dans les commentaires, qu'il y a comme une brisure, il y a comme quelque chose que tu ne vas pas nécessairement « believe » dans son speech parce que tu es comme... Je sais tout ce que tu dis, mais pourquoi tu n'es pas capable de promouvoir le black love? Parce que la personne qui va parler avec toi, c'est comme si tu vas regarder peut-être la personne à ses côtés et tu vas l'entendre parler de famille, tu vas l'entendre de le père absent, tu vas le dire qu'il faut qu'on puisse enseigner à nos enfants et tout. Puis toi, à cause de certains abus d'un certain groupe, mais toi, automatiquement, tu ne vas pas nécessairement le prendre au sérieux de façon automatique, malheureusement. Oui, parce qu'en fait, c'est une bonne question en plus, parce que ce qui se passe, c'est que, par exemple, les leaders, en fait, des années 60, par exemple, je prends un exemple rapide, je ne vais pas m'éterniser dessus, Sammy Davis Jr., c'était le hit à cette époque-là, dans les années 60, et c'est quelqu'un qui avait épousé une noire, il s'était converti au judaïsme. Mais le jour où, c'était quelques jours avant sa mort, on lui a demandé « Où va ta fidélité, en fait ?» Il a dit « Je suis chrétien. Mon seul sauveur, c'est Jésus-Christ. » Je ne vais pas parler des religions. Ça a choqué énormément des gens qui pensaient justement qu'il était intégré. C'est pour ça que je dis, en fait, il y a certaines personnes qui ont fait ce pas-là, mais qui le font en back-back, si je puis m'exprimer ainsi. Par exemple, Prince est mort. C'est après qu'on a découvert que Prince a donné énormément à la communauté noire, mais personne ne savait. Personne ne savait. Je pense en fait que il y a certaines. Moi, je pense que la nouvelle génération de gens qu'on est en train de nous vendre comme des personnes woke ne le sont pas du tout. Ou des personnes pro-black ne le sont pas du tout. Non, ne sont pas vraiment. C'est tout simplement un truc médiatique. Parce que c'est des gens qui recherchent la célébrité. À partir du moment où vous recherchez des choses matérielles, vous voulez le passer par la réussite matérielle. Il y a un boxeur des années 60, il s'appelle Stevenson, je crois, qui était cubain. C'était un des meilleurs boxeurs. Il avait gagné la médaille en 72, 74. Et en 84, et quand le gouvernement américain a dit à Cuba, on ne veut plus de Cuba, Cuba est boycotté, les Américains ont essayé de le débaucher pour le prendre, dit que oui, viens aux États-Unis, on va te donner l'argent et tout. Le gars a dit non, il est mort pauvre.
à Cuba et il n'a jamais regretté son geste. Il a refusé de se faire corrompre. Mmh. En fait, c'est dans ce sens-là. Ceux qui sont, qu'on met en avant, c'est des gens qui acceptent volontairement de se faire corrompre. Et quand ça chauffe pour eux, ils reviennent vers la communauté en disant « Oh, on m'a maltraité, aidez-moi. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut être tributaire de ses choix. Moi, je dis toujours, soyez responsable. Quand vous faites des choix dans la vie, assumez-les jusqu'au bout. Et peu importe le discours que la personne... Il y a des gens qui vont passer leur temps à dire les Noirs, je m'en fous et tout, c'est pas mon problème. Mais dès qu'il y a la police qui va les emmerder, comme M. Ty Diggs, qui passait son temps à dire « Ah, moi, mon fils n'est pas noir. » Et quand les policiers ont rappelé que « Non, ton fils est noir », il est venu dire « Ouais, mon fils n'est pas noir. » Non, ton fils est noir. Point. Ton fils n'est pas blanc. Ton fils n'est pas métis. Ton fils est noir. Et il pleurait sur les réseaux sociaux. Donc, je dis à un moment donné, assumez vos choix. Non, mais c'est vrai. Assumez vos choix. C'est ça, en fait. Si vous êtes pro, etc., vous voulez aller avec des gens, assumez les conséquences de vos actes. C'est pour ça que je dis, arrêtons la victimisation, arrêtons de pleurer, arrêtons de demander l'acceptance, parce que toutes les communautés le savent. Excusez-moi. Toutes les communautés le savent. Quand vous voulez vous métisser, c'est toujours difficile quand c'est noir. Hein. Si c'est peut-être blanc, ça peut passer. Si c'est peut-être arabe, bon, arabe avec le contexte international, c'est un peu difficile. Mais... Oui, voilà. Mais si, quand c'est les Noirs, vous allez chez les Mexicains, vous allez chez les Asiatiques, vous allez chez les... C'est difficile hein, pour rentrer. Les gens vous font... Et justement, à cause du capital négatif, l'image négative que nous avons. Donc, au lieu de venir dire, oh, on ne m'accepte pas, on ne m'aime pas, pourquoi? Tu dis, fine, tu ne m'acceptes pas, tant mieux. Si tu m'acceptes, tu me suis. Si tu ne m'acceptes pas, tant pis, je m'en fous de ce que tu penses. Parce que les autres communautés, spécialement la communauté asiatique, elle est spécialisée pour ça. Elles s'en foutent que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimez pas. Il est temps que nous, on commence à réagir comme ça. On va prendre un appel. On va vous laisser répondre à cet appel. Wow, Karen est en feu. Hein? La photo, hein? Il fallait qu'il choisisse... Lui, il y a d'autres problèmes. Il faut qu'il soit comme... Il faut qu'il get out. C'est un cas. Wallo? Wallo? Allô, allô, allô? Can you hear me? Allô? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. OK. Bon, premièrement, la première personne qui a parlé et qui a parlé la semaine passée, je ne me rappelle plus son nom. Diana. Diana. Oui, ça m'a vraiment choquée. Pas choquée. J'étais saisie pourquoi, dans le fond, pourquoi est-ce qu'il a dit tout ça? Les remarques passées, la lettre. And you still marry him? Why? J'irai, on n'a pas compris ta question. Pourquoi non, elle n'était pas mariée, elle était en couple avec le gars pendant 6 ans. Ah, oh, OK, elle était en couple avec le gars. Ouais, pendant 6 ans, elle n'était pas mariée. OK, moi, ce que j'ai un peu de misère avec, c'est que j'ai déjà vu une situation comme ça où je tenais la poignée de force. On n'entend pas bien. Essaie de je sais pas, avoir une meilleure connexion. On n'entend vraiment pas bien. Essaie de rappeler parce qu'on n'entend pas. Daphné, tu voulais poser une question. C'est un appel de où? C'est d'ici? New York? New York? Oh, c'est peut-être pour ça que ça ne passait pas bien. Vas-y. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça marche pas? Le son. Salut. Ah. Salut. Bon, en passant, t'as tout dit, hein. Fait qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Mais tu sais, je pense qu'une question intéressante à l'intérieur de ton sujet, c'est est-ce qu'on peut être pro-black puis être quand même inconfortable avec son identité noire? Bah, allez, vas-y. Ça, c'est une question-réponse parce que je suis sûr que tu veux répondre aussi. Ben, pourquoi j'amène ça, c'est que j'ai lu un livre, c'était un gars métis dont le père était pro-black, militant pour les droits de l'homme
aux États-Unis dans les années 60. Mm-hmm. Puis il était en couple, marié avec une femme blanche. Okay? Puis ils ont tellement milité, elle aussi a milité à côté de lui, qu'ils ont eu tellement de problèmes pour leur vie qu'ils sont venus au Canada, puis dont lui, il est né à Toronto. Mm. Puis il expliquait que son père lui disait que c'est comme il avait les cheveux quand même très crépus, plus crépus même que son père. Son père lui disait toujours, mets du gel dans tes cheveux, toi, c'est vulgaire, tes cheveux, c'est laid, arrange-les. Il faut mettre du gel, il faut les aplatir. Puis il lui disait, pince ton nez pour que ton nez soit bien pointu. Puis là, on parle ici de quelqu'un qui était un militant, qui était très activiste, très en vue, que jusqu'à temps qu'il y ait des menaces contre sa vie. Donc, tu sais, je pense que même si quelqu'un est pro-black dans le sens où ce que il fait des actions pour la communauté, puis il va loin là-dedans, il fait des recherches, il publie des livres, il peut quand même, à l'intérieur de lui, avoir un profond inconfort avec son identité noire. Mmh. Puis c'est peut-être même cet inconfort-là qui l'a amené à être militant. Puis à l'intérieur, dans sa vie privée, il lui faut quand même quelqu'un qui va lui donner une progéniture qui ressemble un peu moins à ce qu'il est, parce que finalement, il ne s'aime pas, puis il ne s'accepte peut-être pas autant qu'il le laisse paraître. Puis je veux pas dire que c'est tout le monde, hein. Mais c'est des cas qu'on peut trouver. Mais c'est des cas qui peuvent arriver. Puis aussi l'autre chose, c'est que souvent ils vont dire dans les relations interraciales que la race n'a pas d'importance, c'est l'amour qui compte. On va dire ça à la communauté indienne. Ça pourrait peut-être être vrai si tu vois des gens que vraiment tu peux pas avoir de pattern. La personne, une journée, était quelqu'un de telle race, une journée, quelqu'un de telle race, une journée, quelqu'un de telle race. Puis tu vois aucune préférence, aucun pattern. Exactement. Mais quand tu vois des gens qui systématiquement choisissent des partenaires en dehors de leur communauté. Là, tu vois que c'est un côté fétiche. Là, il y a plus, c'est une préférence. Mm. Cette préférence-là, elle est portée par quoi? Donc, toi, tu as très bien décrit l'imagerie négative déjà qui est envoyée de un. Les problèmes identitaires, quand tu entends, moi, j'ai déjà entendu un noir dans une relation interraciale, il dit, moi, je veux ma fille, elle a des cheveux longs jusqu'aux fesses. Ben, pourquoi il a choisi dans une relation interraciale? Ou des femmes blanches qui sont dans des relations interraciales, moi, je veux des petits bébés bruns. Je veux des petits bébés noirs. Donc, il y a encore cette appropriation, ce côté-là fétiche souvent qui ressort, qui fait que finalement, quand on nous dit tout le temps la race n'est pas importante, ben, on a l'impression que non, elle est très importante, au contraire, puis qu'elle peut prendre le dessus. Puis là, je ne veux pas généraliser, mais vous savez de quel cas je parle. Oui. Non, moi, je ne sais pas. Non, mais il y en a beaucoup. Mm. Puis l'autre problème, pour finir, c'est que, quand on parle d'une vision panafricaine, c'est-à-dire qu'on veut qu'en tant que communauté noire avancer, puis on est dans une communauté où on a beaucoup de problèmes de mères célibataires, de femmes monoparentales, de femmes célibataires. Dans une vision panafricaniste, si on veut que ces enfants-là aient une figure paternelle, ben, il faut que ces femmes-là soient en couple. Donc, c'est sûr que si on a un individu qui décide d'être dans une relation interraciale, il n'y aura pas d'impact. Mais quand on a un mouvement de masse, comme ce qu'on voit par exemple ici, d'hommes de la communauté, il y a des femmes aussi, mais en réalité, il faut le dire, il y en a quand même plus d'hommes. Quand on voit un mouvement de masse dans la communauté de gens qui choisissent d'être dans des relations interraciales, mais ça contribue au facteur des mères monoparentales et des mères célibataires et des femmes célibataires. Tu vois, dans nos communautés, des femmes sont célibataires pendant 10 ans, 15 ans. Moi, je ne vois pas ça dans les autres communautés. Donc, si on veut avancer en tant que communauté, il va falloir qu'on se questionne sur est-ce que c'est normal que les femmes de notre communauté soient seules à élever des enfants? C'est quoi les impacts économiques que ça a dans notre communauté? Et dans ma vision panafricaniste de la chose, est-ce que moi, pour faire avancer ma communauté, je ne dois pas sacrifier peut-être le fait que j'ai aimé une personne d'une autre communauté, mais penser au fait que dans ma communauté, il y a des personnes disponibles avec qui je dois avancer. Toi, est-ce que tu penses que tu peux être pro-black et être dans une relation intéressante? Moi, je pense que si ça arrive, parce que ça pourrait arriver, oui, je pense que ça va quand même causer des problèmes. Il y aura la dissonance cognitive à un certain moment. Ça marche-tu, là? On entend-tu bien? Vas-y, ça marche-tu, là? Testing, 1, 2, 1, 2. Allô? Haïti? OK, eh bien, OK. OK. Comment va la famille? Allô? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Ça marche pas, là. Not tonight. Allô? Allô? Oui. Oui, est-ce que vous m'entendez? À peine.
à peine, là. OK, bon, ben, je vais devoir rappeler alors. Non, là, c'est bon. Non, t'entends bien, t'entends, là. Oh, vous m'entendez? OK, réponds à la question, mon rappel, parce qu'on t'entendait. Oui, dans le fond, je voulais dire que c'est super intéressant ce qu'elle vient de dire. Puis aussi que, en quelque part, là, souvent, là, l'inconfort, c'est souvent des complexes qu'on a, mais les complexes, c'est comme transmis de nos parents, souvent, là. Yeah. Tu sais, juste l'affaire du nez, là, moi, on m'a complexée avec ça longtemps, là. Et quand j'ai eu mes enfants qui sont métis, là, première affaire qu'on m'a dit, c'est « Oh! Ah ben, ils ont le nez écrasé aussi! » c'est comme direct, la première chose, n'écraser, là. Tu sais, c'est vraiment, là... En tout cas, c'est vraiment quelque chose. Donc, les complexes, là, souvent, ça vient que nos parents ont des complexes, ils nous les transmettent, puis c'est vraiment d'être capable de bien vivre avec ça, là. Karen? Oui, merci pour la question, en fait. C'est que, pour ce que tu as dit pour le père dans les années 60 qui était activiste, il faut savoir que en fait, on forçait les gens à défriser les cheveux. Ça, c'était une politique dans les années, je pense, jusque dans les années 60, justement. On forçait les noirs à défriser. Quand tu n'avais pas les cheveux défrisés, tu étais considéré comme un gars des champs, un rebelle ou je ne sais pas quoi. Là. Donc, ils forçaient les gens à se défriser. Et c'est rentré dans la psyché que non, il faut pour se faire accepter. Et c'est la même chose en France. Hein. Peut-être ça a changé maintenant. En France, quand tu avais tes cheveux, les employeurs te disaient non, c'est sale. Donc, il fallait que tu mettes soit les tissages, soit tu défrises. Et le problème, c'est que les années 60, ce n'est pas les années 2018. Parce que c'est un contexte bien particulier avec la ségrégation qui était étatique. Moi, je dis toujours, je suis moins sévère avec les gens de l'époque parce pour ce qu'ils ont vécu et ce qu'on leur a fait vivre. Exactement. Il y a des parents aujourd'hui qui disent à leurs enfants, c'est mieux que tu ailles avec... épouse une blanche, tu auras moins de problèmes. Il y a des parents qui disent noir, hein, noir des deux, pas métisse, noir des deux. Mais en France, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que sur les sites, sur certains forums interraciaux, vous avez des femmes blanches qui disent « Oui, je sois avec un noir, mais il ne faut pas que le bébé soit trop foncé. Il ne faut pas qu'il ait trop de cheveux bizarres. » Et c'est aussi avec l'effet Barack Obama, où pendant un moment, c'était « Black is... » Métis, c'est beautiful, quoi. Donc, tout le monde voulait avoir son petit... C'était comme un gadget, comme la nouvelle poupée qui vient de sortir. Et justement, quand on allait sur ce forum-là, mais c'était assez marquant, les gens disaient « Ah non, mais tu sais, je veux pas qu'il soit trop foncé, je veux pas qu'il soit trop... » Donc, tout ça, en fait, ça existe. Et le truc, c'est que quand tu disais par rapport à quand il y a des... Est-ce qu'on peut être pro-black et avoir des problèmes internes? Oui, bien sûr. C'est pour ça que je dis, en fait, que moi, c'est ici. Tu dois être libre ici d'abord, avant de faire quoi que ce soit. Si tu n'es pas conscient de ton environnement, parce que nous, j'ai l'impression, les Noirs, enfin, pas les, je parle pas des Afro-descendants, les Noirs africains ou les immigrés économiques, comme on dit, on pense que quand on arrive ici, les lois nous protègent. C'est ça notre gros problème. Oui, le racisme n'existe pas. Il n'y a pas de race. Non, il y a des races. Mais seulement, on ne vous le dit pas. Il n'y a que vous qui pensez qu'il n'y a pas de race. Donc, pardon. Excuse-moi. Il y a des races. Et donc, c'est une lutte perpétuelle. On disait qu'on est souvent, et France Fanon le dit même dans son livre, Peau noire, masque blanc, que nous sommes schizophrènes. Parce que quand on est avec les blancs, on ne se comporte pas de la même manière que quand on est entre nous. Il parlait de schizophrénie. Et pas une schizophrénie psychiatrique, ouais. Mais il disait que quand tu es avec des blancs, on se comporte d'une certaine façon. Et c'est pour ça que je dis, arrêtons. Et c'est ça qu'on cherche, l'acceptance. Be yourself. Sois toi-même. Je veux dire, si tu as ton accent... Moi, j'étais aliénée. Hein. Moi, je ne suis pas quelqu'un... Je n'étais pas meilleure que quelqu'un ici. J'étais la seule noire jusqu'en terminale en France, dans mon lycée. Donc, moi, ce que j'ai arrivé, c'est que dès que je suis arrivée à la fac, j'ai trouvé des groupes d'Africains. Pop, l'accent est revenu. Tout de suite. Et les gens me disaient, mais tu ne parlais pas comme ça avant. Tu n'avais pas l'accent. Mais c'était naturel parce que j'ai retrouvé mon environnement. Et parce que j'avais intégré que je ne suis pas chez moi. Donc, j'ai dû m'adapter. Je suis d'accord qu'on s'adapte. Surtout quand vous êtes en minorité, il faut s'adapter. Mais s'adapter ne veut pas dire se conformer ou s'assimiler systématiquement. Et c'est ça, je disais, en fait, c'est une lutte perpétuelle, mais c'est une bonne question à poser. Mais tout ça, c'est une question de volonté. On peut le faire. Les autres le font. Pourquoi nous, juste rapidement,
le président de Turquie, Erdogan, parce qu'il y a une communauté très fermée, hein, qui est, c'est la communauté turque. Il a dit quelque chose il n'y a pas longtemps, vous pouvez voir ça sur Internet, ce n'est pas moi qui le dis. Il a dit à sa communauté, faites des enfants. Et il disait aux femmes, cherchez des hommes responsables. Faites 5, 6, 7, 8 enfants, mais cherchez des hommes responsables. Quand quelqu'un vous dit ça, quand il dit ça à sa communauté, c'est qu'il y a un message qui passe derrière. Donc, c'est pour ça que je dis, nous sommes vecteurs du métissage. Oui, métissons-nous, blablabla. Les autres ne sont pas vecteurs de ça. Moi, je n'ai jamais vu Jet Li venir dire, oui, you know, il faut se métisser. Je n'ai jamais vu Tom Cruise venir dire, ils vont vous dire, oui, c'est beau. Mais est-ce qu'il applique? Mais lui, il n'applique pas, hein. Mais nous, là, on applique, on fait la politique, les pancartes, on sort, on manifeste et tout ça. Je dis non, il faut s'accepter soi-même. Même on parlait d'industrie Bollywood et aussi, genre qu'on parle de, oui. D'industrie et tout, qui ne montre pas nécessairement genre, ce mélange et tout ça. Oui, justement, parce que ce qu'on ne sait pas, par exemple, au Japon et en Chine, même à Bollywood, Bollywood est la première... On dit Hollywood, hein, mais ce n'est pas Hollywood, hein, c'est Bollywood, la première industrie cinématographique au monde. Ils sortent 900 films par an. Hollywood, c'est 600, même beaucoup moins parce qu'ils perdent l'argent. Mais ça, c'est un autre problème. 600. Et c'est des gens, ils portent leur sari, ils font leur truc, ils s'en foutent royalement. Vous n'allez jamais voir dans les films de Bollywood le métissage. Ils ont essayé une fois avec Aishwarya Rai, c'est la plus belle femme. Ça a été un bide. Ça a été un bide commercial. C'est ça que je dis, arrêtez la télé. Parce qu'on en voit, ils refusent ça. Au Japon, il y a certaines séries, certains films qui ne passent pas. Parce que c'est un message pour eux qui est subversif. On va prendre une rapidement, et après j'arrête. Non, vas-y. Il y avait une pub, justement, en Italie, où c'est une femme, elle a son gars blanc, normal. Elle fait la lessive, puis le gars, il est l'image négative du blanc, nonchalant, moumou. Elle le prend, elle le met dans la lessive, elle met le produit noir, le produit noir, et ça sort un noir beau, chocolaté, musclé et tout. Non, c'était en Italie, la première pub. C'était après, il y en a une autre. Après, les Asiatiques ont fait la même chose, mais l'Asiatique a pris le noir, et l'a mis, et c'est un Asiatique qui est sorti. Qui a créé racisme? Les Noirs. Oh, c'est le racisme. Non. Ils ont dit, je dis, we have preference. Nous, on stick together. C'est pour ça que je dis, mais c'est nous qui avons créé racisme. Les autres n'ont pas créé racisme, ils s'en foutaient. C'est pour ça que je dis, arrêtez. Et c'est le message, je dis, arrêtez de chercher l'acceptance. C'est tout. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais quand vous êtes déjà fort mentalement, après, quand vous voulez faire n'importe quoi, on ne vous fait pas n'importe quoi. Parce que même quand on cible des personnes, on ne cible pas n'importe qui. On cherche toujours, comme dans la jungle, le faible, celui qui est à l'écart, là. Celui qui panique, voilà, c'est lui qu'on attaque. Donc, on peut y arriver. Matt, bravo. Matt, on va prendre l'appel qui est là. Là, c'est le dernier try. Si on n'entend pas, plus d'appel. Plus d'appel pour le show. Allô? Yeah, allô, Kiki? Oui. Ouais, dans le fond, c'est Anna Liza qui appelle. De LA, de Los Angeles. Exactement. Vas-y. J'ai un petit commentaire à faire. Benjamin, remercier tout le monde qui est dans le panel. Mon commentaire est très simple. Dans le fond, c'est que moi, je pense pas que tu peux être pro-black et d'être outside. Je parle de mon expérience personnelle de moi et de mes amis et de mon entourage. Comme la dame a dit tout à l'heure, il faut arrêter le cinéma, tout ça, parce que je la comprends, parce que moi, quand j'étais jeune, je vous dis la vérité frère, je ne voulais pas les femmes d'âge attractives. Je n'aimais pas ça, les petits couris, les bigoudis, je trouvais ça répugnant. J'étais attiré automatiquement par tout ce qui était cheveux soie, les femmes blanches. Mais c'est juste en allant au secondaire, puis en grandissant un peu plus, et en apprenant mieux à me connaître, j'ai commencé à apprécier les femmes blanches. Mais j'ai passé tout un bout à dénigrer les femmes blanches dans ma tête parce que c'est pas ça la beauté pour moi. Donc, quand je vois certains gars noirs qui sortent mettre des blanches, et je sais où moi ou quelques-uns de mes amis sont passés, comment je peux croire que c'est du lot qui n'est pas basé sur des préjugés de leur propre âge? Mais pour moi, ils n'ont pas de crédibilité. Quand t'es là, puis t'es trois avec t'es des blanches, that's make no sense for me. Tu me dis que c'est de l'amour dans le bullshit, tu comprends? Donc, c'est déjà que je voulais dire, puis côté votre show. Wow, c'était chaud. C'était chaud. On va passer avec l'autre panéliste. Make some noise pour Mr. Pat Boogie.
à Montréal, guys. Merci, tu m'as pas appelé samedi pour me dire où est-ce que t'es l'after. C'est ça, t'étais supposé de danser, mais bon. Bon, remettez la musique. Non, musique. Non. C'était sur un bon petit beat de Godfather D en passant. Nice, DJ Noyan. So, si tu veux te présenter aux gens. Oui. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Patrick. je suis DJ. À Montréal, ça fait au-dessus d'une quinzaine d'années, presque 20 ans. Je suis né dans la rive sud de Montréal. Depuis une dizaine d'années, je vis à Côte-des-Neiges. Ah, pardon? Allô? Oui, c'est ça. Donc, puis, voilà. Donc, merci de m'avoir invité au show. Yes. So, tu sais, souvent, on a des débats sur mon post. Toi, tu es toujours là. Puis, j'aime beaucoup tes échanges. Et aujourd'hui, c'est un sujet quand même qui t'a interpellé parce que tu m'avais demandé la prochaine fois que j'ai un sujet de la sorte de t'inviter. Donc, pourquoi toi, ça t'a interpellé personnellement, ce sujet-là? Je me sens très interpellé parce que je suis concerné beaucoup par les questions raciales, l'injustice, puis pour les relations interraciales. Étant donné que j'ai grandi dans la Rive-Sud, j'étais beaucoup avec des Blancs, autant que j'étais avec la communauté haïtienne avant Montréal aussi, mais que, bon, dans mon entourage, à l'école primaire, au secondaire, j'étais beaucoup avec des Blancs. Puis après ça, au secondaire, au pensionnat, j'ai côtoyé d'autres gens de d'autres communautés, que ce soit Libanais, que ce soit Haïtien, que ce soit Africain, que ce soit Asiatique. Puis ce qui arrive, c'est que j'ai appris à connaître beaucoup de gens de différentes cultures, différentes mentalités, que ça fait en sorte que j'ai peut-être j'ai une vision un peu différente de d'autres gens qui ont été souvent dans la même communauté. Donc, c'est certain que les relations interraciales, ça m'a interpellé aussi, parce que j'ai eu beaucoup de dates de différentes communautés. Est-ce que ça a été souvent la même communauté ou c'est vraiment tu étais un globe-trotteur? Je ne peux pas dire globe-trotteur, j'ai pas visité tous les continents, malheureusement. Non, mais je veux dire. Il a pas fait de l'abeille. T'as pas tout butiné. Non, mais pas tous. Je veux dire, mais quelques québécoises, italiennes. Ouais, autant québécoises, italiennes. Maghrébines. Hein? Est-ce qu'ils se ressemblaient tous? Ils se ressemblaient tous? Ouais. Non, ils se ressemblaient pas tous. Okay. Aussi jamaïcaines et tout ça. C'est juste que j'ai côtoyé différentes mentalités. Puis j'ai juste remarqué que ça peut être une richesse aussi de connaître d'autres gens. Puis aussi, si on veut, à mon avis, si on veut partager notre culture et que les gens nous comprennent mieux, je pense que c'est bien de ne pas s'oublier, comme on a souvent dit ici, de ne pas s'oublier, mais de faire comprendre. Si les gens ont des questions ou pourraient peut-être faire preuve d'ignorance ou de... C'est un petit commentaire qui... Tu vois qu'on est un peu... Mais c'est le temps, justement, d'en profiter pour leur dire, de rectifier le tir. Puis, parce que si on ne le fait pas... Ben, les gens vont rester dans leur même préjugé, dans leur même stéréotype, qui fait qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut au juste? Si on veut combattre le racisme au bout de la ligne, là, en finalité, à un moment donné, c'est que ça va vouloir dire que les gens vont finir par se côtoyer, donc se comprendre mieux, donc avoir des échanges. Donc, à un moment donné, il y en a forcément là-dedans qui vont finir par se fréquenter puis avoir une relation amoureuse. Ça ne veut pas dire que tout le monde va finir par se métisser ou quoi que ce soit. C'est juste que... Plus les gens vont se côtoyer, donc ils vont se comprendre mieux. Donc, à un moment donné, tu vas développer des affinités qui vont faire en sorte que tu vas avoir différents mélanges. Puis, à un moment donné, on veut pas se faire juger comme Martin Luther King disait, okay, « We don't want to be judged by the color of our skin, but our country of our character. » Mais à un moment donné, c'est... Ultimement, c'est ça. Si on dit que le racisme, on veut le combattre, c'est qu'on veut justement que la personne... qui nous côtoie, notre prochain, que ce soit un employeur, que ce soit une personne en amitié ou une future date, mais si on veut que cette personne-là nous juge sur le contenu de notre contenu, et non seulement la couleur de peau, mais c'est là où on va en arriver. Mais tu sais, tu essaies de puis peut-être rapporter un des propos de Diana, qu'elle a essayé d'expliquer, par exemple, le white privilege. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est très, très, très complexe parce que quand on parle des fois de racisme, c'est très ouvert. Si ce n'est pas une insulte ou quelque chose qui est très flagrant, c'est plus subtil. Donc,
si toi, tu es sain, par exemple. Toi, présentement, tu es dans une relation intéressante. Oui, dans une relation. Elle est quelle nationalité? Elle a deux nationalités. Elle est moitié québécoise, moitié marocaine. Okay. Son père, qui est décédé, malheureusement, il y a quelques années, c'est lui qui était marocain et musulman. Okay. Puis sa mère, québécoise. Combien de temps que tu es avec elle? Ça fait 6 ans. Est-ce qu'elle a une sœur? Non, ça elle a des cousines. Ah ouais? Non, mais oui. Donc, c'est ça. Donc, sa mère, qui est québécoise présentement, elle est avec un Haïtien depuis plusieurs années. Est-ce que toi, t'as... Ça fait combien de temps que t'es avec elle? Ça fait 6 ans. On est fiancés maintenant. Fiancés? Oui. OK. Merci. Oui. Voilà, du moins, c'est quand même... Est-ce que ça allait faire ça pour... Ça aurait été deux blagues, genre? Mais est-ce que toi, t'as vécu certains clashs? Ou même, par exemple, d'autres personnes, quand t'as des sujets comme ça, puis ils savent que t'es avec une Québécoise... est-ce que les personnes vont dire, OK, well, you're not in Talwood pour parler des affaires, genre, aussi deep comme. Non. T'es conscient et tout ça, mais tu es avec. Non, on n'a pas tenté de faire ça. Je pense que si on le faisait, par contre, je pense que j'aurais répondu de tac au tac que ça n'a pas rapport. Parce que je pense que tu peux être conscient de qui tu es, tu peux être conscient des injustices qu'il y a autour de toi. Puis une relation, mais on s'entend que c'est une relation, c'est intime, c'est amoureux, t'sais, une relation amoureuse. Mais les personnes vont dire, l'injustice, c'est général, dans le sens, est-ce que vraiment t'es obligé d'être, t'sais, une bonne personne, point, peut voir une injustice, puis peut juste condamner une injustice? Bien, il y a en être conscient, c'est une étape, mais le dénoncer, c'est autre chose. Okay, quand, t'sais, parler publiquement ou d'être sur les réseaux sociaux, c'est des fois, j'ai remarqué dans les réseaux sociaux, quand quelqu'un... qui est très ami avec plein de monde là, de différentes cultures. Quand il va poser des choses par rapport à la musique ou des trucs cool, ben, tout le monde embarque, les blancs, les noirs. Mais dès qu'il y a une affaire de racisme, par contre, souvent les blancs, il n'y a plus. C'est un silence radio. Là, les likes là, diminuent. Là. D'un coup, il n'y a plus autant de likes. Ah, moi maintenant, mon Facebook est très. J'ai eu beaucoup de unfriend. Mais c'est là que des fois, tu t'aperçois des fois qu'il y a des gens, quand c'est la question de la race, ils ne veulent pas trop se mouiller ou ils ne veulent même pas juste. Ils vont peut-être le voir, le post, mais ils vont pas commenter. Mais je trouve que c'est hypocrite parce que si tu es aussi down avec la communauté, pourquoi qu'on parle de vraiment de choses qui nous affectent, de pas décider de dire « OK, I want to be part of that conversation » pour voir comment je peux l'aider? Parce que là, je peux dire qu'il y a peut-être dans le live, il y a des personnes qui sont connectées, sont dans une relation interraciale, ils sont là, ils veulent écrire des dissertations sur comment ils aiment la communauté, mais après, on va parler de profilage de racisme systémique, puis tu vas même pas voir qu'ils sont pas connectés. Ouais, puis souvent, quand... Je trouve que c'est hypocrite à mort, là. Oui, puis quand des fois, on va dénoncer certaines choses... des fois, ils vont être sur la défensive. J'ai souvent remarqué qu'il y a le rebuttal, il vient assez rapidement. Ah, c'est la victimisation, puis des trucs comme ça. Puis aussi, il y a un texte qui, à chaque fois, je le relis souvent. Je m'imagine que les gens connaissent. Le titre s'appelle « La fragilité blanche ». Pourquoi est-il si dur de parler de racisme avec des Blancs? Ça, ce texte-là, là, c'est une, je pense que c'est une psychologue ou une femme docteur américaine ou... Ouais, elle a vraiment décrit, ben elle-même, elle est blanche. Mm-hmm. Elle a décrit le phénomène pourquoi les Blancs ont ce blocage-là, dès qu'il y a question de racisme, de se braquer, puis de souvent être sur la défensive, puis de pas exactement comprendre. Puis j'ai compris beaucoup comment, leur c'est pas que c'est une incapacité, des fois, c'est aussi dur pour eux de conceptualiser le racisme autre que, mettons, la haine ou des choses qui sont hyper négatives. Mm-hmm. Puis c'est à nous, des fois, de leur faire comprendre que. Parce qu'eux autres, la manière que j'ai compris, c'est qu'eux autres, bon, dans leur la façon dont ils ont été éduqués, c'est qu'ils se voient comme étant des bonnes personnes à la base. Mm-hmm. Donc, si on ose parler de racisme, ça veut dire que t'es mauvais. Donc, je peux pas, écoute, moi, vu que je suis une bonne personne, je peux pas être considéré raciste, je suis une bonne personne. C'est ça, il y a du déni, il y a beaucoup de déni là-dedans. Mais c'est juste que c'est une façon qui ont été. Qui ont été élevés, je peux pas dire élevés, mais qui ont grandi, qui ont été conditionnés, je dirais peut-être, à pas. Voir le racisme, puis à vraiment être sensible. C'est vraiment une question d'empathie, de vraiment de pas de vouloir se mettre à la place de l'autre. Mm-hmm. Puis aussi, je pense que quand on dit aussi le privilège, c'est qu'ils ont, le privilège de rester ignorants, puis de jamais se faire dénoncer sur leur ignorance, puis aussi de nier leur ignorance si jamais ils sont confrontés. Ça, c'est des privilèges fondamentaux que les gens ici ont, mm-hmm. en Amérique du Nord, ou en tout cas les Blancs en général, c'est de jamais être confronté au fait que, hey, sais-tu quoi? Je suis peut-être pas aussi ouvert d'esprit, je pensais l'être. Puis à ce moment-là, tant que ces gens-là ne seront pas ouverts à leur soit ignorance ou leur préjugé, ben, ils seront. La question de racisme, ils n'auront jamais à l'aborder. Mm-hmm. Parce que pour eux autres, ils peuvent retourner chez eux dans leur confort, puis dire, ben moi, c'est ça, ils ont le choix. C'est pour ça. Si
t'es, t'as une partenaire, t'es dans une relation interraciale, puis elle s'en fout vraiment de tu veux prendre des décisions, tu veux vraiment être actif, tu veux vraiment parler de certaines affaires, puis tu vois qu'elle n'est pas intéressée, par exemple. Et est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu as essayé de parler avec ta copine? Ben oui, mais c'est pas réellement le cas de ma copine à moi, parce que étant donné qu'elle a elle est d'origine aussi maghrébine, elle aussi, elle a quand même des choses qu'elle vit. Est-ce qu'elle est proche avec sa culture maghrébine ou elle est, est-ce qu'on sait beaucoup plus Elle est plus proche de sa culture québécoise, ben, étant donné que son père est décédé, son lieu. Ça fait en sorte qu'il y a des côtés où elle est moins proche. Elle n'a pas nécessairement affronté tout. Elle aussi, elle a comme, en quelque sorte, le choix. Oui, mais en même temps, elle ne veut pas, elle est sensible à ça, parce qu'elle va au Maroc chaque année. Elle a été au Maroc chaque année. Est-ce que toi, tu vas avec elle? Non, je n'ai pas encore été. Est-ce que tu penses qu'il va t'accepter comme ça au Maroc? Non, je ne crois pas, mais... Ben non, voilà, mais ça, c'est les questions. Ben non, mais c'est sûr et certain que, écoute... Mais c'est ça, là, il y a des cultures, faut pas se le cacher, il y a des cultures qui sont encore très fermées. Alors, ta copine, est-ce qu'elle, elle est proche quand même avec la communauté noire, puis... Ouais, quand même. Mais nous, on n'a pas accès à la communauté maghrébine, mais elle a quand même accès. C'est elle qui doit essayer de les faire comprendre les affaires. Ben c'est sûr, mais aussi c'est une question de personnalité aussi, parce qu'il y a des personnalités aussi qui sont pas confrontationnelles non plus, sont pas militantes, parce que pour être militant, ça surtout aussi avec la personnalité de la personne, parce qu'il y a bien des gens qui peuvent être conscients des injustices, mais c'est pas nécessairement eux qui vont nécessairement affronter des gens ou aller sous le front, ou parce que la personnalité, c'est pas des gens qui vont mais par contre je sais qu'elle est sensible à des injustices, même une preuve, j'ai remarqué. M'a fait savoir, mon ami, elle travaille dans une boutique, dans un magasin de luxe en Vieux-Montréal. Puis, dans le staff, les employés, la plupart sont blancs. C'est bon. Mm-hmm. Mais par contre, le gardien de sécurité était noir. Mm-hmm. Bon. Les personnes dans le stock, qui fait le stock boy, là. C'est un noir, un noir. Bon, tu sais. Oui, aussi, mettons un autre garde de sécurité en rotation, c'est un Asiatique. Bon. Puis, je me rappelle, elle m'a dit, elle avait été parler au gérant, puis elle avait dit. Écoutez, honnêtement, là, parce qu'il procédait à embaucher des gens prochainement, tout ça, puis elle avait dit, écoutez, honnêtement, je trouve que vous devriez être sensible à vouloir engager des gens de minorités visibles, parce qu'honnêtement, dans un magasin, quand on rentre dans le magasin, honnêtement, ça fait pas de sens. C'est pas que tu vois que le garde de sécurité, c'est noir, c'est typique, le gars, c'est engager des gens sur le plancher qui peuvent recevoir, accueillir des clients, qu'ils soient des minorités visibles. Mm-hmm. Puis elle l'a dit. T'sais, j'ai été très surpris parce que normalement, ma fiancée, c'est une personne quand même très discrète. Et pas tellement. Mais ça va quand même. J'étais quand même surprise qu'elle s'est pas gênée de le dire. Mais c'est des preuves qu'à quelque part, elle fait sa part quand l'occasion se présente. Mm-hmm. Mais moi, je veux savoir si, parce que t'es fiancée, tu vas te marier avec elle. Fait que c'est ce côté. Je vais pas faire payer les gens, pas ça. Non, je sais. Regardez le show. Mais si sa famille de Maroc va venir dans le mariage, non? Il y en a quelques-uns, mais je pense que de toute façon. Parce que toi, tu vas te confronter à quelque chose quand même, toi. Tu peux pas. Oui, c'est certain. Mais ce qui arrive, c'est que c'est cute, c'est beau parce qu'ils sont au Maroc, mais après, ils descendent ici. Oui, mais il y en a qu'elle ne tient pas vraiment à inviter, anyways. Pas parce que ce qui arrive, c'est que. Ils savent que t'es noir. Non, c'est même pas ça. C'est juste parce qu'il y en a qui sont pas aussi proches non plus. Puis aussi, c'est le fait que, ma fiancée est très pragmatique. Elle, tu m'aimes pas. Puis, that's it, là. Tu sais, j'ai pas besoin de faire. Je fais pas ça pour toi, là. Je fais pas ça pour. J'ai pas besoin de. Moi, j'invite les gens qui sont là pour moi. Tout ça, j'ai pas besoin de. Puis même, c'est pas. Puis je veux pas. Don't get me wrong, c'est pas la guerre ou quoi que ce soit. Là, c'est pas dans la famille. C'est très correct. Tu sais, ici, les gens dans la famille ici qu'elle a du côté marocain sont très corrects. Là-bas, je les connais pas. C'est juste ça. Mais bon, il y en a qui disent aussi que, bon, elle était pas proche de toute façon. Fait que, ouais. Puis le fait que le père était mort aussi. Un appel pieux, il faut qu'on entende, là. Non, il a dit non. Je viens de le dire, il ne fera pas payer. Prends les commandes. On entend mal les appels aujourd'hui, là. Allô? Ah, pas pire. Ouais, on a un peu d'espoir, vas-y. Allô? Je suis encore là. Ben, c'est bon. Allô, oui, ta question, commentaire? Oh, on avait espoir, là. Oui, allô? Ouais, on a un peu d'espoir, dans le
Oui. Elle dit à ton ex de poser, là. Round 2 arrive tout à l'heure. Ben, en fait, j'appelle pour intervenir au niveau du sujet parce que je trouve qu'on s'éloigne un peu. Et je trouve que les gens dans les commentaires, autant sur le dernier panéliste, qui essaie de justifier sa relation, c'est que je trouve qui est mauvais en fait, parce que tu n'es pas nécessairement obligé d'être pro-black, et si tu n'es pas pro-black, tu ne peux pas de faire moins noir parce que tu fréquentes quelqu'un de notre race. Être pro-black, à mon avis, selon ma définition, je pense que c'est une façon de vivre. C'est un état de conscience et surtout, comment je peux dire ça, une façon de voir, une façon de faire avancer les choses. Quand on se mélange avec les autres, on est un peu dans une position d'extermination de sa race, de participer à exterminer sa race. Hey boy. Puis c'est pour ça que tu dis qu'on s'éloigne du sujet parce qu'on n'a pas parlé d'extermination de race. Non, non, je parle pas qu'on s'éloigne du sujet en fait. Parce que le sujet, c'est que les gens essaient de justifier leur relation, tu vois. Ils non, c'est juste lui qui a parlé de sa relation. Il n'a pas justifié sa relation. Comment je justifie ma relation? Non, mais c'est ceux qui ne sont pas d'accord, venez là pour... Parce qu'il y a plein de sons. On a dit quelque chose, venez là. Venez, arrêtez de faire des échos, venez, on va discuter. Venez là. OK. Elle a raccroché et tout. Bon. On va aller avec ça pour dire qu'il a parlé juste 10 minutes pour s'éloigner. Ça fait 2 heures qu'on est dans le show, OK? Fait que juste quand il a parlé, on s'est éloigné. Donc, Pat, il parle puis il veut justifier sa relation avec sa copine. Mais justifie en disant... Oui, non, d'accord. Donc, les personnes qui ont dit ça, je veux une conversation entre Pat et la personne qui a dit ça. Ou les personnes qui ont dit ça. Non, mais on veut discuter. Il y a plein des cours. On discute. Mais moi, j'ai pas dit que vous voulez justifier sa relation, mais je pense que le problème, c'est que la question, c'est est-ce qu'on peut être pro-black puis être dans une relation interraciale? Puis on dirait que, comme il n'y a aucun de vous qui se définit comme pro-black, fait que c'est comme le fait que vous soyez dans des relations interraciales n'est pas vraiment pertinent dans le sujet, en fait. Non, mais ta question, je veux juste comprendre. Parce que moi, je pour savoir qu'est-ce qui justifie, je comprends à quoi j'ai justifié ma relation. En parlant de la relation, comment je la justifie? Mais Daphné, tu veux revenir pour parce que pour la justice, parce qu'il faudrait qu'on l'établisse comme étant... Là, tu vas te lever! Là, tu vas te lever! Non, j'ai pas dit que tu justifiais ta relation. Non, pas toi, mais dans la foule, je distingue pas, j'arrive pas à distinguer qui, mais... OK, mais c'est ça, moi, j'ai pas dit ça. Je fais juste faire ce commentaire-là. Si t'es pas pro-black, ben, c'est correct. Et toi, tu te considères pas pro-black? Mais j'ai même pas répondu, même pas vraiment posé la question, là, non plus, là. Je disais... Oui, mais on me bon, mais je réponds, mais je réponds à qui? Parce que ça, le show est pas fini non plus, donc si le panier il parle de son histoire et tout, puis on m'a pas posé la question comme telle, comme on l'a fait avec les autres, on me l'a pas posé, il m'a demandé ta relation, il m'a demandé de parler de sa relation, donc on peut aller tout de suite si c'est ça qui nous qui... Est-ce que t'es pro black? Vas-y. Ouais, moi, j'ai une question plutôt générale par rapport au sujet. Chut, guys. Moi, j'ai une question plutôt générale concernant ce sujet. Bon, depuis tout à l'heure, je suis en train d'écouter. Directement de la France. Ouais. T'es plus en décalage horaire. La dernière fois, il est venu la semaine passée. Là, je vois que t'es swagué et tout. Ma question est qu'il y a des personnes qui refusent une autre culture alors qu'ils ne connaissent pas leur propre culture. C'est-à-dire qu'il y a des étrangers qui ne connaissent même pas la langue de leur pays d'origine, mais qui sont contre la diversité dans laquelle ils ont grandi et dans laquelle ça les a permis de s'ouvrir sur le monde. Mm-hmm. Et c'était ça ma question. Donc, c'est vous les panélistes, réalisez l'ISMAT. Et dit, c'est un commentaire plus qu'une question en fait. C'est quoi la question que tu veux poser? Parce que c'était plus un commentaire. Non, c'était un peu, c'était un peu une question parce qu'il y a des personnes qui sont enfermées, c'est-à-dire qu'ils se disent, moi je suis pro-black, mais je suis aussi, j'aime bien la diversité culturelle, tout ça. Mais voilà, je ne suis pas une personne renfermée, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai des origines que forcément je dois me renfermer sur le point avec les autres personnes, c'est-à-dire.
si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, je pense que, en fait, pour moi, après, oui. les gens sont libres. Hein. Ouais. Ce n'est pas parce que tu es... Parce que ça aussi, c'est la société occidentale qui met cette image-là, que quand tu es pro-black, tu es forcément fermé. Oui. Ce n'est pas vrai. Oui. Et je trouve que ce procès-là, on le fait seulement à nous. Parce que quand vous avez les communautés... je ne vais pas stigmatiser, mais vous avez les communautés arabes, on ne leur demande pas de faire un effort pour accepter les autres. Ils restent entre eux. Je ne dis pas tous, bien sûr, quand je dis en tant que communauté. Peut-être les individus, c'est différent. Quand on est avec les Asiatiques, on ne leur demande pas pourquoi vous êtes qu'entre vous. Mais quand c'est noir, ça dérange. On dirait que quand on arrive, on dit... Ou bien, juste un exemple. Ce n'est pas la bonne référence, mais par exemple, Puff Daddy, il avait dit en début 2018, « I love my black sister ». Mais ça a été le clash. On a dit, c'est un raciste, il est fermé, blablabla, blablabla. Et j'ai dit, ben non, il ne peut pas dire que ça dérange. Mmh. Parce que j'ai l'impression que les gens ont peur que quand on est noir et tout, on fait des choses pour, entre guillemets, nous. C'est comme, les autres voient ça comme une menace. Parce qu'on n'est pas habitué à voir des gens qui ont un discours cohérent, un discours identitaire. Moi, je suis par exemple, moi, je suis quelqu'un, je ne vais pas dire que je suis pro. Mais moi, en fait... Je m'intéresse à ce qui intéresse ma... Moi, je pense à l'avenir. Moi, je pense aux futures générations. Moi, ça m'intéresse. Ça ne veut pas dire que j'ai des enfants ou quoi. Mais moi, j'essaie de penser plus loin. Mais ça ne m'empêche pas de m'intéresser à la culture asiatique, à la culture arabe. Ça ne veut pas dire forcément fermer. C'est que tu peux te renseigner, prendre le bon. La musique est un exemple. Tu peux écouter des musiques... Il y a des racistes hein, aussi qui écoutent toutes les musiques. Hein. Il y a des racistes qui se mettent avec des gens d'autres communautés, mais qui sont racistes. J'en connais. Mais vraiment, ils sont racistes, mais ils sont avec d'autres communautés. Ils vont te dire, mais je ne suis pas raciste, je suis avec tel. Non, tu l'es. Mais ils vont te le dire. Donc, c'est pour ça que je dis, en fait, qu'il ne faut pas toujours voir que ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas... on est dans un processus, nous, noirs en général, on essaie de se reconstruire, de savoir d'où on vient. C'est un processus qui est lent parce qu'on a été très longtemps éparpillés dans tous les sens du terme. Nos générations avant, je parle de ceux qui sont ici... Donc après, c'est sûr que quand tu as ce sentiment-là, que oui, effectivement, il y a certaines qui vont peut-être se braquer. Oui, il y a des gens qui vont dire, moi, je suis pro-black, je veux rien entendre. Parce que c'est une réaction par rapport au rejet aussi. Parce que je disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui sont rejetés. La communauté noire, on est rejeté parce que l'image négative, notre capital négatif est au top. Donc il y a des gens qui disent, bon, comme personne, même moi, j'aime personne. C'est normal, c'est humain. Maintenant, après, c'est à chacun de faire son pas. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu es pro-black, tu es obligatoirement fermé. Il y a des pro-blacks qui sont extrêmement ouverts. Il y a des pro-blacks qui sont très fermés aussi, ça dépend. Mais comme dans toutes les communautés, il y a de tout. Il y a des gens qui sont racistes, il y a des Arabes qui sont racistes, il y a des Asiatiques qui sont racistes, il y a des Noirs qui sont racistes. Dans toutes les communautés, on trouve. Moi, personnellement, ce n'est pas ça qui est le problème pour moi. Je dis toujours, ceux qui veulent s'ouvrir, comme on dit, ouvrez-vous, il n'y a pas de problème. Mais assumez, c'est tout. Si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, comme certains font, ils s'en vont vers les autres pleurer l'acceptance et quand ça capote, ils reviennent. Oh non, je me suis fait traumatiser. Non, assumer, c'est tout ce que je dis en fait. C'est bon? Ouais, j'ai ma réponse. Donc, pendant qu'on est en train de discuter et tout, les personnes disent que tu justifies ta relation. Et jusqu'à présent, tu as l'air de ne pas comprendre que... Non, parce que tu m'as posé la question par rapport à ma relation, donc je parlais de ma relation, ouais. Mais pas dans une position de justifier. Parce que si on dit justice, ça veut dire que je dois justifier quoi ou juste quelque chose qu'on n'était pas dans... Tu comprends pas le... Ouais. Si je me fie à qu'est-ce que ça veut dire justifier quelque chose, là, ça voudrait dire que je démontre que ma relation, elle est légitime d'une certaine façon. Selon ta position à toi et que les personnes... Fond, mais je vois parce pas que, comment... Parce que les gens peut-être ne savent pas ta position, toi, en tant qu'individu, dans le sens, est-ce que tu es quelqu'un de woke? Est-ce que tu es quelqu'un de pro-black? Est-ce que tu es quelqu'un qui est activiste? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que ta femme se met avec toi? Ils veulent peut-être savoir beaucoup plus sur ta personne pour essayer de voir, OK, mais est-ce que ta relation, vraiment, c'est juste un échappatoire, comme on disait tantôt? Est-ce que c'est tout simplement quelque chose que, oh, ben, tu sais, je suis avec la personne, puis tu sais, c'est très, je pourrais dire, léger, en fait. C'est mieux, ça? Ouais. Ben ouais, ben écoute, moi, écoute, pro-black, je trouve que le terme, déjà, en partant, il y a... Je sais pas, pro-black, je pense que... Les autres personnes qui font du bruit, mettez-vous là, là! Mais que... Exprime-toi! On a OK quelque chose, exprime-toi!
Moins de espèces spéciaux, si... puis mettez-vous là. Non, mais c'est mon procès ou quoi? Là? Je non, comprends pas. What's, c'est le quelque chose. Jesus Christ, man. Anyways. Non, c'est le quelque chose. Tu dis, tu t'en fous, puis... Ouais, écoute. Je me considère pas pro-black. Par contre, je me considère une personne qui est concernée par les injustices envers ma race. Mm-hmm. Je suis quand même, tu sais, genre... J'ai pas peur de les dénoncer. Mm-hmm. J'ai pas peur non plus devant des Blancs de confronter leur racisme. Mm-hmm. De ce que beaucoup de monde peut-être peut se dire, peut-être pro-black, mais par contre, quand ils sont devant les Blancs, ben, ils ont pas nécessairement la parole facile. Il y a déjà, ils vont avoir peur. Mm-hmm. Ils vont pas vouloir perdre leur job, ils vont pas vouloir faire ça. Mm-hmm. Mais moi, je sais que dans ma carrière de DJ, où ce que j'ai évolué dans la musique, où ce que j'ai souvent eu affaire avec des gens, avec des Blancs, mm-hmm. ou des gens de d'autres communautés, j'ai dû me tenir debout. Devant beaucoup de monde et seul, parce que j'avais pas nécessairement du monde de mes semblables me backer. Mm-hmm. Puis j'ai persévéré dans le milieu. Puis je suis rendu où ce que je suis rendu, parce que justement, j'ai pas eu peur de dire aux gens les quatre vérités, les vraies affaires, mm-hmm. quand je chantais qu'il y avait des injustices ou des injustices raciales envers moi. Mm-hmm. Fait que je pense que. Est-ce que ça fait de moi une personne pro-black ou quelque chose du genre? Je pourrais pas dire, je pense que c'est une étiquette. Mais par contre, ils ont dit non. OK. Ben, écoute, mais le fait que répondre à ma place, vous voulez répondre à ma place ou non, mais le fait que OK, mais le fait que il est pas pro black, est-ce que ça fait quelque chose, est-ce qu'il devrait sentir mal? Like I feel, ben moi ouais, mais parce que dans vos réactions passives agressives, je trouve juste qu'il y a comme une réaction que vous avez face à chaque mot que je vais placer par rapport à juste comme... Je sais pas, là, j'essaie de comprendre... T'as pas à justifier. T'as pas à justifier. Ça, c'est une chose que tu comprennes. Vas-y. T'as pas à justifier, man. Moi, je sais même pas pourquoi, genre, le monde est en train de parler d'interracial. Il y a des choses encore pires que ça. Genre, il y a des gens qui font des rap, vidéos, musique, rap, gangster, en train de dénigrer l'homme noir. Puis nous, on parle de trucs interracial, genre, comme si, genre, c'est la fin du monde si tu dois être avec... Si tu sais qui tu es... Mais c'est quoi le problème? Tu comprends? Je veux dire, si tu sais quel genre de personne que t'es, si tu connais ta culture, man, c'est comme il n'y a rien qui peut changer que t'es. Je comprends pas cette affaire-là. Genre. Fait que si vous avez un problème parce qu'il y a un intéressant, peut-être vous devez vous découvrir parce que c'est un frère pareil. Moi, ça reste mon frère, puis je m'en fous. C'est sûr. Tout autant que tu fais quelque chose pour la communauté, c'est ça qui est important pour moi, man. That's it. OK. Tu voulais dire un commentaire? Attends. Elle est assise. Les visages que je vois moins, c'est priorité. Hein. Bonjour. Bonsoir. Donc, si j'ai bien compris, je suis pas très très poussée sur le concept de pro-black, mais être pro-black, c'est pas être anti-blanc, c'est prôner la culture noire et la mettre en avant et la valoriser. Mm-hmm. Donc, après avoir entendu tout ce que j'entends depuis là, je commence à me dire que la question qu'on pose n'a pas beaucoup de sens parce que la question c'est. Est-ce que tu peux être pro-black et être dans une relation intéressante? Ben, ça devrait pas se poser puisque l'homme ne devrait pas excluant l'autre, on peut être pro-black sans avoir nécessairement à se dire que... genre, c'est comme si on génère la négativité qui vient du blanc depuis sur notre culture et qu'on la repousse et qu'on répond par le négatif. On se valorise et on veut repousser l'autre alors que... Enfin, je sais pas si je me fais confondre. Bravo, parce que là, t'as réalisé que la question était compliquée. Hein? Là, t'as compris. C'est... Non, mais parce que la fin, c'est qu'on dit, mais pourquoi on pose ça en 2018, alors qu'on regarde qu'il y a beaucoup d'autres cultures qui appliquent ça sans le verbaliser. Nécessairement, on avait un panneau, lui, il y avait des Indiens qui étaient là, une fille qui était indienne qui a dit que moi, je ne peux pas date en dehors de ma race. Moi, je suis une femme indienne, je ne peux pas date un black. Je risque de me faire renier encore en 2018, là. Mm-hmm. Puis après, on va me dire, ouais, mais pourquoi vous parlez de ça aujourd'hui? Ben, allez voir, ils sont combien la communauté indienne? Ils sont combien? C'est des milliards? Ben oui. Ben d'abord, ben oui. C'est... juste pour rebondir rapidement à ce qu'elle vient de dire, quand tu parlais de négativité tout à l'heure, c'est les autres qui disent que être pro-black, c'est négatif, encore une fois. Être pro-black, ce n'est pas aller être anti. Contre les autres. Ouais. Si dans les pro-black, peut-être, il y a des gens qui sont anti, comme dans tout, il y a des gens qui sont... dans d'autres communautés qui revendiquent et qui excluent. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais maintenant, quand on dit pourquoi est-ce que ce débat, on se disait que ce n'est pas la question. Moi, je dis que c'est un débat. Les futures générations de la diaspora devront se la poser. Parce que... Again and again. Oui, parce que moi, je dis toujours,
on fait comme si on est dans le présent, on n'anticipe pas ce qui peut arriver demain. Moi, je dis parce que je viens d'Europe, le Canada va devenir l'Europe de demain. Parce que pour l'instant, c'est encore vierge. Excuse-moi. Pour l'instant, c'est encore vierge, il y a encore de l'espace, il n'y a pas encore beaucoup de monde. Mais d'ici 30, 40, 50 ans, les mêmes problèmes qu'il y a en Europe vont se poser ici. Donc, ceux qui vont faire les enfants ici, pensez à ça. C'est pour ça que je dis, en fait, que pourquoi est-ce que ça clive? Parce que ça clive. C'est pas qu'on peut pas dire on n'en parle pas, ça clive dans la communauté. Et ça, je dis justement, si on ne fait pas le pas de discuter de ça, on essaye de trouver des solutions. Pas vraiment des solutions, mais encore une fois, j'ai dit, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je ne veux pas dire à quelqu'un, ne va pas avec elle, je suis qui? Je suis personne. Je suis juste moi, mon individu me suffit. Et j'ai déjà assez de problèmes pour moi-même comme ça. Mais c'est juste comme de réfléchir à ce qu'on, quand on est noir et tout, tout ce que nous subissons chaque jour, même à titre individuel, même à titre collectif, parce que quand on agresse, que ce soit aux États-Unis, en Libye ou je ne sais pas quoi, moi, ça me touche quelque part. Ça me touche aussi quelque part. Je me dis, pourquoi est-ce qu'à chaque fois, regardez même les migrants, on ne montre que les Noirs. Pourtant, il n'y a pas que les Noirs qui bougent pour venir en Occident. Hein. Il y a les Salvadoriens, il y a les Syriens qui sont venus. Mais on a se focalisé sur la communauté haïtienne comme c'est les Haïtiens qui venaient envahir. Mais en même temps, posez-vous la question. On est en train de créer ce négativisme-là pour justement éviter de se poser les vraies questions parce qu'on ne veut pas qu'on se retrouve nous-mêmes. Et c'est ça, je dis, c'est ça l'enjeu. Retrouvez-nous nous-mêmes d'abord. Soyons sûrs de qui on est. Et ça, indépendamment de ce qu'on fait. Nos choix, après, c'est nos choix. Avec les conséquences. Mais si tu n'es pas capable de déterminer qui tu es, parce que si mes enfants, les petits-enfants que j'entends aujourd'hui, ont des discours des enfants des années 50, des années 40, il y a un problème. Et il faut qu'on se pose ces questions. Si on dit toujours que ben, c'est pas maintenant, c'est demain, attendons demain, on va se retrouver avec les mêmes affaires. Après, on va se retrouver avec le Brésil, parce que le Brésil, on pense que c'est la solution, mais faites, allez voir les reportages sur le Brésil. C'est une catastrophe raciale. Oui, c'est extrême. C'est même pire que les États-Unis, mais on n'en parle pas. Il faut aller vous renseigner. Donc, je dis, faites attention. Ne tombons pas dans la facilité. On va aller avec les deux autres panélistes, mais réponds à la question, pose ta question très rapidement. Ce n'est pas une question, c'est juste un commentaire. Je pense que quand on entend les gens, dans le fond, on se dit, oh, ils sont agressifs ou quoi. Je ne pense pas que c'est ça. Je pense juste qu'on veut entendre les gens se positionner de façon claire et précise. Puis, ce n'est pas un mal de dire, je ne suis pas pro-black. Mm-hmm. Tu as le droit de ne pas être pro-black. Je vais faire un parallèle avec le mouvement NAPI. Tu as le droit de dire, je ne suis pas NAPI, puis moi, je l'aime ma permanente. Mm-hmm. Puis, justement, quand tu vas la voir, ta permanente, viens pas dire que t'es nappy. Mm-hmm. C'est un non-sens. Fait que, de la même façon, je dirais que si t'es pro-black, c'est un mindset. Mm-hmm. Fait que, avec ce mindset-là, je trouve que t'es comme pas vraiment cohérent en étant dans une relation interraciale. T'as le droit à ta relation raciale. Mais c'est interraciale. Pas, ça t'enlève pas d'être noir. Ça t'enlève pas manque de vouloir. Cohérence. Exactement. Ça t'enlève pas de vouloir être activiste. Ça t'enlève pas de vouloir être sensible et de combattre pour ta communauté. Mais t'es juste pas pro-black. C'est tout. Puis t'as le droit. Pourquoi vouloir être tout le temps inclus dans tout? T'es juste pas inclus dedans. Okay, très rapidement. Mais je peux répondre peut-être. Ouais, mais très rapide à ta question après, Sheila, parce qu'il faut avoir le special guest. OK. Ben la phase qui arrive, c'est que, en tout cas, aux dernières nouvelles, une relation amoureuse, c'est une relation intime. C'est une relation que t'es attiré vers une personne, t'as des affinités, tu décides de vouloir sortir avec. Mais à la base, avant même que tu aies rencontré cette personne-là, tu étais cette personne-là mm-hmm. en tant que noir, anyways. Mm-hmm. Puis c'est pas parce que tu as été attiré vers une personne qui est différente que toi, auquel tu as développé des affinités, que automatiquement, ça fait en sorte que tout ce que tu étais avant, tous tes combats, tous tes struggles que tu as eu en tant que noir, fait en sorte qu'automatiquement, ça doit comme un peu être outshined par le fait que tu dates quelqu'un à l'extérieur de ta race. Ça n'a rien à voir. Je pense pas que. T'sais, ça fait de quoi une personne, ah ben, tu es en contradiction avec. C'est une relation intime. C'est une relation où est-ce que tu es en deux personnes, ça regarde personne, anyways. T'sais, on devrait pas. Ça n'a pas rapport, là. On ne devrait pas faire le procès des gens parce qu'ils datent à tort de leur race puis dire, ben, à cause de ça, tu peux. Mm-hmm. C'est une relation intime. Schiller, vas-y, rapidement. OK, rapidement. Pourquoi on est encore là aujourd'hui en 2018, là? C'est à cause de nous, les Noirs. Vraiment? Oh non, c'est. Non, ça, Mike, non, je dis pourquoi. Parce qu'on s'attarde sur des trucs, on met de l'énergie sur des trucs comme ça qui n'avanceraient pas finalement. Ça ne va pas avancer.
Comme moi, je suis pro-black, ouais. Puis je sors avec une blanche, je le dis. Je suis pas parce que j'aime. Mais selon Ashley, c'est cohérent. Non, ça n'a pas rapport. Parce que ça, c'est comme qu'elle disait au début, pourquoi je suis dans la relation avec une femme blanche? Est-ce que ça cause que. Mais attends derrière, recule un peu. C'est, est-ce que je suis dans la relation avec elle? J'ai choisi d'être dans la relation à cause que je valorise, comme je vois sa race comme supérieure à la mienne, ou juste parce que j'ai juste son être que j'aime, sans voir que sa race est supérieure quoi que ce soit, ou que je me diminue en tant que personne. C'est son être à elle que je veux pas sa race. Okay. C'est comme elle disait, c'est un état d'esprit, que tu sois pro-black ou pas. Okay. Puis l'affection, l'amour, c'est la même chose. C'est bon. La fois qu'il soit blanc ou pas, ça n'a aucun rapport. On va aller à l'autre question, rapide, parce qu'il faut aller avec le special guest. Bon, je pense que pour ce débat, il faut garder quelque chose d'important en tête, c'est que être pro-black, selon moi, c'est en fait de mettre tous les fruits de son labeur, que ce soit à travers sa job, ses enfants, sa famille. À la fin de la journée, si tu le remets dans la communauté, ça fait toi quelqu'un de pro-black. OK. C'est clair, toi. Le degré, l'intensité, ça n'a pas d'importance. Mais tant et aussi longtemps que le fruit de ton labeur retourne dans la communauté, ça fait toi quelqu'un de pro-black. Si tu es dans une relation interraciale, tu as des enfants avec c'est le cas de Kanye West. S'il élève ses enfants comme étant des jeunes noirs, il a fait sa part pour la communauté. Il a mis les fruits de son labeur, qui sont ses enfants, dans la communauté. Mm-hmm. C'est ça qu'il faut garder en tête. Il ne faut pas s'écarter dans... C'est bon. Très bon commentaire. Et maintenant, on va inviter Special Guest, qui était là l'année passée. Parfois gangster, parfois gentleman, ça dépend de son humeur. Hein? Mais là, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Wow! Est-ce que vous êtes prêts pour l'unique de controversé? Et sa douce moitié, son acolyte, le roi Enoch, Enis Rashida. Les affaires, quand t'as une guest, au cas que je veux faire la fête, ce n'est pas mon problème. Si lorsque reniflé, la cocaïne allume pas tes clients. La cuisson, les cailloux ne sont pas trop de coquins dans le produit. Fais appel aux latinos américains, ils sont les meilleurs dans l'importation du biscuit. Rappeur, tu es ma connecté, le roi d'une sphère à l'année. Moi et mon organon, assure mes transactions, ma politique sans tapon. Mon album est une perte de temps. Pourtant la belle, ça m'en va justement. Dans la rue, là au point, devant moi et mon équipe de Gorille Mafia. Je vois le ici en Alaska. Envoie une offre extravagante, musique brigand, rap arrogant, l'extrême poussé à fond. La calico dans la diligence, sorti à bloc, dans les bureaux de cocaïne sont sujets à transaction. Préparé, et c'est le début. We here! Make some noise, guys, kick it show! Là, les personnes qui faisaient du bruit vont me faire point de bruit parce qu'ils mangent, là. Elle est comme. Donc, Roy Enoch, si tu veux te présenter aux gens, pour ceux qui ne te connaissent pas. Ça se passe, le roi Enoch est dans la place, ça va devenir vrai pour quelques instants. T'es venu avec quelqu'un de très spécial aussi. Si, ici ma fiancée, Rashida. Make some noise. Si tu voudrais te présenter aussi aux gens, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ouais, ton micro, elle. Ouais, je l'ai. Bonjour, mon nom c'est Rashida, je suis coach, je suis aussi consultant. Je travaille dans le monde de recrutement de talent. Et je suis aussi coach de leadership pour les femmes. Nice, OK. Donc, pourquoi ce sujet-là, c'est un sujet... tu étais venu l'année passée dans un panel, il y avait quelqu'un qui était venu poser une question. Je crois que la personne a eu un côté un peu amer envers toi parce qu'il est parti avec sa copine pour parler d'appropriation culturelle. Et cette personne-là s'est sentie offusquée par tes propos sur les relations interraciales. Et moi, je n'ai pas trouvé que c'était nécessairement choquant. Pourquoi tu penses qu'il était choqué? Parce qu'il a une femme blanche. Donc, il s'est senti interpellé par ce que je disais. Mm-hmm. Mais je n'avais absolument rien de violent envers son cul. Tu vois ce que je veux dire? J'étais très calme. Je crois qu'il se frustrait car lorsqu'il rentre, il est avec une femme blanche et elle va tirer ses oreilles, donc il fallait vraiment qu'il prenne part pour elle, tu vois. Exactement. Mais je tu le comprends, pas, moi. Mais tu ne le parlais pas directement, tu parlais juste ça. Non, puis je ne senti... le parlais pas directement, c'est juste qu'il y a des parce que tu défendeurs de femmes blanches qui se sentent, ils n'ont pas le choix, tu vois. Car lorsque tu prends ta responsabilité,
l'idée d'être avec une autre race, mm-hmm. ça vient avec. Il faut que tu sois là pour comme un genre de lion, tu vois ce que je veux mm-hmm. dire. Tu gardes ton, tu vois, parce que ton patelin. Tu parlais de ton troupeau. Tu parlais de valoriser la femme noire et je pense que c'est à partir de ce moment-là ouais, qu'il a été... Qu'ils sont devenus fous. À chaque fois que tu valorises la femme noire, il y a tout le temps quelque chose de mal. Mm. Puis c'est quelque chose que je trouve très, très drôle car la femme noire est la créateur de toute chose. Tu vois ce que je veux dire? Et elle est créateur de toute race. Et le point que moi, je comprends que des gens comme Kevin et essaie de faire, c'est que au Québec, il y a un problème. Mm-hmm. Okay? Et c'est que presque tous les frères sont avec des femmes blanches. Ça devrait devenir vrai dans cette place pour quelques instants. Et ça, ça l'affaiblit une communauté qui est encore en esclavage. Donc, sans petit noir, pour nous donner la force et le marché, nous sommes affaiblis en partant. Mm. Donc, on marche en rond et ignoramment, ignoramment, guys. On recule et on instinct le sang noir, cette peau de cuir qui est supérieure. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, tu es d'accord avec l'appel de la personne qui dit que c'est comme ça qu'on participait à les génocides ou l'extinction de notre race? Sans le savoir, car il y a plein de sœurs blanches qui sont des bonnes, vraiment de bonnes femmes, et qui sont avec leur mari, je parle depuis des 25 ans, des 30 ans, truc, tu vois. Mais il y a des femmes blanches qui sont sur une mode. Et lorsque la mode part, les enfants sont élevés par les vieux et sont le marché de les blancs, car la culture de les parents, qui sont les grands parents, souvent, c'est swing la baquette et québécois à fond. Donc, l'enfant ne t'appartient pas. Donc, si vraiment tu prends ta responsabilité vraiment de rester et créer des Malcolm X ou des baraques, ben, là, tu vas voir que ton enfant, il est noir. Car juste une goutte de sperme noir te rend direct noir. Tu vois ce que je veux dire? T'es directement, tous les mulâtres nous appartiennent à la femme noire en particulier. Tu vois? Wow. Donc, il n'y a rien de mal de parler de la femme noire et de discuter tranquillement sans qu'on soit considéré comme des racistes ou des agressifs ou des pro-ci, des pro-ça. Tu vois? Être pro-noir, c'est d'être fier de ce que tu es et le respect que tu as pour ceux qui t'ont fait. Donc, c'est générationnel. Tu vois ce que je veux dire? Tu te regardes et c'est un amour que tu as pour toi. Donc, moi, lorsque je l'ai vue, directement, j'ai aperçu, je voulais faire des gosses avec elle tout de suite. Ça fait 10 ans que je la lâche pas. Mais mes enfants sont... Je remarque le cuir. Tu connais le cuir coach? Mm-hmm. Ils font des sacs à main, des trucs de ouf. Nous, déjà, les Noirs, on a ce cuir. Mm-hmm. Il faut le valoriser à fond et c'est ça qui contribue à nous qui se mélangent avec le restant de la planète. Mais c'est quand même nous, ils viennent de nous. Donc, pourquoi nous haïr tant, tu vois? Pourquoi nous haïr tant lorsque vous venez tous de la femme noire? Tu vois? Wow, make some noise, guys. Donc, avec ce discours et le fait que la première fois qu'il t'a vu, il voulait faire des gosses, toi, t'es correct avec cette phrase-là? Ça, c'est son expérience. Donc, c'est ça, je lui laisse. Il est un bon personne. Puis, ça a pris 5 ans avant. Ouais, avoue, parce que t'as fait quoi? La première fois qu'il t'a approché, tout, il t'a dit, c'est ça qu'il t'a dit? Ben, pas le premier jour. Non. Deuxième, peut-être. Deuxième jour. Il était assez patient. Oui, c'est ça. Pas plus fort. Approche le micro. Okay. Donc, avec qu'est-ce qu'il vient de dire, est-ce que toi, t'es d'accord avec le fait que être pro-black, c'est pas nécessairement être contre les autres non plus, mais que dès qu'on parle justement de valoriser la femme noire, ben, c'est comme s'il y a un certain discours qui est un peu paradoxal avec ce qui se passe dans les médias, puis qu'est-ce qui est vraiment... puis toi, t'es coach aussi. Donc toi, c'est quoi ta ligne de pensée avec... C'est sûr, autant que femme noire,
au départ, des fois, on a une complexe qui arrive avec le temps. Mm-hmm. C'est sûr et certain, on voit déjà qu'il y a une préférence pour une race, une teinte de peau qui est différente. Donc, c'est quelque chose qu'on grandit avec. Mm-hmm. Puis, je pense que subconsciemment, ça rentre dans nous, puis ça nous donne une faiblesse de confiance. Mm-hmm. Et des fois, il faut que la guidance d'un homme noir qui nous aime, qui nous valorise, qui nous dise « Écoute, t'es belle comme tu es. Mm-hmm. Je veux voir de plus tes côtés naturels. Je veux vraiment sortir ça de toi. Je veux vraiment te donner la confiance d'être toi-même. On vient tous avec notre propre bagage. Mm-hmm. On sait qu'en tant que noir, on a notre expérience. Puis ça nous suit aussi. Mm-hmm. Donc, tout ça... Il est comme ça, si. Tout cette bagage-là, ça rend qu'une femme noire peut être un peu... première apparence, difficile. Ouais, vous avez l'air... Standoffish. On peut avoir... L'air agressif? Agressif, des fois. C'est des stéréotypes, ça. C'est des stéréotypes, mais c'est à cause du fait qu'on a tellement vécu, on a des expériences, on a des choses qui arrivent dans notre passé, on a des choses qu'on a vues dans notre vie, qui fait qu'on devient, on est des femmes noires, on est la créateur du terre. On est tellement de force en nous. Des fois, on ne sait pas comment transférer ça en quelque chose de positif. Bad bravo. Aussi, une question que je vais te poser. Comment toi, tu perçois le fait que la communauté a été beaucoup offusquée lorsque Serena a trouvé aussi son copain qui, maintenant qu'ils sont mariés, ils ont eu leur enfant, puis on a vu vraiment la communauté noire, ils ont été offusqués parce qu'ils ont senti qu'ils ont été derrière elle quand les médias l'ont bâché, qu'ils ont dénigré son corps, qu'ils l'ont traité comme men on steroids, puis tout ça. Puis le fait qu'elle a trouvé justement cet homme, puis qu'elle a parlé comme si, well, j'ai date beaucoup de personnes de la communauté, puis quand j'ai trouvé, c'est comme si c'était comme, oh well, I found my savior, puis tout. Puis les personnes ont juste dit, mais. T'sais, c'est comme, t'aurais quand même trouvé un bon noir qui t'aurait valorisé et tout ça. Puis toi, tu parlais que c'est bien de pouvoir trouver un noir qui te booste ton estime, mais elle, c'est comme si, well, tu peux trouver aussi un blanc qui te booste ton estime et tout ça. Je peux pas parler nécessairement de son expérience dans la vie parce que je sais pas quel type de gars qu'elle fréquentait, c'est sûr et certain. Si t'as eu des mauvaises expériences avec plusieurs gars, qui ne valorise pas, puis après ça, tu deviens 34 ans. Mets le micro plus proche parce que tu deviens 34 ans, tu veux avoir des enfants, tu veux avoir un certain type de vécu. Je connais des femmes comme ça, mm-hmm. sont dans leur trentaine, début de trentaine. C'est YOLO, puis ils vont juste... Ils ont la misère. Ils disent, OK, je veux trouver moi un noir, j'attends. Puis ça arrive que peut-être ça passe pas dans leur sphère. Ici à Montréal en plus, on sait déjà qu'un... On a un débalance au niveau de coupes noires. On n'a pas autant de jeunes coupes noires qu'on voit, qui sont visibles, qui sont mm-hmm. Des modèles à ouais, suivre. Dans les médias, il y en a dans les pas médias beaucoup. Et tout ça. Donc, notre génération, c'est juste, quand tu vois quelque chose depuis ta jeunesse, puis tu grandis avec ça, bien, ça devient plus facile pour toi de dire, mais pourquoi pas une femme blanche? Mm. Pourquoi pas? Tu comprends? On n'essaye plus. On prend pas le temps, on cultive plus, on prend pas le temps de vraiment être avec cette personne puis de dire, écoute, je sais que toi, tu as un vécu, moi, j'ai un vécu, mais je suis prête à rester avec toi pour que nous, ensemble, on peut être une force indestructible dans l'industrie ou dans quoi que ce soit parce qu'on sait notre valeur, on sait aussi qu'est-ce qu'on a vécu. We know our legacy, we know what we come from. We know that we come from generations of kings and queens, but if you lose that along the way and you're not taught that, then you don't see the love in someone else looking like you. I want to produce me in my little kids. Mm. He wants to produce his mother. He loves his mother so much. Il aime sa mère tellement qu'il voulait reproduire qu'est-ce qu'il a vu dans sa mère. Donc ça, c'est quelque chose, un amour. Ça, c'est comme si c'est le plus beau cadeau que tu peux t'offrir à toi-même. Absolument. C'est de donner une progéniture qui te ressemble. Absolument. En fait. Absolument. C'est ça, et c'est ça le problème au Québec. C'est ça que je pense que lorsque je t'écoute, toi, et tu m'interpelles parce que tu éduques les gens à être noir, de discuter, de se poser, tu vois, et ça, là, c'est les trucs qu'il y avait dans les organisations de les Panthères noirs. Tous les trucs que les Noirs se sont mis ensemble, mm-hmm. ça commence par des trucs qu'il faut se rassembler mm-hmm. et tout. Donc, c'est pour ça que je supporte Kevin Calix au maximum. Tout le temps, je flingue dès que... J'ai un message de Kevin, je le flingue directement, tu vois? C'est un flagueur. C'est mon flagueur personnel, en fait. Donc, non, mais on est très, très, très fiers, toi.
Merci. Vois? Moi, je suis aussi fan du Roy Enoch depuis plusieurs années aussi. Donc, ça tombe bien. Donc, cette question qui est vraiment le topic de la soirée, qui est vraiment... on a entendu beaucoup de divergences d'opinions et tout. Donc, est-ce que vous, parce qu'elle a mentionné aussi des personnes qui sont des personnes célèbres, Maya Angelou et tout ça, est-ce que vous croyez que vous pouvez être pro-black et être dans une relation intéressante? Pas tout en même temps. Ah, il est gentleman, là. C'est pas un gangster. Je dirais que je peux pas nécessairement encore parler pour tout le monde en tant que moi. C'est très politique, correct. Oui, absolument. Hein? Donc, moi, je dirais que c'est un peu Tu peux parler en anglais aussi, si tu veux. I think that in order to be pro-black, there has to be a love of yourself enough to want to create yourself. Okay. To want to be able to recreate that in legacy. Let's look at when you die. If you're married and you die, you give everything to your spouse. And that spouse has to take it and continue to create your legacy mm-hmm. and keep your legacy going. If you feel like the woman that you have and that you're sleeping next to can recreate your legacy, is going to be able to take your name and be able to keep that year over year, pour vraiment garder tes enfants, vraiment garder ton esprit, and also the love that you have, l'amour que tu as pour ta race. If your woman every night that you look at can do that for you, then I say you're pro-black, for sure. Mais la plupart, on sait, des hommes noirs qui sont avec des femmes blanches sont pas nécessairement des femmes blanches qui sont dans le mouvement. Sont des femmes blanches, peut-être, qui n'ont pas nécessairement une expérience au niveau de leur culture. Mais est-ce qu'ils peuvent? Absolument, mm-hmm. Tout le monde peut. Parce qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'on peut être pro-choice, puis on peut être against. Mm-hmm. On peut être pro-vegetarian, pro-poulet. On peut avoir des choix. C'est un choix... C'est un choix qu'on décide à chaque jour qu'on mm-hmm. veut créer quelque chose, un legacy pour nos enfants, pour notre race, pour continuer qu'est-ce qu'on a créé sur cette terre, parce qu'on sait déjà qu'on est des peuples qui sont assez forts. On, mm-hmm. On est des peuples qui sont des reines et des rois sur cette terre. Mm-hmm. Puis on a une obligation mm-hmm. à continuer à créer, de maintenir ça. Mais est-ce que donc tu peux ça, avoir, c'est un choix. Est-ce que tu peux avoir cette mentalité-là et ne pas être pro-black, dans le sens qu'il y a des personnes qui disent « OK, mais... » T'sais, tout ce que tu as dit, c'est bien, mais juste le fait que je suis dans une relation interraciale, ça ne veut pas dire que je crois à tout ce que tu viens de dire non plus. Non, c'est sûr et certain, mais c'est sûr qu'il y aurait des questions. Peut-être à chaque soir, tu te questionnes, est-ce que je suis assez black? Mm. Est-ce que je suis plus black? Ma femme me dit quelque chose, elle a une petite blague. Peut-être son grand-père, qui n'a pas nécessairement eu une expérience avec des Noirs, t'appelle un nègre. Puis tout le monde rit. Là, c'est quelque chose, c'est des réactions. Peut-être que tu as une expérience avec sa famille, il ne t'accepte pas. Ça t'affaiblit à chaque fois que tu as une expérience comme ça parce que tu n'es pas sûr. Your eye is not on the prize. Mm. Ah, OK. Si. Maintenant, toi, Roy Enoch, can you be pro-black et être dans une relation intéressante? Pro-noir, c'est qu'un mot. Qu'on a formulé, c'est dans son esprit et c'est normal, c'est comme de respirer, d'être un pro-noir. Mm-hmm. Puis les gens qui prennent trop ça au sérieux, ce sont souvent des vendus, tu vois. Mm. Moi, je dis que être pro-noir, c'est directement dedans le cœur. Lorsque tu vois Whitney Houston, puis t'es jeune, que tu sois un chauffeur de taxi, tous mes oncles à Queens, tout le monde voulait être avec elle. Tu vois mm-hmm. ce que je veux dire? Elle est tellement... Tu vois, c'est pur. Mm-hmm. Lorsqu'on appelle ça le hitter, tu vois? Mm-hmm. Donc, c'est... Même lorsque j'étais gamin, jeune, j'étais comme emballé d'elle, là, comme si j'hallucinais fou. Là. Mm-hmm. Seule une femme noire peut faire ça à un pro-noir dans sa façon d'être, mm-hmm. son cœur, sa façon de marcher, mm-hmm. d'exécuter tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, mm-hmm. c'est pour mettre Whitney Houston dans sa maison ou dans sa Mercedes. Tout ce que t'as, tu vas le partager avec Whitney Houston. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, wow. OK. C'est du Roy Enoch. Un appel? Non, on va pas prendre d'appel maintenant. Là. Tu veux dire quelque chose? Ah, fuck, si je comprends bien, je pense que je viens de comprendre. Moi, je me considère pro-black. Mm-hmm. Mais je crois peut-être c'est les frères qui viennent me faire comprendre. Parce que moi, j'ai une fille, mais je n'ai pas fait ma fille dans le sens parce que je voulais laisser ma trace.
J'ai fait ma fille juste par amour, par la fille à mon ex, en fin de compte. Non, c'est pas parce que je l'aime procréer. Et j'ai pas l'intention de me reprocréer. Je n'ai pas envie de laisser. Mais par contre, tout ce que je viens de vous rejoindre, c'est vrai. Un pro-black, c'est que tu vises pour la génération future. Future, ouais. Qui vise, moi, j'ai des cousins, j'ai des cousines. Puis je travaille à compte pour eux. C'est comme souvent, je parle à leur mère pour dire, regarde, essaie d'éviter que la petite regarde les hip-hop, qu'on fasse juste les filles en train de twerk, 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 twerk. Puis qui fait rien de la tête. Mm-hmm. Ça, c'est moi pour moi être problème, mon petit parti ou ce que pour les générations futures, mm-hmm. sans vouloir me marier, chose que je trouve ridicule, mm-hmm. Sans vouloir me mettre d'autres enfants pour, parce que pour procréer qui je suis, mais c'est pour les générations futures. C'est mm-hmm. ça que je pense, peu importe avec qui tu es, comme je disais au début, c'est pourquoi tu es avec cette personne. Est-ce que c'est, quand on dit la famille, si la famille est raciste, puis la personne avec qui tu es, si elle n'arrive pas à mettre son pied à terre, c'est un peu toi qui es imbécile de rester encore avec cette personne-là. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est nous, en fin de compte, qui décidons comme, où ce qu'on est aujourd'hui. C'est tout. Si on se décide, nous autres, là, comme regarde, moi, je n'écoute pas la télévision, je ne vais pas au cinéma. Je vais au cinéma si c'est un film des blacks. Si c'est un film des blancs, puis ça m'intéresse, comme moi, j'adore les affaires de super-héros, ben, j'étais le pirate gratuit. Comme ça, j'encourage quand je vois ces blagues. Je vais au restaurant, je suis comme je mange plus de viande. Je vais au restaurant, je mange encore les fruits de mer, donc j'achète mon diri à l'ambi. Sans je veux dire, ouais. Quand je vais à l'épicerie, j'aime les légumes, mais j'allais chercher ça chez le commerce haïtien. C'est ma façon à moi. Si j'essaie, si c'est qu'il y a des trucs, par exemple, malheureusement, ça, notre problème, justement, on n'est pas diversifié. Comme moi, j'ai besoin de mon grain chia. Va trouver ça dans un marché haïtien. Il faut que j'achète les blancs. Ça, c'est notre problème présentement. Pourquoi que là, on voit Serena Williams avec un blanc? Parce que pourquoi on regarde vraiment, pourquoi on consomme cette télévision? C'est que là, ils vont se promouvoir. Eux, ils vont pas mettre les coupes blacks. Parce que c'est pas vrai qu'il y a plus de blacks comme moi qui est avec des blanches. Tous mes cousins et mes oncles sont avec des femmes noires. Je suis le seul avec une femme blanche. Il faut juste arrêter d'écouter les hypes. C'est tout. Puis faisons nos affaires, diversifions-nous. Faisons des affaires comme justement que moi, j'avais plus besoin d'aller chercher mon chia chez le blanc. Je souhaite de plus avoir besoin du blanc. Mais malheureusement, ben, on est au Québec. Puis non, je ne suis pas québécois parce que je suis au Québec. Okay, je suis haïtien. Il faut enchaîner, Roy Nock veut répondre. Il faut juste faire des affaires pour nous. Je vais vous expliquer. C'est parce que le problème, c'est qu'au Québec, on a un travail à faire. Pour être libre. Et il faut absolument se préserver car attends. On est dans une ville où l'on est piétiné. On n'a pas le droit d'être à la radio. Les policiers nous mettent leur mace dans la face comme si on est de la poubelle. Et les Blancs nous traitent de caca qui flotte à la télé. Donc nous, pourquoi on laisse nos sœurs crever? Devenir vieilles et on les laisse qui ne produisent aucun fruit et on tue notre descendance. C'est le sujet au Québec qui doit être dans la tête de tous les Noirs, surtout les jeunes qui sont au secondaire et qui prennent exemple et ils se posent tous la question, si je suis avec une blanche, je vais avoir de l'immobilier, je vais avoir de la facilité que le papa signe pour ma maison, toutes sortes de trucs d'infériorité qu'ils croient que la femme noire et eux-mêmes sont faibles par rapport à la société. Donc, ils sont endoctrinés dès le jeune âge et ont une estime de soi super basse. Et même lorsqu'on a Michaël Jean, qui est super calé, super intelligente, elle dort avec un vieux blanc raciste, avec sa gueule de d'haïsseur de noir, vieille gueule de raciste, là. C'est devenu vrai dans cette Donc, quel exemple les autres noirs? Ils ont tous les artistes. Ils sont tous comme ça, tous les peu qui sont à la télé, qui ont des petits jobs, qui ont des petits trucs, et ils sont mariés avec une femme blanche. Donc, c'est un problème ici, et ce n'est pas du raciste. Non, je suis d'accord avec toi, frère. Je suis d'accord avec toi. Je veux dire, il y a plein de sœurs blanches, et tous les Arabes et les Latines, ce sont vos enfants. Donc, tu peux les faire grâce. Mais on ne peut pas acheter et prendre le risque de continuer de faire ça dans une terre où on est piétiné et on est en voie d'extinction à cause
de notre façon de faire et de nos choix, qui sont nos choix à nous, les jeunes qui viennent ici et qui n'écoutent pas nos parents, parce qu'on est des petits connards de merde et on va essayer toujours de prendre un chemin de cheveux-soie. Après, la plupart de nous sont en tôle ou sont sur la rue et prendre la drogue de fou. Tu les vois, mais ce mec-là, il y avait de l'argent, il était pimp, il y avait deux, trois blanches, trucs. Ils sont tous fous. C'est vraiment très, très rare que tu vas avoir une qui va rester et qui va créer des Malcolm X et des Bob Marley. Tous ceux que je te nomme avaient une femme noire. Hein? Tous ceux que je te nomme, là, tous des métis chauds, plus chauds que plein de nègres qui racontent du caca, qui foutent absolument rien de bon. Puis ils sont mélangés moitié blancs, mais ils sont tous avec des femmes noires. Car en retournant vers le sang initial, la force directe, Superman direct, Bob Marley direct, Barack Obama direct. Mais c'est Michel, hein? C'est Michel qui lui donne ce heater. Tu vois ce que j'essaie de dire? Donc, on a besoin de métis, mais lorsque tous les Noirs sont avec des femmes blanches ici et sont ignorants, dans le sens qu'ils ne savent pas, c'est comme Dieu dit, il faut les pardonner car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bon, déjà là, les dieux viennent perdre là. Moi, là, je fais jamais ça, hein. Je parle jamais, je suis timide, je bégaye, je suis un artiste, je rappe et lorsque je rappe de drogue, de flingage. Lorsque je viens ici, c'est énormément dur, mais je parle normal, hein, c'est normal. C'est normal parce que moi, j'ai vécu à New York, Queens, et lorsque je voyais qu'il y avait des Noirs sur un autre coin de rue, des Noirs, j'ai déménagé là direct. Parce que je vois la force directe. Yo, what up, son, what up, God? Like, putain, là, les jeunes, ils ont des triple fat goose, ils ont déjà des grosses chaînes à 5 ans. Il y a Nike, il y a Timberland, il y a plein de Noirs, il y a des femmes noires. Tu deviens dingue, c'est tellement de force que je comprends la valeur qu'on a. Donc, lorsque je suis revenu ici pour faire le rap, ils m'ont bloqué directement parce que déjà, moi, je représentais pour les Noirs. Il y avait un gros problème. Directement, tu es bloqué. Et moi, je m'exprime pour la langue française. On me reçoit en France avec des mecs qui font des analystes, des spécialistes de la langue, juste pour m'analyser. Ouais, j'avais vu ça. Même si je cafouille et je patine. Tu vois, mais ici, ils s'en battent les couilles. Ouais. Et je suis en français maximum. Le français, ça m'appartient. Mon peuple a coulé le sang. Say it again. Tu vois, donc, eux, ils savent. Mais ça, c'est les descendants de Dessalines. Tout de suite, je suis bloqué direct. Tu vois, donc moi, c'est pour ça que je suis toujours en mode pro-noir tout le temps. Je suis toujours, je te flingue ta gueule direct là aussi. Karen, tu voulais répondre à ce qu'il vient de dire? Oui, juste rapidement, pour rebondir ce que vous avez dit, on parlait des modèles et je disais les modèles au début. Remarquez l'impact que le film Black Panther a eu en Afrique, partout. Black Panther, parce que pour une fois, on a, même si le message était Marvel, on sait que c'est Marvel, mais le capital image qu'on a vu, de voir des Noirs comme ça, qui font des choses extraordinaires. Les gens pleuraient sur YouTube. Des Noirs pleuraient pour dire, mais c'est la première fois que je vois ça. Donc, c'est pour ça que je dis, le modèle est important. Nous avons des modèles, mais arrêtons de nous focaliser sur eux, qui sont des modèles qui sont parfois préfabriqués, parce que ce qu'on ne nous dit pas, parfois ce sont des alliances. On leur dit, marie-toi avec tel pour faire du buzz, marie-toi avec tel parce que c'est ma brand qui va associer avec ta brand. Et nous, on pense que c'est de l'amour. Pas forcément. Et ça crée des clivages. C'est pour ça que je dis, en fait, que si ça choque autant Serena ou Piqué Subban ou tout, c'est parce qu'ils savent que ça nous clash dans notre communauté. Donc, le modèle est super important aussi. Bruno, vas-y. Ça va bien? Ouais. Bon. Peace. Salutations à Bruno. Peace to God. Si. OK. Bon. Mon gars sûr. Ben, mon nom, c'est Bruno, et puis je suis métissé. Donc, t'es métisse? T'es dans quel bar, toi? Et je suis un d'une des plus grandes familles, en fait, pan-africanistes qui a été là. Tu veux pas le dire aux gens? Je vais pas le dire, non, parce que ça n'a pas vraiment d'importance. J'ai grandi à Montréal-Nord. Donc, en 84-85, j'étais le seul métis, en fait, à Montréal-Nord. Donc, j'étais avec ma maman blanche québécoise et mon papa du Burkina Faso et tous les autres Noirs, en fait, étaient haïtiens. Et je me rappelle, je prenais la 69. Et puis, ça tournait sur Henri Bourassa. Et puis, après ça, on rentrait un peu dans le hood. Et puis, j'étais le seul. Et toutes les mamans haïtiennes m'adoraient. Et puis, j'étais spécial et tout. Et puis, bon, j'étais l'enfant métisse. Et il respectait beaucoup ma mère aussi parce qu'elle avait ouvert son cœur à un Noir. À ce moment-là,
À ce moment-là, je dis bien, c'était spécial. À ce moment-là, c'était une autre époque. Aujourd'hui, si vous marchez sur la rue Saint-Laurent et vous regardez les couples noirs, ça n'existe plus, les couples noirs. Mmh. Il n'y a que des hommes noirs. En fait, ça, c'est il y a 15 ans, c'était surtout les hommes noirs qui allaient avec des blanches. Et maintenant, sûrement parce que les femmes noires ont été tellement délaissées. Maintenant, on voit plein, dans les 10, je dirais même 5 dernières années, plein de femmes blanches qui étaient célibataires probablement, hein, et qui ont besoin d'amour aussi. Mm-hmm. Donc voilà, il n'y a que des métissages. Mais ce n'est pas, c'est pas que le métissage est mal, je viens de là. Tu es le produit du métissage, toi. Je suis le produit du métissage, mais la question, c'est quoi en fait la question de tout ça? Can you be pro-black et être dans une relation intéressante? Non, tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Non, non, tu ne peux pas. Métis! Bruno est chaud! Bruno est chaud! Bruno, tu es prêt, tu es métis! Bruno je X! Métis, je Bruno suis X! Métis et je vous dis, hein. Mais comment peux-tu dire ça, Bruno? Non, mais comment je peux dire ça? En fait, mon... Tu ne peux pas être pro-black et bon, d'accord. Exemple simple. Si Drake, tout le monde connaît le truc de Drake avec Pusha T, mm-hmm. ça avait été avec une porn star noire. Mm-hmm. Vous croyez qu'il aurait perdu son battle? Non. En fait, tout était focus sur le fait que est-ce que Drake, le métis, qui a fait un blackface avant, mm-hmm. et ensuite. Son grand fanbase, en fait, a été déçu parce que c'est beaucoup des femmes noires. Et puis, elle se disait quoi? Mais on a été délaissé là-dedans. Et puis, il y a eu tout le blackness aussi. Est-ce que Drake est vraiment noir, etc.? Mm-hmm. Donc, il n'est pas pro-black, Drake. Donc, voilà, il a perdu son truc. Son combat, rapidement. Il a perdu son combat. Mais c'est toujours ça, en fait. Le truc, c'est que si moi, j'ai un enfant avec une femme blanche et que cet enfant-là a un enfant avec une femme blanche... Ouais, c'est fini. Mais il se passe quoi ici? Il se passe quoi? Il se passe quoi? Comment vous pouvez, en fait, espérer... Surtout, je comprends tout le truc d'amour aussi. Il faut comprendre le truc des Antilles. Moi, en fait, mon papa était africain. Je comprends le truc des Antilles que, bon, dans les Antilles, les seules personnes qui avaient accès à la personne blanche, c'était la femme. Mais la femme n'avait pas le choix, hein? Et puis l'homme, s'il essayait d'avoir accès à la femme blanche, mais on le tuait rapidement, hein? Donc, il y a eu cette espèce d'aspect de revanche et puis de « Oh, maintenant, j'ai accès à la femme blanche et puis je délaisse ma femme noire, etc. » Mais est-ce que vous aimez vraiment ces femmes blanches-là? Est-ce que wow. c'est la première que vous avez rencontrée et que vous êtes vraiment tombé en amour comme à l'époque où il fallait se battre contre tout le monde alors que toute la société entière encourage ça pour, je ne sais pas, essayer de démolir la communauté noire? Ou est-ce que c'est juste de l'amour? Est-ce que toutes vos copines d'avant ou tous vos copains d'avant étaient blancs? Je ne crois pas pour les femmes noires que ce soit un problème parce que c'est tellement récent. Mais pour les hommes noirs, il y a des hommes noirs de mon âge hein, qui ont seulement sorti avec des femmes blanches dans toute leur vie. C'est ça, Bruno. Hein, j'ai grandi, je vous le dis. Et ils n'ont jamais goûté à ça. Donc, c'est normal que lorsque nos premières expériences sexuelles, lorsqu'on est adolescent, etc., c'est avec une blanche. Dans mon temps, en tout cas, c'était Pamela Anderson. Maintenant, c'est... Il y a eu Paris Hilton. Maintenant, c'est Kim Kardashian. Il y en a qui disent qu'elle n'est pas blanche. Je ne sais pas comment elle n'est pas blanche. Ma maman est plus foncée. Elle est blanche. D'accord? Peu importe. Et ensuite, on a des expériences, etc. Après ça, les gars vont être comme « Ah, ben moi, les Noirs, c'est pas pour moi. » Mais t'as jamais même été vers là parce que t'as été encouragé par ça. Et puis, je trouve ça tellement dommage. Et même moi, bien sûr que moi aussi, j'ai été... Dans l'aliénation. Bien sûr que j'ai Mais c'est pour ça que tu sors juste avec des filles noires. Je te vois toujours juste avec des belles femmes noires. Mais c'est la même femme, sûr, en fait, qui change de coiffure. Il faut comprendre quelque chose aussi. Mais ça va même plus loin que ça parce que, bon, j'étais Henri Bourassa et à Calixa-la-Vallée et j'étais le seul métis à cette époque-là. Maintenant, il doit en avoir plein. Hein. Mm-hmm. Maintenant, ça doit être un nouveau clic. Là. Il y avait quelques latinos, quelques arabes, beaucoup de noirs et là, les Québécois. Là, il y a les métis. Là, il y a les métis aussi, voilà. Mais à mon époque, j'étais le seul et beaucoup de filles noires aussi venaient vers moi. Mais pour quelle raison exactement? Est-ce qu'elles venaient parce qu'elles me trouvaient jolie ou bien est-ce qu'elles venaient pour d'autres trucs? Donc là, je commence à trouver vraiment que c'est important, en fait. Peut-être que est-ce que je parle trop? Non. Keep going. Est-ce que je dérange? Non. Ça fait longtemps que t'es pas venu, c'est privilège. Privilège. Parce que j'ai pris 2 ou 3 verres avant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu Bruno. En fait, ce que je veux dire, c'est... Les gens qui sont en couple, blanc-noir, je ne vous dis pas de vous séparer et de vous en aller. Mais vraiment, je crois que les célibataires, et puis ça m'est arrivé à moi aussi parce que je me considère quand même noir, hein, parce que j'ai quand même un grand héritage africain. On t'aurait payé plus aussi. Je crois que c'est intéressant à un certain moment de faire le point, d'analyser. Et puis,
c'est pas vrai qu'on tombe nécessairement en amour. Des fois, on cherche, des fois, il y a des relations, ci et ça. Et puis après ça, ça, en tout cas, là, je parle beaucoup en parabole. Tout ce que je veux dire, réfléchissez. Et puis, c'est la seule façon où on peut progresser en tant que communauté. Et aussi un autre truc. Vas-y. Aussi un autre truc. Vas-y. Sors les flingues. Parce que le summum, j'en avais parlé avec toi, en fait, en message privé. Le summum de la virilité, là, pour beaucoup, c'est souvent les gens qui vivent dans les milieux criminels. D'accord? Mm-hmm. Et j'ai remarqué, bon, plus que de 80% des Noirs à Montréal sont des Haïtiens, donc c'est surtout eux qu'on voit. C'est eux qui représentent pour tous les Noirs. Et dans le milieu criminel, j'espère qu'il y en a qui vont m'écouter aujourd'hui. Et c'est pas pour lancer des flèches, mais j'ai remarqué que, on les voit dans les clubs, hein, pas besoin de faire partie d'eux. Hein. Ouais. Ils sont toujours avec des blanches. Est-ce que les Italiens, est-ce que vous allez voir des Italiens tous avec des Haïtiennes? Est-ce que vous allez voir les gangs québécois tous avec des Québécois? Ici. Est-ce que vous allez voir les Arabes? Tous... Donc, c'est tu chaud, vois, ça. Lorsque le summum de la supposée virilité qui nous a été imposée par les 50 Cent, que j'adore le hip-hop, ça n'a rien à voir et c'est une réalité. Mais 50 Cent, est-ce qu'il faisait ça, lui, à Queens? Pourquoi vous faites ça ici au Québec? Mais bon, c'est pas. Non, mais je t'entends en arrière parce que tu crois que je te blâme pas. Je te dis, reste avec ta copine, sinon. C'est... Ça parle après. Je suis là, tu vas pouvoir parler après. Ça parle après. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, je ne serais même pas né. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il faut se questionner là-dessus parce que la communauté noire est la seule communauté qui se métisse autant. Et puis, voilà, quoi. C'est tout. Merci. Wow! Donc, si on est capable de s'entendre sur un point... Non, mais Sheila va pouvoir parler. Attends, Candice! Ne vous battez pas. Est-ce que vous avez toutes des questions, c'est pour ça? Attends, mais juste avant, est-ce que toutes vous qui êtes assis, est-ce que vous avez... OK, Candice, tu vas dire quelque chose, vas-y. On aime Sheila. Vas-y, Candice, vas-y. OK, pas trop long, les questions, commentaires. Je vais saluer Pat Boogie, c'est ton nom? C'est moi. Patrick. Okay. Patrick. Depuis que tu es heureux avec ta Marocaine québécoise, I respect you, but. But. Ah, ça finit. Diminue pas ta couleur face à sa race. Pourquoi? Et est-ce que je l'ai fait? Non. Je veux juste te donner un conseil du pourquoi que j'amène mon commentaire. C'est que souvent, je vois des hommes noirs avec des femmes blanches. Okay. Vous mettez votre culture en arrière et vous embrassez leur culture. Mm. OK? Et quand d'autres femmes noires... Moi, je te pointe pas, Pat Boogie. Moi, je te connais pas. Moi, je te respecte. T'es avec ta femme. T'es bien, t'es heureux. I'm all in with you, OK? C'est juste pour parler pour les autres personnes qui t'observent, qui sont comme moi, j'ai ma femme, puis je suis bien avec elle, puis that's it. Tu comprends? Qu'est-ce que je veux amener comme point, c'est que souvent, vous embrassez leur culture et vous délaissez le vôtre. Quand vous allez dans des soupers de famille, « Hey, t'es pas pire pour une noire, toi. T'es pas pire pour un noir. Hey, t'es différent des autres. » Ça, là, vous devez mettre un frein sur ça. Parce que quand ça va continuer, comme votre enfant... Oui, je suis d'accord avec toi. Faut que tu sois un exemple, puis toutes les autres aussi. Parce que je le vois souvent, OK? Dans les fêtes, comme il a apporté un point dans les fêtes, c'est vrai, je vois beaucoup des Noirs avec des femmes blanches, pop bottles, puis tout ça. Je le vois souvent. Par contre, quand je vois des femmes noires... Je regarde des hommes noirs avec leurs femmes blanches qui regardent une belle femme noire passer, bien, bien campée, bien mine. Puis vous allez cheat votre blanche avec cette noire-là et la laisser briser, la donner des faux espoirs pour donner tout le rêve à cette femme blanche-là pour avoir une accessibilité. Et ça, je trouve ça whack. Ça devient dit. Okay. Soyez bref dans les questions parce qu'il faut que Pat puisse parler. Et puis, qu'est-ce que je voulais ajouter sur Roynock? Tu avais parlé de la force quand tu es aux States. J'ai lu quelque chose de Bill Bunting sur Facebook, un blanc, okay, qui commence à remarquer comment que les Noirs, on commence à perdre notre culture, notre force. Il a dit « Arrêtez de vous mélanger avec des Blancs, ça fait partie de l'agenda. Continuez à vous mettre encore avec des Noirs. Okay. Baptisez des liens avec des Noirs. » Donc, ce que je voulais dire, c'est que les gens dans les couples interraciales, faites vos femmes et vos hommes embrasser votre culture, puis... Hey, vous avez fait 20 ans environ à manger du riz, cola, pois, légumes, la tasso avec l'alo. Là, après, quand tu habites avec cette femme-là, elle arrive même pas à te faire un tricot à pois griot. Donc, juste embrasser la culture, c'est un plus-plus. Parce que des fois, je vous vois, je ne veux pas généraliser, mais je vous vois souffrir.
quand vous voyez des bons plats haïtiens là. Okay, faut continuer. Tu voulais répondre avec le fait que t'as mangé tout. Je sais pas si c'est ça que j'inspirais, qui fait que ça vous a amené à faire ça, à dire ça là, mais honnêtement, Jesus Christ. Ben, ouais, c'est comme si le monde te parle, mais il parle à tout ce que tu peux peut-être représenter, mais c'est pas toi personnellement. Mais c'est-à-dire, décrivez-moi si bien que ça, si vous me connaissez si bien que ça, décrivez-moi. Non, pas toi personnellement. Non, je comprends, mais non, mais ce qu'elle vient de me dire, c'est important. Elle dit, je représente, mais dites, oh, c'est quoi mes caractéristiques fait que je représente là? Je veux comprendre qu'est-ce que, parce que j'ai dit que j'étais DJ, j'ai grandi avec du monde, ou est-ce que de différentes races, puis que ma copine est moitié québécois, moitié maghrébine. Qu'est-ce qui fait en sorte que à cause de ça, je représente quelque chose. Moi, je veux juste comprendre. Parce que tu sais, dans l'assistance, depuis le début, je sens, tu sais, des réactions, tu sais, on veut pas trop le dire, mais en même temps, je vois. Tu sais, mais dans le fond, là, qu'est-ce que vous essayez de dire là, par rapport à. Comme, parce que moi, je comprends vraiment pas, là, en quoi tout ce que j'ai dit ou qu'est-ce que j'ai décrit ma relation fait en sorte que. Je sais pas, là, je trouve juste que ça devient un peu. Je sais pas, ma relation, j'ai pas à l'expliquer, j'ai pas à la justifier ou quoi que ce soit. On dirait que comme je représente pas, j'ai pas à me donner, à me faire des conseils par rapport au fait que, oh, mets-toi, fais, prends garde, hey, you. Like, je dis honnêtement, là, je suis fier d'être noir, j'ai toujours été fier d'être noir. Je pense que je suis une minorité visible, donc je pense que quand t'es noir, t'as pas le shooté, t'es pas comme si tu veux te masquer, donc honnêtement, Les défendeurs de femmes blanches. Non, non, pas du tout. Non, mais t'es un personnage, honnêtement, genre, je le prends vraiment pas mal du tout, là. It's all good, là. Moi, j'ai pas de problème avec ça, là. Parce que ce panel, on devait finir depuis tantôt, mais c'est chaud, j'essaie de finir, mais c'est chaud. Oui, allô, ton commentaire ou ta question? Oui, allô? Allô, Patrick? Allô? Allô? Salut! Oui? OK, bon, Patrick, je pense que les gens ont eu une mauvaise réaction par rapport à toi. Toi et moi, on a grandi ensemble. Enoch? Pardon? Je vois en arrière, là, ta chaîne sortie de diamant. Oh! Bra. Ensuite, j'ai aussi vu Sheila essayer d'expliquer son pro-blackness, puis qui est pas anti-whiteness ou whatever, là. Whiteness? Non, anti-whiteness. Anti-whiteness. Vas-y. Anti-whiteness. Oui. OK. Donc, mettons Patrick. Personne ne le connaît, là, vous le connaissez pas personnellement, OK? Toutes les femmes, là, qui sont là, en train de dire, tu rabaisse pas la femme, non, fais pas ça, blablabla, là. Qu'est-ce qu'elle disait, c'est comme, si j'ai pu comprendre avant que les aliens la prennent, c'est pendant que t'avais un intérêt sur la femme noire, est-ce que la femme noire vraiment t'a donné peut-être cette attention-là, genre. Peut-être, on dirait que c'est ça qu'elle essayait de dire. Que si les femmes noires m'ont donné de l'attention? Ouais, parce que c'est comme si. Est-ce qu'ils t'ont donné une chance quand tu voulais aller vers les femmes noires? Je sais pas. Ben, j'ai déjà fréquenté une fille noire et de un, là. Parce qu'on dirait la fille qui t'appelait, elle te connaissait. Mais j'ai pas le droit de savoir. C'est quoi son nom, là? C'est quoi son nom? Une amie ou quelqu'un qui te connaissait. Vous avez grandi ensemble, puis. C'était quoi son nom? Elle a pas dit son nom. Elle a dit, vous ne connaissez pas la façon de connaître, mais on m'a grandi ensemble. Ouais. OK. Puis c'est comme si elle disait ça. Donc elle amène un élément du fait que vous le connaissez pas. Moi, je le connais, puis peut-être le fait qu'il a pris ces décisions-là aujourd'hui, c'est le fait qu'il a essayé de présenter... Décisions? Ah non, regarde! Non, je fais juste... Non, mais c'est l'appel! C'est... Mais c'est comme ça qu'on le présente, puis je trouve que ça m'agace un peu, parce que comme, like... C'est ça. Moi, j'essaie de décortiquer ce qu'elle a voulu dire. Mais c'est faux ce qu'elle dit. C'est pas ce qu'elle appelle. Ça devrait pas être compris comme ça, anyways, parce qu'une relation, c'est pas une question, c'est un choix d'aller vers. Tu sais, tu tombes en amour avec quelqu'un, tu tombes en amour. Là, c'est pas comme si ah ben là parce que là, bon, ma copine est de telle façon, ben là ça.
ça définit la personne que je suis. Puis là, bon, puis là, faut que j'explique exactement le parcours de pourquoi j'en suis arrivé là. Ça n'a rien à voir. Comme je dis, j'ai daté plusieurs nationalités. T'sais? Puis je dis, puis là, ben, si je veux répondre à ta question, c'est pas une question qu'on va pas laisser de chance. Honnêtement, je pense que je peux tomber dans l'œil de quelqu'un ou pas. Ou pas. Puis c'est comme, il y a des, tu sais, je veux dire, c'est pas, c'est comment je peux dire, c'est organique, là, à un moment donné. Ça clique pas. Ça clique pas, c'est ça, mais je comprends pas. Je sais pas par où commencer pour expliquer quoi, pour atteindre les laws of attraction, parce qu'il n'y a pas de laws of attraction, il n'y a pas vraiment de, c'est pas une science exacte, so, je sais pas. En fait, je pense que, enfin, d'après ce que tu as dit, c'est que c'est aussi les raisons qui font que le noir va aller vers la blanche. Parce que parfois, et ça, c'est l'Internet, c'est encore les médias, il y a des voix dissonantes exprès pour diviser qui disent « Ouais, mais les noirs, ils ne me regardaient pas quand j'étais au lycée, blablabla, j'ai pu trouver ça. » Donc, c'est ça, en fait, quand tu disais la justification. Et je comprends, parce que c'est vrai qu'il a le sentiment d'être attaqué. Parce que justement, c'est ce truc clivant, parce qu'on suit les médias, les réseaux sociaux qui montent ça en sucette, en fait. Donc, c'est comme si lui, parce qu'il est dans sa relation, il doit absolument... Ouais, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé forcément. Alors qu'il n'y en a pas du tout. Avec du tout, la femme noire. Mais elle, pendant qu'elle appelle, c'est comme oui, si c'est elle ça, avait c'est ça que ça voulait dire. Donc, ce n'est pas vraiment le profil, là. C'est comme si elle disait... Je le connais, puis tout. Donc, oui, ça non, s'a c'est coupé, correct. Donc on mais, c'est, mais ça, c'est la résultante, justement, de ce que je dis. Les médias, mm-hmm. les réseaux sociaux qui amplifient la négativité. Mm-hmm. Certaines qui passent leur temps, filles comme garçons, à dire « Ouais, l'homme noir, c'est zéro, je vais vers les autres. La femme noire, c'est zéro, je vais vers les autres. » Quand on commence à... Et ça, je disais, en fait, le capital d'estime de soi. Si vous commencez à trouver des raisons... pour aller vers les autres, vous avez un problème. Voilà. Vous voilà, avez merci. Un problème. Il n'y a pas forcément... C'est ça que je disais, j'ai du respect pour ceux qui vont... Il y a des fois, le feeling est naturel. Il y a des goûts qui ne s'expliquent pas. Mais moi, je dis, quand c'est des goûts qui sont suggérés... Moi, je parle... C'est pour ça que je parlais de la génération de maintenant, les milléniaux et les futurs, là. C'est pour eux que je m'inquiète. Si vous trouvez votre partenaire et qu'il y a des atomes crochus... Mais c'est qu'on est tellement dans un truc clivant, on se dit, s'il est allé vers les autres, c'est au détriment, il a eu un passif négatif ou elle a eu un passif négatif avec les Noirs. D'où la nécessité d'avoir, et je répète, des modèles. Comme elle expliquait aussi, excuse-moi ton prénom, Rachida. Rachida disait la même chose. On a des expériences négatives et on a tendance à généraliser. Donc quand on trouve un partenaire qui est différent, forcément c'est parce qu'on a eu des mauvaises expériences obligatoirement. Et ce n'est pas toujours vrai. C'est seulement que ceux qui valorisent ce type de relation mettent en avant ça. Et il ne faut pas tomber dans ce piège, en fait. Diana, merci. Oui, dans le fond, je veux juste dire quelque chose un peu pour Pat, puis la réaction des gens, là, parce que moi aussi, j'ai vécu ce genre d'affaires-là quand tu es en couple interracial. Et veut pas, ça amène de la frustration de la part de la communauté. Ils vont te le faire ressortir. C'est vrai. I felt it. Quelqu'un qui est chaud, c'est l'entraînement là. Ici, là. Non mais qui l'assume, c'est quand même au moins qui l'assume. D'accord, la scène. C'est le meilleur crowd que tu peux avoir à Montréal. Moi, j'adore mon crowd. C'est normal. Les gens vont transmettre un peu leur frustration. Moi, écoutez, là, c'est ça arrivé. Là, tu vois un beau gars noir dans un nightclub. Quand tu vois qu'il y a une fille blanche qui vient devant lui, là, t'es comme ah. C'est fini, là. Mmh. C'est toujours comme ton ça. Ton cœur est brisé. Ton cœur est brisé. Et puis, moi aussi, c'est dans un sens, inférieur. Écoute, je me suis fait parler par des gars noirs qui me disaient, « Attends, t'es avec des Blancs. Pauvre toi, tu dois être frustré, là. » Oh! C'est genre... Mais dans le sens que, tu sais, genre, je dois être frustré comme frustré sexuellement, là. Tu sais, je me suis fait dire ça, là. Tu sais, je veux dire, c'est comme... Tu vas le recevoir. C'est comme c'est normal, là. Tout ce que j'entends là pour de vrai, c'est juste que vous avez un sentiment d'infériorité. Non, littéralement, parce que quand je dis, moi j'ai grandi. Non, mon Dieu. Il parlait de tels des fantasmes, alors des médias et tout. J'ai grandi, toutes mes fantasmes ont toujours été des femmes noires. Donc, c'est pas les médias qui m'ont. Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est juste que. Non, ok. Bon, juste une question. Qu'est-ce qui fait que vous aimez quelqu'un, que vous êtes tombé en amour avec quelqu'un? C'est qui l'est? Vagabond clan connu. Vagabond clan connu. Non, dis-moi, tu aimes la personne, tu tombes en amour avec la personne, tu juges la personne sur qu'est-ce qu'il est. OK?
puis tu prends la décision de continuer ça avec elle si la personne représente tes valeurs. Right? Que ce soit blanche ou pas. Je tombe en amour avec une femme noire, okay, une haïtienne. J'étais hyper en amour avec elle. Mais pourtant, on n'avait rien en commun. Elle était croyante, chose que pour moi, que je trouve qui est très anti-noir. Si tu dis que tu es noir, puis tu me dis que tu es catholique, c'est pas logique. Mais pourtant, c'est moi qui n'ai pas pro-black. Right? Elle a les cheveux. Je suis d'accord pour une fois que je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est ça. Non, mais parce qu'il faut être logique. C'est pas parce que je savais qu'il est noir, mais pourtant, elle a les cheveux brettes comme ça. Elle met de la permanente. C'est bon, ça? Non, vous l'avez dit, non. Mais ça, non, ça va dans le sujet. Okay, non, Shadab. Laissez-le s'exprimer. Non, mais parce que vous dites, je peux pas être considéré comme pro-black parce que j'ai une blanche. Mais pourtant, je vais être avec une noire, mais qui représente même pas ce que c'est une noire. Logiquement. Oui, mais. Mais ça, c'est bien. Non, c'est du pour que ça. Ok, on va laisser. Non, vous agissez comme des. Dan, vas-y. Inférieur. Fait longtemps qu'on n'a pas entendu Dan. Vas-y. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Diane. Ok, guys. Avant de répondre aux panélistes, je voulais juste. Franchement, j'allais pas spécialement parler, mais là, ce que tu viens de dire, tu viens tellement de raconter n'importe quoi. Le sentiment d'infériorité, c'est le tien. On va commencer comme ça. Quelque chose. Ok. Non, on va commencer comme ça. J'ai aucun. Non. Ok, guys. Mon ami, assieds-toi, on parle. Ok. Depuis tout à l'heure, t'as parlé, on a écouté. Le quelque chose, ok. Avant que Diane continue. Ça fait depuis tantôt qu'on devait finir, mais là, ça devient très chaud. OK, Jocelyne, je veux pas que ça finisse. Il y a des drinks en arrière et tout. Diane, ça fait longtemps qu'elle est pas là. J'aime bien le côté straight de Diane. Non, elle a pas de filtre, elle y va, whatever. So, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. So, vas-y, go in. Non, mais il faut dire les choses clairement. Moi, j'ai pas de problème avec le fait que quelqu'un soit dans un couple interracial ou quoi que ce soit. J'ai vraiment aucun problème avec ça. Non, là, je suis pas en train de juger la personne. Je parle pas du jeune homme qui est là. Je parle de ce que tu viens de dire en disant qu'on a un sentiment d'infériorité. Parce qu'on dit que nous, on aimerait être en relation avec quelqu'un de notre communauté, mais t'as un vrai sentiment d'infériorité. Depuis tout à l'heure, tu racontes absolument n'importe quoi. Je suis d'accord avec t'es vraiment complexé au plus haut point. Non, t'es vraiment complexé au plus haut point, mon ami. Et en plus, le culot... Attends, premièrement, tu sors avec une femme blanche et t'as le culot de dire que oui, les femmes noires, oh, mais ses cheveux doivent être comme ci, doivent être comme ça. C'est à cause de toi que les femmes noires sont complexées. C'est à cause de toi que les femmes noires n'avancent pas. Tu sors avec des femmes blanches et t'as le culot de venir dire à quoi doit ressembler une femme noire. Est-ce que t'es sérieux là dans ce que tu dis? T'as vraiment le culot, tu sors avec une femme blanche et t'as le culot de dire à quoi de ressembler une femme noire. C'est à cause de toi que les femmes dans la communauté sont complexées. C'est à cause de toi que les femmes dans la communauté n'avancent pas. Ça vient pas de moi. Moi, j'ai pas rien à foutre de qu'est-ce que tu ressens. Ok. Ok, mais tu réponds après. Ok, tu viens dire qu'on avait un sentiment d'infériorité. Ok, bon, ok, Schiller, je comprends. On va la laisser parler parce qu'elle a pas parlé. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais ok, le niveau d'aliénation. Ok. Ok, vas-y, je comprends ce que tu veux dire, mais le niveau d'aliénation est tel que là, cette discussion n'a absolument aucun sens. Je vais retourner vers les panélistes parce qu'on aura une discussion plus constructive. Je vais juste te dire que, concrètement, je comprends que tu sois dans un couple interracial, j'ai absolument aucun problème avec ça. Moi, je dis juste que ce qui dérange parfois, c'est que les gens qui sont dans des relations interraciales dénigrent les femmes noires. Ouais. C'est-à-dire que, oui, c'est bien d'être avec une femme blanche, mais si c'est quand t'es avec une femme blanche, c'est pour dire que, ah ouais, mais les sœurs regardent leurs cheveux, ouais. Ah regarde, elles s'habillent pas comme ça, ah regarde... On n'aime pas les formes des femmes noires, mais on aime les formes des femmes blanches. C'est toutes ces choses-là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui le font, mais ce n'est pas mon cas. Non, tout à fait. C'est pour ça que je dis que dans ton discours, j'ai aucun problème avec ton discours. Et je dis juste qu'on n'est pas en train de dire qu'on est contre les relations interraciales, mais il faut juste faire attention. Pourquoi je suis dans une relation interraciale? Et il faut comprendre aussi que dans une relation interraciale, à tout moment, tu auras du racisme ordinaire. Comme ce qu'elle disait la jeune femme. Tu auras du racisme ordinaire et c'est à toi de parler et de dire quelque chose, tu vois. Tu vis dans une relation avec une femme québéco-maghrébine, le racisme anti-noir au Maghreb, mais c'est vénère. Mais... C'est très très fort, tu vois, et c'est à toi à chaque fois. Mais tu disais que tu prends pas les conseils, mais ça c'est vraiment un conseil que je te donne. Ouais, c'est mais c'est parce que le racisme ordinaire il va exister et c'est à toi de pour tes enfants. Je comprends, mais tu sais comment c'est difficile pour un enfant de pas vivre du racisme hors de la communauté, mais de vivre le racisme dans sa famille. Pour vous dire, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, ok? Non, je te fais confiance. Honestly, listen. Non, mais,
je te fais confiance. Je comprends, mais Mike, thanks for your concern. Merci de votre concern. Merci. I'm gonna be all right. Mais je dois peut-être dire certaines choses, peut-être. Écoute, moi, j'ai grandi à Saint-Jean-sur-Richelieu, OK? Je sais pas où c'est. Il n'y a pas plus blanc que ça, OK? Genre, j'ai grandi toute ma vie, que ce soit dans une équipe de sport, que ce soit à l'école primaire, que ce soit des scouts, n'importe quoi, j'étais toujours le seul noir, OK? Donc, puis mes parents m'ont fait fort. J'ai appris à me tenir debout devant qui que ce soit. J'ai jamais... Au contraire, il y a du monde qui m'ont souvent haï parce que, justement, j'osais leur répondre. Oui, Pat, non seulement il est noir, mais il est baveux. Mais dans le fond, ce que ça voulait juste dire, c'est qu'il prenait pas qu'un gars comme moi pouvait se tenir debout et leur répondre à leurs insultes. Ça fait que moi, là, honnêtement, je suis assez fort dans la tête. Puis le racisme, là, inquiétez-vous pas, là, j'en ai reçu assez. Ça fait que je suis très aware. Puis avoir fréquenté d'autres communautés, je suis très aware que... Il y a des peuples, que ce soit des gens dans les communautés italiennes, les Portugais, les Grecs, les Juifs, ils sont très, 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 très fermés d'esprit. Puis même si on a bien beau dire que, ces peuples-là, tu vois, regardez-les, eux autres, ils se tiennent entre eux. Non, non. Mais you know what? Moi, je ne les prends pas en référence, ces gens-là. Parce que ces gens-là, dans leur cœur, là, il y a beaucoup de négatifs là-dedans. Fait que moi, je suis très pour la... Je suis bien pour la préservation, pour des choses, pour dire, OK, il faut... En nous, mais de notre côté... Je veux pas ressembler à eux non plus. Parce que ce qui arrive, c'est que ces gens-là sont fermés d'esprit. C'est ces mêmes gens-là que, quand c'est des employeurs, ils vont pas te donner ta job. Puis à ce moment-là, si tu veux vraiment combattre le racisme comme il faut, là, c'est que ces mentalités-là, justement, là, il faut que ça disparaisse. Fait qu'à un moment donné, faut accepter que, hey, you know what, tomber en amour avec quelqu'un, là, c'est un être humain au départ, à la base. Fait qu'à un moment donné, tu sais, on essaie de me mettre dans un entonnoir tout à l'heure, de dire, bon, t'es pro-black, tu l'es pas, non? C'est complexe Bonjour. Comme question, OK? Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est que tu peux être pro-black, mais de l'autre côté, c'est que, tu sais, en tant que noir, en tant que minorité visible, c'est que tu veux aussi combattre la discrimination qui est envers toi et ta communauté. Tu veux combattre le racisme. Tu veux qu'à un moment donné, you know what, on te considère comme étant la personne, pas juste comme dire, OK, la personne noire, donc à cause de ça, on veut la juger un peu plus bas, puis non, non, non. Donc, si on veut en venir réellement à ça, là, pour le racisme, puis qu'on veut qu'en finalité, là, que toutes les choses auxquelles on se bat quotidiennement, des choses qu'on voit à la télévision, des petites injustices par rapport, bien, à un moment donné, ça va faire en sorte que, veux pas, là, on va se côtoyer anyways. La personne à côté de moi, là, elle va être notre race, notre culture, puis... Il va falloir s'apprivoiser. Puis si le racisme, réellement, les gens auraient fait leur job de pas avoir de moins en moins de préjugés, ça veut dire qu'on va pouvoir être amis sans jugement. Puis éventuellement, ben, y en a là-dedans, ils vont se mettre en couple. So, tu sais, qu'est-ce qu'on veut au juste, là? On veut combattre le racisme, mais en même temps, on veut être tellement pro-black pour mettre les gens un peu à dos, ou on les veut comme des alliés aussi. Tu sais, à un moment donné, c'est comme faut se brancher, parce qu'on ne pourra pas être justement les deux puis danser sur deux fronts. À un moment donné, si on veut combattre le racisme, là, ça veut dire aussi que ça veut dire qu'il va y avoir des mélanges. Là. Puis l'évolution de la société, le monde, l'évolution de l'humain, à un moment donné, on va finir par se mélanger, no matter what. Ceux que dans les peuples, comme je disais, que ce soit des Portugais ou des Grecs, ceux qui prônent justement, nous, là, eux autres sont en arrière là, aussi. Là. Moi, c'est ce que je pense, ils sont un peu en arrière. Puis c'est ça qui fait en sorte que c'est cette mentalité-là qu'on n'avance pas dans le monde. On n'avance pas. Mal bravo pour Pat. Moi, c'est juste ça. Bah, laissez Roy-Nock voulait répondre sur les autres. Vas-y, Roy. Oui, moi, je pense que tu ne comprends pas le sujet. On est vraiment en dehors du sujet. Tu vois ce que je veux dire? Le mélange, ça se fait naturellement, mais je crois qu'on sort du problème et au Québec, il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, tu ne mets pas le doigt dessus. Ici, on est un groupe en majorité noire et on est en train de parler de d'autres choses que notre problème. Tu vois, donc on vit dans le même monde quand ouais, même. Oui, on vit dans le même monde, mais lorsque les policiers t'aspergent de poivre de Cayenne à cause de ta couleur de peau, on a quelque chose à faire, nous, et c'est quand même d'en parler. Et ça, c'est un problème qu'on a, car tu marches sur Sainte-Catherine et c'est que des noirs, blancs, noirs, blancs, noirs, blancs.
Tu vois, il y a un problème ici. Ouais, OK, mais si donc, il n'y a rien de mal qu'on okay. parle de ça. Il fine, faut pas fine. Que toujours, oh, qu'on n'avance pas à truc. Non, j'ai pas j'ai ça, ma cabane, si... ma Rolex à 20 000 non, fine, mais si on, mais si on bras, attend... Mais si on toi, attend... J'ai une femme noire et la banque nous a accepté directement. On a crédit avec des chiffres de 800. Pas et de problème. On est deux noirs. Donc, tu vois, on est normal. Mais à chaque fois qu'on parle de sujet chaud, de rester entre soi et de se... Oui, ça crée toujours un problème. Il y a toujours un noir qui est en défense et qui essaye de nous expliquer que nous sommes fous et qu'on recule. J'ai pas non, mais il n'y a rien à voir. Il n'y a fou, rien là. À voir, absolument j'ai rien dit, à voir. J'ai pas dit que quelqu'un était fou. Les Allemands, là, je roule en, en BM. Ce sont des Allemands. Moi, je suis un ingénieur. J'ai des trucs, c'est tout fait par des Anglais blancs. Là. Mais si on attaque le problème, comme tu dis, par rapport à la police, tout ça... Si on dénonce puis on fait en sorte que bon on nous entende finalement là ce qu'on souhaite depuis des années qu'on nous entende puis que là il y a des choses qui se règlent là. Il va falloir quand même que dans le fond you know what ben, ouais, c'est si de notre faute ça c'est de notre faute non mais ce que je dis c'est que mettons, non mais parce qu'on parle souvent du problème puis on parle souvent de qu'est-ce qu'on devrait faire mais mettons on hypothétise puis on est dans la situation parce que le problème s'améliore là. La solution là ça avance là. Ça va être quoi, là, finalement? Ça veut dire qu'à un moment donné, les policiers vont être de concert avec nous. Ils vont mieux s'entendre avec nous. Donc, ça veut dire faire en sorte qu'à un moment donné... Mais en attendant... Mais ça veut dire... C'est ce qu'on souhaite, right? En attendant, OK, on n'améliore rien ici. En attendant, car je te jure que ça prend des petits... je suis pour... les enfants, c'est le futur. Tout est pour les enfants de Wu-Tang Clan à de Marvin Gaye. Tout est pour les enfants. Donc, il faut absolument que tu penses, enfant noir, c'est un enfant qui va me libérer. Wow. Tu vois ce que j'essaie de dire? C'est dans ce sens-là. C'est pas une question que il faut pas qu'on aille de couple avec des mix. Ben non, ça n'en prend ça. Okay. Ça prend que les Noirs, ils sèment la graine partout. Ça, je suis d'accord. Mais ici, au Québec, on ne peut pas se payer ça. Pas au Québec. Parce qu'on n'a rien. Ils nous donnent absolument rien. Donc, il faut faire des nègres pour avoir un marché. Il faut faire des petits Noirs. Il faut faire des enfants, des petites femmes. Et faire avec ce que tu es. C'est pour ça qu'ils t'aiment en tant que DJ. Parce que tu es un DJ noir. Tu as un certain truc. Et tu es tout de suite prêt à l'exterminer, mais sans faire de mal, mais tu ne comprends pas ce que le panel, ils essayent de faire. Ils essayent de rejoindre les jeunes noirs pour attaquer un problème. Ce n'est pas tout nous qui doit être avec des femmes blanches. Moi, c'est ça le truc que je sens. Sinon, je me casse, je n'ai rien à faire ici. Je veux montrer un exemple qu'on est deux noirs et qu'on peut le faire. Car ici, on n'a pas d'espoir. Lorsque tu vois une femme noire, tu lui dis « Oh, elle a des bonnions, elle porte des lunettes, elle a les cheveux avec des nattes. » Tu trouves toutes sortes de trucs. On est endoctriné dans un maximum. Il faut quand même qu'on se retrouve, puis qu'on soit fier, puis il n'y a rien de mal. Puis après, on va s'assimiler au blanc. Il y a quelques mix, mais pas tout. Mmh. J'ai pas dit tout non plus. Non, mais c'est le problème, ça. Il n'y a pas de tout. So, guys. OK, c'est bon. C'est correct, c'est correct. Quoi, c'est 30 secondes, c'est 20 secondes? C'est 30 secondes, en fait. Vas-y. C'est bien beau de parler d'avoir des enfants puis garder la progéniture, mais si on les apprend pas d'où ils viennent, ça sert absolument à fucking rien, man. Ouais, mais je comprends. Je vois pas pourquoi on a un problème avec le terme pro-black, parce que les Juifs sont pro-Juifs, les Asiatiques sont pro-Asiatiques, les Latinos pour se sont préserver. Parce qu'on associe automatiquement du fait que ben être pro-black, ben voilà, il faut être extrême, il faut être négatif, il faut être sinon. Je comprends, mais ils sont en retard avec l'évolution de la société, eux, ces gens-là. Il faut se reconnaître soi-même pour revendiquer nos droits. Ils sont en retard, une société, littéralement. Une société qui nous écrase. Non, mais tu t'es promené dans les quartiers. They don't even look at you. They don't even acknowledge you. Like, moi, je veux pas vivre comme ça, là. Moi, ça m'est dans... Moi, ça me... Je rejoins pas du tout, là. So guys, make some noise pour le panneau. Je sais que c'était chaud. Tu vas le voir sur un... Vous savez pas trop si vous applaudissez ou pas. Je savais que ça allait être un panneau. Guys.
vous allez avoir un débat après que j'ai fini de faire mon mot de la fin, guys. So, guys, je savais que ça allait être un panel qui est extrêmement chaud. On avait eu la première partie l'année passée. Je sais qu'il y a eu différences d'opinion. Je sais que c'est quelque chose que certaines personnes étaient d'accord ou pas. C'est vraiment subjectif pour plusieurs personnes qui ont reçu justement leur point de vue. Donc, je ne pense pas le fait que tu es dans une race interraciale va faire en sorte que tu es moins noir. Je crois qu'un des points qui a été le plus important, c'est que lorsque tu as la mentalité pro-noir, c'est que tu penses à l'avenir, tu penses à ta progéniture, tu penses justement à l'éducation de tes enfants pour pouvoir créer justement une certaine communauté pour pouvoir créer le marché ou un certain marché. Donc, Pat avait dit justement, tu sais, ils sont racistes puis ça ne devait pas être une référence. Mais on voit souvent que dans ces communautés-là, mais lorsqu'il y a des problèmes justement d'entreprise ou d'emploi, mais eux, ils peuvent entre eux donner justement un emploi à leurs semblables aussi. Et ils sont extrêmement prospères, ces communautés qui sont justement fermées. Donc, ce que je veux être vu raciste ou riche, moi, je préfère être virèche. So, guys, merci pour le panel d'aujourd'hui. J'ai pris exemple sur One Up. So, je remercie à tous les panélistes qui sont là. On se revoit la semaine prochaine. Je remercie le Blueprint Lounge. Je remercie aussi Griot Express. J'espère que vous avez mangé, guys. J'espère que vous avez signé aussi la consultation pour le racisme, justement, systémique et le profilage. So, guys, on a vraiment extend aujourd'hui parce que c'était chaud. Beaucoup de personnes voulaient s'exprimer. C'est sûr qu'on va essayer d'aborder le sujet dans d'autres angles. So, je vais remercier aussi mon équipe de KK Show. Et on sent eux, là! Je sais pas si il y a un KK. Non, oui, on se voit next week! Même pas de chaîne et même pas de heure!
mixing up your favorite tune. DJ I Wonder. You heard?